Monsieur le ministre, chers collègues, nous allons pouvoir procéder à votre audition préalable à l'examen de la loi immigration. Je voudrais d'abord procéder à deux nominations. La nomination du rapporteur d'application de ce projet de loi qui appartient nécessairement à un groupe de l'opposition, et le bureau de la commission des lois a nommé un membre du groupe Les Républicains, la candidature de monsieur Éric Pauget. Nous devons également désigner un rapporteur sur la proposition de résolution européenne visant à faire respecter le droit international dans le secours des migrants en mer Méditerranée. La situation est un peu paradoxale puisque nous avons déjà adopté tacitement cette PPRE. Comme elle est inscrite à l'ordre du jour mardi prochain en séance, il nous faut nommer un rapporteur de la commission des lois qui sera monsieur Guillaume Gouffier-Valente. Et donc, enfin, la loi immigration. C'est une loi qui nous arrive du Sénat, une loi qui, venant du Sénat, est joufflue, certainement excessive, et j'attire l'attention de la commission des lois sur le fait que certaines de ces boursouflures ne résisteront pas à un œil juridique avisé ou du constituant ou du Conseil constitutionnel, pardon, ou par ailleurs de l'examen qui sera celui de la commission des lois. Je renvoie les sceptiques et les critiques d'ailleurs aux décisions du Conseil constitutionnel sur la LOPMI d'une part, et notamment sur les ajouts sénatoriaux qui avaient été censurés, ou sur la LOPJ plus récemment, avec les articles 2, 4, 8, 10, 20, et notamment concernant le légal privilège, qui ont tous été considérés comme cavaliers législatifs. J'invite aussi chacun à constater que certains ajouts sont politiquement regrettables, ce sera certainement commenté ici, sur la politique de santé publique, sur les mineurs non accompagnés, sur le code de la nationalité, et que, de toute évidence, les arguments juridiques ne se suffisent pas à eux-mêmes. J'invite la commission des lois à retrouver l'ambition et la lucidité du gouvernement initial en matière d'immigration. Et je pense que c'est sur cette loi la partie la plus utile aux Français qui sera le moins commentée. C'est souvent le cas. C'était le cas d'ailleurs de la loi séparatisme sur la police des cultes, puisque la territorialisation et l'accélération des procédures d'asile, qui concernera près de 300 000 personnes, eh bien, sera certainement étudiée dans le plus grand des consensus par cette commission. D'ailleurs, si Monsieur le ministre pourra, dans son une introduction, confirmer qu'il y a bien une liberté de la CNDA de s'organiser pour la formation de jugement en juge unique ou en collégialité, ce serait utile. La simplification des procédures de 12 à 3, peut-être de 12 à 2, sera également très profitable à tous les requérants. Et viennent ensuite les dispositions qui ont été largement débattues avant que nous réunissions cette commission. D'abord, les mesures en matière de fermeté. Et je serais curieux de savoir qui pourra s'opposer à des mesures qui concernent l'expulsion des étrangers délinquants, des mesures qui concernent la fin des excuses, notamment les levées des réserves d'ordre public, qui, par ailleurs, font qu'on ne pourra plus également enfermer de mineurs dans les centres de rétention administrative. D'ailleurs, j'étais avec certains des membres de la commission dans ces centres de rétention. Chacun devrait pouvoir le visiter pour en connaître la réalité. J'attire enfin l'attention de la commission sur le volet qui a été aussi très débattu, avant même qu'il n'arrive au Parlement, le volet sur l'intégration. Je ne regrette pas pour la première fois en 20 ans que ce soit cette majorité et ce ministre qui aient permis de parler positivement d'immigration. Voilà. Et je pense que ça a le mérite d'être dit. Je salue le fait que la droite sénatoriale, après avoir longtemps critiqué le fait que cette mesure soit inscrite dans une mesure législative, celle de la régularisation, l'ait faite elle-même, dans des termes qui ne sont pas à ce stade, je crois, satisfaisants, mais il faut quand même le saluer. Il faudra trouver d'ailleurs une écriture qui convienne à toute la commission. Et puis, je vous attire l'attention aussi de tous les commissaires sur les obligations nouvelles qui sont créées, celles de formation à l'égard des salariés, sur la régularisation donc dans les métiers en tension, sur l'autorisation de travail des demandeurs d'asile, sur la fin de l'exploitation des personnes en situation d'activité libérale ou sur la sanction administrative qui pèse à la fois sur les personnes qui sont les employeurs ou les logeurs, si je peux le dire ainsi, qui ne sont que le miroir de la criminalisation aujourd'hui des réseaux de passeurs. Voilà un texte donc touffu qui conservera toute une partie de son volume, en tout cas de son intérêt. Et donc je passe immédiatement la parole à Monsieur le ministre pour nous le présenter. Merci Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les députés. Heureux de vous retrouver pour un mois de novembre et de décembre, qui sera sans doute un mois d'échanges nourris et importants sur un texte en effet annoncé depuis un an, qui découle directement du programme du président de la République dans ses trois grands axes, tels que nous l'avions défini dans le projet de loi initial du gouvernement, déposé en premier lieu, c'est vrai, au Sénat,
pour la première fois, c'est un texte régalien qui est déposé en premier au Sénat pour arriver ensuite à l'Assemblée nationale et qui évoque évidemment les trois grands sujets de notre projet de loi. Le premier, c'est celui, comme vous l'avez très bien dit, de la simplification drastique des procédures. Nous avons aujourd'hui, et je crois que c'est la continuité directe de la loi Collomb, beaucoup de difficultés, notamment dans ce qui concerne les difficultés qui touchent les juridictions administratives, mais pas que, pour pouvoir dire rapidement à quelqu'un si nous le voulons ou si nous ne voulons pas sur le sol de la République, selon les règles que l'on a définies. Le deuxième sujet, c'est évidemment les exigences et les moyens en termes d'intégration. C'est un volet très important qui permet de toucher l'intégralité du champ de l'intégration et qui fait suite aux 25% d'augmentation du budget d'intégration que vous avez voté dans la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI, voilà à peine un an, et qui a déjà des concrétisations dans le budget 2024, vous l'avez sans doute vu. Troisièmement, c'est effectivement la fermeté vis-à-vis des étrangers, soit par leur éloignement, soit par leur expulsion, lorsqu'ils commettent des actes graves de délinquance ou de criminalité. Nous y reviendrons. Je vais me concentrer, Monsieur le Président, peut-être dans la présentation du projet initial du gouvernement, parce qu'en effet, d'autres dispositions ont été rajoutées de la part du gouvernement, postérieures notamment au drame d'Annecy et au drame d'Arras, mais également rajoutées par le Sénat, d'ailleurs avec des amendements qui viennent de tous les groupes politiques du Sénat. Et je veux d'ailleurs dire ici que je partage, si vous me le permettez, votre vision du débat parlementaire, c'est-à-dire que, après l'avoir dit très clairement dans le débat sénatorial, il y a clairement des cavaliers législatifs. Ce serait mentir aux Français de croire que les questions, certes importantes, parfois abordées par les sénateurs, mais qui n'ont pas utilisé l'irrecevabilité, puissent être dans ce texte-ci, puisque, à coup sûr, comme vous l'avez dit, ils seront censurés par le Conseil constitutionnel et que cela me paraît déjà un sujet assez compliqué en soi, que celui d'immigration, parce que nous parlons des femmes et des hommes et des enfants, et évidemment de ceux qui sont chargés d'appliquer les règles de la République, pour pouvoir rajouter des mensonges aux Français en expliquant qu'on a trouvé la martingale, alors que ce texte ne prévoit pas, en effet, d'autres dispositions que celui du Code des étrangers, tel qu'initialement prévu par le gouvernement. Si je reviens sur les trois grands axes qui sous-tend ce projet de loi, je veux revenir sur l'écosystème qui permet malheureusement l'immigration irrégulière, alors que notre travail collectif, c'est évidemment de pouvoir prévoir une immigration régulière avec des critères définis par le Parlement et de lutter contre l'immigration irrégulière qui est toujours source de difficultés, bien sûr, pour notre État, mais aussi pour les femmes et les hommes qui la subissent. Et il y a un écosystème irrégulier, des passeurs qui sont des marchands de misère et qui trafiquent les êtres humains contre des sommes d'argent, jusqu'à ceux qui les logent dans des conditions évidemment absolument inacceptables. Et si je devais résumer le projet de loi, par petits bouts évidemment, mais lui rendre sa cohérence, nous essayons, et je suis très ouvert évidemment aux amendements et aux discussions, comme je l'ai été au Sénat, quel qu'il soit, pour lutter contre cet écosystème irrégulier. Premier sujet, vous allez passer de délit en crime, le fait d'être passeur. Aujourd'hui, c'est un délit puni jusqu'à 5 ans de prison, plus grave si jamais il y a mort de la personne. On pense tous à ce drame qui a eu lieu dans la Manche avec 29 migrants qui sont morts dans les eaux froides, dans des conditions ignobles, des femmes enceintes, des enfants. Et malheureusement, les très nombreux passeurs que nous interpellons ne sont pas punis à la hauteur des drames qu'ils font naître, parce que les tribunaux appliquent la règle de la République qui ne prévoit pas le même quantum de peine que lorsqu'on est un criminel de haut rang, un trafiquant de stupéfiants ou quelqu'un du grand banditisme. Ce que nous vous proposons avec le garde des Sceaux, puisqu'il s'agit là d'une mesure du code pénal, c'est de passer de délit en crime le fait d'être un passeur, et donc jusqu'à 15 à 20 ans de prison, notamment 20 ans, s'il y a entraînement de la mort. Deuxième sujet, après le passeur, qui est évidemment un criminel que nous devons combattre comme tel, il y a le sujet de ceux qui, quand ils arrivent sur le sol de la République, utilisent, on pourrait qualifier ça de difficultés administratives de notre pays pour créer nous-mêmes des irréguliers. Je m'explique. Nous pouvons, en France, créer une auto-entreprise au sein du ministère de l'Économie et des Finances en ligne sans jamais que quelqu'un ne vérifie la régularité du séjour de cette personne. Et donc les étrangers irréguliers qui créent ces auto-entreprises ne sont, en le faisant,
pas contre les règles de la République, ils utilisent les manquements de notre droit. Ils créent ces auto-entreprises. Ils travaillent souvent pour des entreprises qui les exploitent du fait du statut d'auto-entrepreneur qui blanchit, si j'ose dire, ce statut. Ils payent des impôts. Ils payent des cotisations sociales sans jamais bénéficier de protection sociale, par ailleurs, s'il leur arrivait quelque chose. Et puis, au bout de 3, 4 ou 5 ans, ils vont vers la préfecture et demandent à être régularisés, puisqu'ils payent des impôts, ils payent des cotisations. Ils ont un papier du ministère de la Finance qui leur dit « Ben voilà, j'ai le droit de créer mon entreprise ». Et évidemment, il y a beaucoup de mal pour les régulariser, puisqu'il s'agit manifestement d'une filière d'immigration irrégulière créée par le propre État français, avec évidemment la promotion de l'auto-entreprise qui répond à d'autres questions autour du droit du travail, mais je ne vais pas évidemment en parler ici, mais vous avez débattu de ce sujet, je crois, précédemment avec le ministre du Travail. Et donc, il rentre dans une catégorie qu'on pourrait qualifier de nini, comme on dit, ni régularisable ni expulsable, pas régularisable parce qu'ils sont étrangers en situation irrégulière, et on verra, il y a un sujet de travail plus tard, pas expulsable parce qu'évidemment, aucun juge ne vient accéder à la demande d'expulsion d'une personne qui serait sous OQTF, alors que l'État français lui-même lui a permis d'avoir une entreprise en France. Et donc, ce que nous prévoyons, et c'est le rétablissement d'un article après qu'il ait été supprimé par la commission des lois, Monsieur le Président, dans l'hémicycle du Sénat, et je voudrais remercier bien sûr le Sénat de s'être rendu compte, et notamment la majorité sénatoriale, de la difficulté qu'il créait, et je pense que c'était une bonne chose de ce débat parlementaire, nous proposons que nous ne puissions plus créer une entreprise, et encore moins une auto-entreprise en France, sans avoir la régularité du séjour vérifié par, bien sûr, les services de l'État. Donc on ne pourrait plus créer une auto-entreprise au lendemain de la publication de cette loi, si évidemment quelqu'un est sous le coup de l'irrégularité, afin de ne pas créer cette filière supplémentaire de régularisation ou de mise en clandestinité sans être expulsé d'un certain nombre de personnes dont il suffit de se balader dans les rues des grandes villes pour s'apercevoir qu'elles sont nombreuses. Troisième sujet, il s'agit des employeurs que l'on pourrait qualifier de voyous parce que sciemment, ils embauchent des personnes qui ne sont pas en règle au titre du droit au séjour. Alors attention, il y a des entreprises qui embauchent des étrangers qui sont des étrangers irréguliers et qui ne le font pas exprès. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui est embauché par une entreprise, qui arrive avec un titre de séjour de travail ou un titre de séjour d'apprentissage, et pour des raisons diverses et variées, soit parce que la personne cache son statut administratif au bout d'un certain temps, soit parce que la préfecture n'ose pas ou n'a pas pu lui donner à temps un rendez-vous pour donner la régularité de la personne, il arrive que quelqu'un qui a un contrat de travail, qui paye des impôts, qui paye des cotisations, ne puisse, et qui a été embauché comme régulier, soit irrégulier par son changement de statut. Il ne s'agit pas de ces personnes-là. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, parce qu'en général, ces personnes-là, l'employeur est d'accord pour signer le CERFA pour régulariser la personne. Il ne s'agit pas non plus de ceux qui pourraient embaucher des personnes en étant trompés par un alias, ce qui est tout à fait possible. Alors soit, évidemment, il faudra distinguer ceux qui relèvent de la tromperie pour de vrai, ou de la tromperie calculée ou organisée avec des états civils défectueux, mais ça, c'est le travail de l'inspection du travail, notamment. Il s'agit de gens qui embauchent des personnes irrégulières sans papier sur le territoire national, qui ne leur fait droit à aucun contrat de travail, aucun droit syndical, aucune protection sociale, avec des horaires extrêmement difficiles, sans aucune possibilité de pouvoir répondre à la force du travail, comme dirait l'autre de l'employeur, de sa force du capital, et donc de pouvoir sanctionner ces patrons voyous qui embauchent des personnes sans papier, clairement, dans une fin d'exploitation, mais aussi dans une fin de concurrence qui n'est pas pure et parfaite, avec ceux qui, eux, respectent les règles de la République. Et la difficulté que nous avons, c'est que des procédures judiciaires existent. Elles sont très peu utilisées, malgré les demandes de l'inspection du travail et du ministère de l'Intérieur. On a 15 000 contrôles par an, 500 procédures seulement, et moins de quelques dizaines de condamnations, alors que nous connaissons évidemment cette économie parallèle dans chacun de nos départements, de nos territoires. Je constate d'ailleurs que 50%, selon les procédures judiciaires qui condamnent les personnes, de ces personnes sont elles-mêmes des étrangers, parfois elles-mêmes en situation irrégulière, notamment dans le secteur du BTP, par exemple, ou dans le secteur de l'agriculture. Il s'agit donc de prévoir des sanctions administratives extrêmement fortes, qui complètent les sanctions judiciaires, qui ne les remplacent pas, et qui prévoient des amendes extrêmement importantes pour ceux qui, sciemment, embaucheraient des travailleurs irréguliers, les exploiteraient, sans leur donner le droit syndical ou le droit de la protection du travail. Écosystème irrégulier encore pour les marchands de sommeil. Nous connaissons tous des étrangers en situation irrégulière qui sont exploités par des propriétaires véreux, qui se font payer en liquide et parfois sans quittance de loyer
l'exploitation, notamment des femmes, des enfants, des personnes vulnérables, avec des conditions extrêmement difficiles. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Des mérules, des sorties de secours qui n'existent pas, le froid en hiver, l'extrême chaleur en été, et qui subissent, parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'irréguliers, cette système d'exploitation, qui d'ailleurs souvent est en lien avec le travail irrégulier lui aussi. Et il y a un écosystème de personnes véreuses et qui peuvent travailler parfois avec les passeurs contre ce fonctionnement, que nous devons lutter fortement contre cela, et notamment dans l'habitat ancien dégradé. Il y a un lien évident entre habitat indigne et action de vulnérabilité. Le gouvernement avait déposé une disposition pour lutter contre ce qu'on appelle des marchands de sommeil extrêmement fortement. J'ai accepté, le Sénat l'a voté, un amendement du groupe communiste, notamment M. Brossat, pour permettre le titre de séjour temporaire à une personne qui dénoncerait son marchand de sommeil, un peu comme sur le modèle de la personne qui est prostituée, qui dénonce son proxénète quand il est irrégulier, et une disposition qui fonctionne bien. Je voudrais leur dire ici que j'avais accepté, M. le Président, sous l'ancienne mandature, un amendement de Mme Richange Buffet sur le fait qu'une femme victime de violences conjugales pouvait avoir un titre de séjour provisoire lorsqu'elle était elle-même, alors qu'elle était irrégulière, dans un cycle de violence de la part de son conjoint, et je peux remarquer que les choses fonctionnent et permettent de sécuriser ces personnes, dans l'idée de lutter contre les marchands de sommeil, contre les trafiquants de misère, le fait de pouvoir avoir ce type de séjour temporaire en échange du dépôt de plainte contre son marchand de sommeil nous permet évidemment de pouvoir documenter, de lutter contre les travailleurs qui utilisent la force de travail des personnes et un financement illégal, et qui est en effet un écosystème irrégulier. Donc ces dispositions extrêmement importantes sont dans la première partie, la vraie première partie, si j'ose dire, anté-Sénat, les articles 2, les articles 5, les articles 8, et donnent des dispositions très fortes, puisqu'elles sont complètes avec les mesures d'intégration, et notamment une mesure d'intégration qui est extrêmement importante, qui a aussi été supprimé par la commission du Sénat, mais rétabli en séance, le fait que désormais, pour pouvoir embaucher un travailleur qui demain passerait un examen de français, on en reparlera vu les exigences de la loi, c'est pendant le temps de travail que l'employeur doit laisser le temps à cette personne de prendre des cours de français, et éventuellement les cours sur les valeurs de la République, puisque ça a été rajouté par le Sénat. C'est très important, puisqu'aujourd'hui, l'étranger doit, en dehors de ses heures de travail, accéder à des cours donnés par des préfectures, donnés par le FID, donnés par des associations, en dehors des heures de travail, alors qu'on sait tous que la plupart des étrangers qui rentrent dans ce cadre-là ont un travail difficile, beaucoup de transports en commun, et ne rentrent pas toujours dans la possibilité de pouvoir avoir le loisir de prendre ces cours de français, surtout au moment où on va mettre un examen, nous y reviendrons. Ce que nous faisons, c'est un 1%, finalement, comme on dirait dans la région Nord-Pas-de-Calais, un 1% intégration, comme il y a un 1% logement. Les employeurs, désormais, ils ont une vocation sociale aussi, ils ne sont pas là que pour faire un profit, même si évidemment il est tout à fait respectable. Ils doivent, pendant l'heure de travail, donner quelques heures, la loi le dit, dans la semaine, pour pouvoir prendre ces cours de français, et afin de pouvoir accéder au maximum à la capacité d'intégration d'une personne. Je me réjouis que le Sénat, finalement, a été compris les intentions du gouvernement sur cette disposition très importante et tout à fait nouvelle. Ces mesures de lutte contre l'immigration irrégulière et contre l'écosystème irrégulier, les passeurs, les employeurs patrons, les difficultés administratives que nous avons créées et évidemment les marchands de sommeil, nous permettent d'avoir des exigences d'intégration plus fortes. Et notamment, c'est la mesure la plus importante sans doute de ce projet de loi. Jusqu'à présent, les Français qui voulaient permettre par l'embauche, par exemple, de personnes ou parfois faire venir des personnes devait permettre à l'étranger, par le LOFI notamment, de prendre des cours de français. Donc il y avait une obligation de moyens, mais il n'y avait pas d'obligation de résultat. Et ce que évoque ce projet de loi, c'est qu'il y a désormais une obligation de résultat pour avoir un titre pluriannuel, c'est-à-dire évidemment de plusieurs années, puisque le titre de court séjour n'est évidemment pas concerné par la mesure que nous proposons, comme énormément de pays autour de nous, puisqu'il n'y a que deux pays, dont la France, qui ne le fait pas. Les étrangers doivent désormais, ou devront demain, désormais passer un examen de français, que d'ailleurs le Sénat a lui-même, je pense, en utilisant le pouvoir réglementaire, mais enfin il l'a évoqué, qualifié de A2, ce qui est la moyenne des cours que nous demandons dans les autres pays européens. Et cet examen de français, s'il est réussi, il donne droit au titre de séjour pluriannuel. S'il est raté, ne donne pas droit au titre de séjour. La contrepartie de cette exigence de la compréhension et de la discussion de la langue, qui évidemment peut être difficile pour un certain nombre d'étrangers,
Évidemment, c'est la gratuité des cours, autre amendement que nous avons accepté en séance au Sénat. Et évidemment, les moyens que nous avons débloqués, c'est plus de 100 millions d'euros par an, désormais, pour notamment les cours de français que la LOPMI a permis de mettre en place. Et donc, on aura l'occasion d'en rediscuter. C'est vraiment cette exigence d'intégration autour de la langue et des valeurs de la République, puisque ça a été rajouté par le Sénat, il faudra que nous en reparlions sans doute dans le débat, est très importante, puisque c'est le avant et après du texte de loi sur l'intégration. Nous savons qu'il y a entre 25 et 40% d'étrangers qui ont des titres de séjour qui parlent mal, voire très mal le français, qui écrivent mal, voire très mal le français, et notamment plus de la moitié de ces personnes qui sont concernées sont des migrations féminines, qui souvent sont sans doute les plus susceptibles d'être vulnérables pour les réseaux ou pour ce qu'on pourrait qualifier du communautarisme. Donc il y a tout un pan, monsieur le Président, de lutte contre l'écosystème d'immigration irrégulière, de conditions d'intégration, de moyens d'intégration largement facilités, et évidemment d'exigences, comme la réussite de cet examen de français désormais pour les titres pluriannuels. Le sujet de la simplification administrative, les titres 3, 4 et 5, est très important. C'est mon deuxième point, parce qu'il vise à lutter contre le mal français qui consiste à multiplier les procédures. Multipliant les procédures, à multiplier le temps, malheureusement, auquel on dit oui ou on dit non à un étranger sur le sol national, et donc à rendre quasi impossible, une fois qu'on lui a dit oui ou non, et notamment quand on lui a dit non, soit son éloignement, et avec l'application des fameuses QTF, désormais rentrées dans le langage courant, soit évidemment de son intégration, parce que pendant tout ce temps, il ne peut pas travailler et vivre correctement au sein de sa famille. Donc que prévoit cette simplification de procédure, inspirée directement du rapport Buffet du président de la Commission des lois du Sénat, qui a été adopté à l'unanimité des groupes politiques voilà plus de deux ans, qui lui-même s'inspirait du rapport Stahl du Conseil d'État? C'est la simplification de 12, alors Monsieur le Président, à 3 procédures aujourd'hui, j'entends 2, va falloir que nous en discutions, c'est-à-dire la division par 3 ou par 4 des procédures. Pour la première fois, le gouvernement ne vient pas devant vous en vous disant « on va changer les règles de l'asile avec des critères différents, des pays sûrs » qu'on va éventuellement évoquer pour savoir quel pays mérite ou ne mérite pas d'être sur la liste. Nous avons fait un choix radicalement différent. Nous ne touchons pas les règles de l'asile. Nous touchons en revanche la rapidité avec laquelle nous répondons à une personne. La loi Collomb a permis de passer à 5 mois les délais de l'OFPRA en moyenne. Alors il y a bien sûr une moyenne. Il y a des dossiers plus larges en temps parce qu'ils sont plus complexes. Il y a des dossiers plus courts. Mais 5 mois, c'est déjà 2 fois du temps de gagner par rapport à ce qui existe auparavant, parce qu'auparavant, en 2018, c'était 1 an. Mais ce qui ne va pas, ce n'est pas le délai de l'OFPRA. Ces 5 mois sont raisonnables. On pourrait peut-être imaginer jusqu'à 4 mois ou 3 mois. Mais il faut aussi laisser le temps aux personnes qui arrivent sur le sol national, par exemple, et qui viennent demander l'asile, de pouvoir évidemment reprendre leurs esprits, parfois se soigner, parfois être accompagnées, bien sûr. Donc on ne peut pas non plus réduire à zéro ce délai. Le temps de l'action juridique des tribunaux administratifs et parfois des tribunaux judiciaires est beaucoup trop long. Quand un demandeur d'asile arrive en France, il va demander son asile à l'OFPRA. En 5 mois, on va lui répondre. Imaginons qu'on lui dise non, comme dans 70% des cas. Je veux ici dire que la France est un des pays où il y a le plus de refus d'asile en Europe. Donc nous ne sommes pas laxistes, contrairement à ce qu'on peut lire. Nous sommes trop longs. C'est l'objet du projet de loi, de lutter contre cette lenteur. Quand on dit non à une personne, ils font un appel à la CNDA. Et là, les choses sont plus compliquées, puisque des 5 mois du temps de l'OFPRA se rajoutent 9 à 10 mois de la CNDA. Ça fait déjà quasiment un an et demi, un an et 3 mois exactement en moyenne. Une fois qu'on a dit non, comme dans 70% des cas sur la demande d'asile, on appelle la CNDA, on va mettre un EQTF à cette personne. On va lui dire qu'il faut repartir dans votre pays. Je rappelle que cet EQTF, il est susceptible de recours et il est suspensif. C'est-à-dire que l'action de l'État, l'action des policiers, des préfets, ne peut pas intervenir, puisque quand il y a recours, il y a suspension. Donc quand on regarde le nombre de QTF et quand on regarde les applications, on peut dire qu'il n'y en a que 15 à 20% qui sont appliqués, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est surtout 80% d'entre eux sont suspensifs. Donc vous demandez aux préfets et aux policiers d'appliquer des recours qui, par le droit que vous créez, mesdames et messieurs les parlementaires, ne permet pas d'être appliqués, puisqu'il y a un aspect suspensif dans ces EQTF. Donc à la fin de la CNDA, donc 1 an et 3 mois, on met un EQTF à une personne. Cette personne va contester l'EQTF. Il en a tout à fait le droit. On est reparti pour 6 mois à 1 an, ça dépend des tribunaux administratifs, et vous savez que 50% de vos tribunaux administratifs, c'est du droit des étrangers, 60% du contentieux des cours d'appel. Donc pendant ce temps-là, le service public est mal rendu dans sa justice administrative, sur l'urbanisme, sur l'action évidemment que peuvent demander un certain nombre de maires, puisqu'on est embolis, c'est le mot
qu'évoquent les juges administratifs eux-mêmes par le droit des étrangers, trop complexe, trop nombreux, trop répétés. On fait donc un appel pour cette QTF. Pendant ce temps, on est suspendu à l'appel de QTF. Un an plus un an et trois mois, ça fait déjà 2 ans et 3 mois. Et quand on dit non au tribunal administratif, on fait un appel à la Cour administrative d'appel ou au Conseil d'État. On est encore reparti pour un an. Bref, quelqu'un qui arrive en France a une réponse au bout de 2 ans et demi et 3 ans. Pendant ce temps-là, mesdames, messieurs les députés, qu'est-ce qui se passe? Cette personne a peut-être fait des enfants. Elle s'est peut-être mariée. Elle a peut-être inscrit ses enfants à l'école. Elle a peut-être eu l'occasion de travailler ou de créer son auto-entreprise. Peut-être qu'elle a même travaillé dans une entreprise qui l'a embauchée, soit par alias, soit illégalement. Et donc, quand bien même nous voudrions appliquer le QTF, au nom de la vie privée et familiale et l'article 8 de la CEDH, beaucoup de juges nous disent bah, « Là, vous ne pouvez pas l'expulser, puisque vous avez mis 3 ans pour lui répondre, et entre-temps, il a fait sa vie privée et familiale pour une partie en France ». Et ça, c'est évidemment le nœud gordien auquel nous devons trancher. On doit pouvoir répondre vite à quelqu'un. Soit c'est oui, soit c'est non. Parce que si c'est oui, imaginons quelqu'un qui a une réponse positive de l'État au bout de 3 ans. Pendant 3 ans, il a vécu de l'ADA. Pendant 3 ans, il a vécu de l'AME. Pendant 3 ans, il a vécu des difficultés dans la DNA. Pendant 3 ans, il a vécu des difficultés administratives extrêmement fortes que lui impose l'État et une insécurité, évidemment, que naît dont on est lorsqu'on a le QTF, alors qu'il pourrait très bien vivre de ses cotisations sociales, de son salaire, d'avoir sa protection sociale et d'être respecté en tant que femme ou en tant qu'homme sur le territoire national, ce qui, au bout de 3 ans, sera une vérité, puisque l'État lui aura dit oui par la force de ses recours aux tribunaux. Donc ce que nous souhaitons, c'est la simplification drastique de ces délais. Et si je devais faire très vite, parce qu'avec M. Mendès, qui est votre rapporteur, on en parlera, j'espère, plus longuement qu'au Sénat, puisque ça a duré une demi-journée, le débat au Sénat, sur des sujets aussi importants et aussi complexes juridiquement, de passer grosso modo de 2 ans à 3 ans, ce qui est notre délai aujourd'hui, à moins de 9 mois, pour qu'en moins de 9 mois, on puisse dire oui, on puisse dire non à toutes les personnes qui sont sur le territoire national. Et je pense que ainsi, nous aurons évidemment bien travaillé, puisque ça fait très longtemps que le Conseil d'État, la CNDA, bien évidemment le Parlement, souhaitent cette simplification drastique et tout à fait conforme au droit européen. Le troisième sujet, c'est l'expulsion, l'éloignement des étrangers qui ne respectent pas les règles de la République. Mesdames, Messieurs les députés, aujourd'hui, je ne peux pas expulser, éloigner énormément de personnes qui sont soit sous OQTF, surtout lorsqu'elles ont commis des crimes et des délits. Pourquoi? Parce qu'il y a des réserves d'ordre public qui ont été inventées par le législateur au début des années 2000, dans un contexte sans doute très différent, mais enfin qui aujourd'hui empêche le ministre de l'Intérieur de faire son travail, puisqu'il y a des réserves d'ordre public que seule la France a, qui n'est garantie ni par la Constitution, ni par la CEDH, ni par les traités européens. C'est le Conseil d'État qui le dit expressis verbis dans l'avis qu'il a transmis pour ce texte, et qui empêche, par exemple, et c'est la loi de la République, de pouvoir expulser quelqu'un qui est arrivé avant l'âge de 13 ans sur le territoire national et qui a commis des méfaits, par exemple, à 18 ans et demi. Donc prenons 2 cas, le cas d'une personne qui est arrivée à 13 ans et demi, qui à 19 ans a une vie administrative qui fait que cette personne n'est pas française, n'a pas demandé la nationalité française, n'est pas régulièrement sur le territoire national. Là, j'ai le droit de l'expulser. Enfin, j'ai le droit de l'éloigner, en l'occurrence. J'ai le droit de lui mettre un OQTF, j'ai le droit de partir. Par contre, quelqu'un qui arrive à 12 ans et demi et qui a 18 ans et demi commet des crimes, je n'ai pas le droit de l'expulser. Parce que la loi de la République empêche de l'éloigner. De même pour ceux qui sont mariés en France, de même pour ceux qui sont depuis plus de 20 ans sur le territoire national, de même pour ceux qui ont pu avoir des enfants, même lorsque les crimes ou délits sont en rapport avec les enfants, d'ailleurs. J'ai un cas extrêmement précis où la vie privée et familiale a été caractérisée et évoquée, et notamment la loi française m'a été opposée, parce que cette personne qui pourtant faisait des attouchements sexuels sur ses propres enfants ne pouvait pas être expulsée du territoire national parce qu'il avait des enfants sur le territoire national, ce qui était une décision très difficile à comprendre, mais qui est conforme, évidemment, à la législation telle qu'elle existe. Moi, je vous propose de lever ces réserves d'ordre public, ces articles 9 et 10. Alors, avec une difficulté très forte sur lequel nous reviendrons, c'est qu'il y a le régime de l'expulsion et le régime de l'éloignement, qui n'est pas le même régime, pour lequel le Conseil d'État a insisté, pour lequel nous ayons 2 articles différents. Il y a une AME, qui n'est pas l'AME, aide médicale d'État, mais qui est l'arrêté ministériel d'expulsion, que le ministre peut prendre, y compris pour les étrangers réguliers sur le territoire national et qui ont commis des crimes et des délits.
Et là, il faut par exemple que quelqu'un, alors le texte du Sénat a été largement modifié, Monsieur le Président, mais quelqu'un qui a des peines qui encourent 5-10 ans de prison, donc c'est évidemment des peines importantes, puisse même régulier sur le territoire national, être expulsé du territoire national. Et puis il y a l'éloignement, c'est-à-dire un étranger en situation irrégulière, qui, lorsqu'il commet les mêmes méfaits, aujourd'hui ne peut pas être éloigné, parce que, évidemment, nous avons ces réserves d'ordre public. Ces réserves d'ordre public, nous souhaitons les enlever, sauf une seule. Il y en a une qu'on ne peut pas retirer, que les enfants, les moins de 18 ans, qui commettent des actes de délinquance avant 18 ans, parce que je rappelle que le ministre de l'Intérieur n'est pas le ministre des mineurs étrangers, c'est le garde des Sceaux, c'est une question de justice, c'est une question de procureur de la République. Et nous avons signé la Convention européenne des droits de l'enfant qui, évidemment, empêche de faire cela, sauf décision expresse du juge, puisque c'est le juge qui permet l'éloignement des mineurs. Mais de tous les autres cas, je propose que nous puissions supprimer ces réserves d'ordre public lorsque les étrangers ont commis des actes qui menacent l'ordre public, des violences conjugales, des atteintes contre les policiers, du trafic de stupéfiants et bien évidemment tout ce qui relève des crimes, pour que nous puissions expulser ou éloigner tous les étrangers, non pas par rapport à leur statut d'arrivée sur le territoire national, mais par rapport à ce qu'ils font contre la nation. Se rajoute à ça un article 13, qui est assez nouveau et assez puissant, il faut bien le dire dans le débat, j'imagine qu'on aura, Monsieur le Président, qu'on a eu au Sénat, qui prévoit en effet le retrait, la suppression du titre de séjour de deux étrangers, soit qui commettent des actes de délinquance, soit qui ne respectent pas les valeurs de la République au sens de la loi séparatisme. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si les policiers ou les gendarmes découvrent dans le téléphone de quelqu'un des vidéos répétées de décapitation, et que cette personne n'est ni avocat ni journaliste et voit des messages de Daesh, s'il n'y a pas transfert de ces messages, nous ne pouvons pas considérer que cette personne tombe sous le coup de la loi. Nous pouvons en revanche considérer qu'il adhère à une idéologie radicale, bien évidemment. La multiplication de ces messages montre que ce n'est pas un bon signe d'intégration quand on est étranger sur le sol de la République. Et aujourd'hui, si je peux faire une action avec la DGSI pour pouvoir ficher administrativement cette personne, je ne peux pas lui retirer son titre de séjour, ce qui est incompréhensible pour les Français, bien évidemment. Donc l'article 13 prévoit notamment l'adhésion aux valeurs de la République, telle que définie par la loi séparatisme et validée par le Conseil constitutionnel. Je sais que le concept a pu paraître flou lorsqu'on l'a évoqué, Monsieur le Président, mais il nous est bien utile. Et je crois que validé par le Conseil d'État et par le Conseil constitutionnel, il est très efficace pour nous protéger contre tout signe, effectivement, d'atteinte contre la République. Donc simplification drastique des procédures, intégration avec exigence d'intégration notamment par la langue, travail de fermeté extrêmement fort contre les délinquants étrangers, voilà l'ossature du projet de loi. C'est rajouté, Monsieur le Président, les dispositions que je ne reviendrai pas, que vous avez évoquées, qui ne sont pas de l'ordre de l'irrecevabilité, mais aussi des dispositions voulues par le gouvernement. Je pense notamment à des questions aussi simples que le travail que fait le juge de liberté de la détention. J'ai désormais décidé de mettre dans les centres de rétention administratifs des personnes dangereuses et non plus des étrangers qui n'ont commis aucun acte de délinquance, ce qui change la nature des centres de rétention administratifs et qui permet désormais au juge de liberté de la détention sans doute d'avoir un œil particulier sur ces personnes qui représentent une dangerosité. Il y a des dispositions imaginées également pour connaître l'identité d'une personne. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il fait procéder à des interpellations lorsque les personnes ne sont pas en régularité du fait du séjour pour appliquer les EQTF, il ne peut pas rechercher dans l'appartement ou dans la voiture la pièce d'identité que pourtant cette personne a cachée pour pouvoir évidemment définir de quelle nationalité il est pour pouvoir reconduire cette personne dans son pays d'origine. C'est une disposition, par exemple, que nous demandons. Mais il y a aussi des dispositions qui nous paraissent intéressantes dans le débat politique et parlementaire. Le conditionnement des laissez-passer consulaires vis-à-vis des visas imaginé par le Sénat. Moi, j'y suis personnellement favorable. On aura l'occasion sans doute d'en reparler, mais aussi tout un tas de dispositions qui nous permettent d'être plus efficaces. Par exemple, dans le drame d'Annecy, un demandeur d'asile en France qui avait déjà l'asile dans un pays européen. Je ne dis pas un demandeur d'asile qui avait demandé l'asile ailleurs. Je parle de demandeur d'asile qui avait déjà l'asile dans un pays européen. Ben, on ne peut pas traiter en express sa demande d'asile. Et donc ce que nous proposons, c'est que quelqu'un qui a déjà l'asile dans un pays européen, on puisse évidemment lui dire assez vite qu'il n'aura pas l'asile en France, puisqu'il est désormais protégé, puisqu'il n'y a pas de pays européen dans l'Union européenne qui soit une dictature. Il a évidemment la possibilité de connaître un pays de refuge. En l'occurrence, là, c'était la Suède, dans le cas de celui qui a attaqué des bébés à Annecy. Et il est évident que les Français ne comprennent pas ce sujet. Comme d'autres sujets de réfugiés qui auraient eu le droit d'être réfugiés en France, on pense à des citoyens russes d'origine tchétchène, qui
auraient, sans aucune contestation possible, eu retiré leur droit d'asile en France parce qu'ils retournaient, par exemple, l'été dans leur pays d'origine où ils étaient pourtant pourchassés. Un Tchétchène qui retourne en Tchétchénie l'été, se demandant l'asile en France, ce n'est pas extrêmement cohérent. Aujourd'hui, le droit leur garde une qualité pour rester sur le territoire national. Évidemment, l'idée de ce texte est de leur retirer cette qualité pour pouvoir évidemment les expulser du territoire national, partant du principe qu'on ne peut pas repartir dans le pays qui est censé vous persécuter, notamment y avoir une résidence secondaire, ce qui est parfois le cas des cas que nous avons eu à connaître. Voilà, il y a beaucoup de dispositions qui ont été rajoutées, y compris de la part du gouvernement, dans un texte qui, vous l'aurez compris, est un texte qui va aussi être dans la difficulté juridique, parce que chacun sait que le droit des étrangers est extrêmement encadré. Moi, je m'enorgueillis de l'avis du Conseil d'État sur le projet de loi initial du gouvernement. Je regrette d'ailleurs que les présidents des assemblées, notamment le président du Sénat, n'aient pas saisi le Conseil d'État sur des dispositions extrêmement intéressantes, mais difficiles, parce qu'évidemment, le contrôle de constitutionnalité était important. Il n'épuise pas tous les débats, ce projet de loi, bien évidemment, notamment les débats de nature constitutionnelle et conventionnelle. Mais je voudrais dire ici que je porte un projet de loi ordinaire et qu'il ne m'appartient pas de faire un projet de loi constitutionnel ou conventionnel. Les deux, je crois, peuvent se compléter selon les opinions que l'on peut avoir. Je terminerai par dire, Monsieur le Président, que nous avons une réforme des préfectures qui est de nature totalement réglementaire, qui va accompagner ce texte de loi grâce aux moyens que le Parlement a accordés au ministère de l'Intérieur. Pour la première fois, vous le savez, les effectifs des préfectures vont remonter. L'idée étant que désormais, dans la réforme des préfectures qu'on va appliquer en 2024, parce que je suis bien conscient des difficultés des agents des préfectures et de la difficulté du service public qui est rendu, nous concentrerons les moyens sur les primo-demandes, c'est-à-dire les gens qui arrivent sur le territoire national et qui vont déposer un titre de séjour vis-à-vis de leur régularité, évidemment, sur le titre de séjour. Et de ce point de vue, l'amendement qu'a déposé M. Buffet sur l'étude à 360 degrés est intéressante. L'idée, évidemment, qu'il n'ait pas de casier judiciaire, l'idée qu'il réussisse l'examen de français, et dans le cas où ces personnes pourraient avoir un titre pluriannuel, ensuite passer vers l'automaticité du titre de séjour pour éviter que des personnes qui sont depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans sur le territoire national soient à faire encore des queues dans les préfectures ou même parfois tomber dans l'irrégularité alors qu'ils sont parfaitement intégrés, et d'avoir simplement une alerte le jour où l'une de ces personnes pourrait connaître une difficulté vis-à-vis des valeurs de la République ou vis-à-vis de leur casier judiciaire. Et donc de changer finalement la méthode de travail, se concentrer sur les primo-arrivants, permettre l'automaticité du renouvellement, ce qui, à mon avis, correspond à ce que demandent depuis très longtemps les parlementaires de tous bords. Je terminerai bien sûr pour vous parler, Monsieur le Président, d'article 3 et 4. L'article 3 a donc été supprimé par le Sénat, réécrit en article 4 bis, qui prévoit des régularisations, dont acte, c'est effectivement une bonne chose. Le rapporteur général souhaite travailler sur une écriture nouvelle. Ce qui est important, je le dis ici devant les parlementaires, c'est de lever le lien qu'il y a entre l'employeur et l'employé dans la régularisation. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas régulariser une personne si l'employeur, dans le métier dans lequel il est, s'oppose. C'est un droit de sevrage. C'est-à-dire que quelqu'un vient me voir pour me dire « je veux être régularisé », je ne peux pas régulariser cette personne, la loi m'en empêche, c'est un article du Code du travail, c'est la loi, ce n'est pas le règlement, si l'employeur refuse de signer le CERFA. Pourquoi l'employeur ne veut pas signer le CERFA ? Pour deux raisons. La première, c'est peut-être parce qu'il n'a pas envie de montrer qu'il embauche lui-même les sans-papiers et qu'en le signant, il avoue quelque part son délit. Et deuxièmement, parce qu'il paye une taxe à l'OFI. Et notamment, il n'a surtout pas envie de payer cette taxe à l'OFI. Mais enfin, pendant ce temps-là, cette personne ne peut pas sortir de la régularisation. Et donc, si cette même personne, prenons le cas d'une femme, ne peut pas être régularisée aujourd'hui, elle est obligée, si j'ose dire, pour être régularisée, par exemple, de faire un enfant ou de se marier sur le territoire national, pour être régularisée en circulaire valse au nom de la famille. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde très particulier où on sait très bien qu'on ne peut pas, qu'on a devant nous quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qu'on ne peut pas régulariser cette personne parce que l'employeur ne veut pas signer le CERFA. Donc le but essentiel de l'article 3, indépendamment des régularisations qu'il fait naître dans les métiers dits en tension et dans les zones géographiques tendues, on oublie toujours les zones géographiques dans l'article initial du gouvernement, c'est de faire sauter ce lien entre employeur et employé et de permettre à l'employé seul d'être régularisé dans les conditions que définira le Parlement. Et puis il y a évidemment l'article 4 qui est celui du travail des demandeurs d'asile. Contrairement à ce qu'on dit et ce qu'on répète, les demandeurs d'asile ont le droit de travailler en France, simplement ils ont le droit de le faire après 6 mois. Et la question qui se posait, c'était pour ceux qui avaient un taux de protection important de pouvoir le faire avant 6 mois. Le Sénat, pour le coup, c'est le seul article qu'il a supprimé. Et je voudrais ici dire que sur les 27 articles proposés par le gouvernement, un seul a été supprimé par le Sénat, ce qui prouve sans doute, indépendamment des rajouts qui ont été faits, que non seulement le texte du gouvernement est bien vivant, mais il a été approuvé par une très grande majorité de sénateurs.
Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole en premier pour une durée de 5 minutes. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes réunis pour vous entendre, monsieur le premier le ministre, pardon, sur le projet l'immigration, mais j'anticipe, mes chers collègues, le projet de loi immigration adopté par le Sénat le 14 novembre dernier. Je voudrais rapidement, vous l'avez fait, monsieur le ministre, en retracer les principales orientations, en tout cas initiales. Premièrement, nous voulons déployer des stratégies supplémentaires, des voies nouvelles d'intégration, notamment par l'apprentissage du français. Et c'est une mesure que beaucoup de gouvernements n'ont pas souhaité réaliser par le passé. Nous voulons aussi mettre fin à des situations de maltraitance à l'égard de bon nombre d'étrangers présents sur notre sol. C'est par exemple l'interdiction, vous l'avez dit, monsieur le ministre, de la rétention administrative des mineurs. C'est aussi l'objectif de la régularisation des métiers en tension, parce que tous les employeurs ne sont pas de bonne foi. C'est la lutte contre les passeurs, c'est aussi la lutte contre les marchands de sommeil et contre les conditions de logement inhumaines, parfois dans lesquelles trop d'entre eux sont tenus. Second objectif, nous voulons renforcer notre efficacité pour expulser les étrangers délinquants, considérant que leur place n'est pas sur le sol de la République. Et c'est notamment le sens de la levée de protection contre l'éloignement, dont bénéficient parfois des auteurs de délits, parfois de crimes, parfois aussi de multirécidivistes. Dans ce contexte, le Sénat a fait son travail et nous allons faire le nôtre. Certaines des positions du Sénat méritent d'être approfondies, vont parfois dans le bon sens. Je pense au meilleur encadrement du titre de séjour étranger malade. Je pense au renforcement du contrôle caractère réel et sérieux des visas étudiants, à la question de l'apprentissage du français, y compris d'ailleurs dans certaines situations de regroupement familial. Et puis d'autres modifications sont contestables, parfois sur le fond, parfois sur la forme. C'est le cas de la suppression de l'aide médicale d'État, qui constitue, monsieur le président de la commission des lois l'a signalé, un colossal cavalier législatif. Et le rapport, un rapport sera rendu le 4 décembre prochain par Patrice Stefanini et Claude Évin, qui permettra d'éclairer le débat, peut-être de le prolonger. Mais je rappelle que la dernière fois qu'il y a eu une modification, une évolution de l'aide médicale d'État, c'était dans le cadre d'un projet de loi de finances. Et il y avait au banc la ministre de la Santé d'alors. Et donc c'est à la fois une question de santé publique, de santé collective, et c'est aussi une question budgétaire. De la même manière que nous n'allons pas, à travers ce texte, réformer le Code civil et sa partie sur la nationalité. Je pense que c'est un débat qui est peut-être même un débat de nature présidentielle. En tout cas, nous verrons dans les prochaines années. Enfin, nous aurons, vous l'avez dit, monsieur le ministre, le débat sur la régularisation, notamment dans les métiers en tension. Une régularisation forcément ciblée, forcément bornée dans le temps, y compris depuis le départ. L'article 3 initial fixait un objectif au 31 décembre 2026. Peut-être pourrons-nous l'adapter. Et sur ce point, je fais un constat très simple. La majorité sénatoriale défendait, il y a encore quelques semaines, le slogan, d'une certaine façon, « zéro régularisation ». Et elle a finalement validé la nécessité dans notre pays d'une politique raisonnée de régularisation, à la fois pour nos besoins économiques et pour les besoins de l'intégration des personnes concernées. Et sur ce point, je proposerai à notre commission, avec le collègue co-rapporteur, que nous puissions trouver une solution qui ne soit ni le droit automatique, général et absolu, qui pose une série de difficultés réelles, ni le pouvoir discrétionnaire du préfet, tel que le Sénat a pu le prévoir. Et de ce point de vue, nous aurons bien sûr l'occasion d'en débattre longuement. Quelques mots également sur le renforcement du rôle du Parlement en matière migratoire sur la proposition d'une politique dite de quotas. Il y a dans le texte du Sénat, sur ce point précis, de très sérieux obstacles constitutionnels, très sérieux. Le premier d'entre eux, c'est que un Parlement ne peut pas s'obliger à lui-même de débattre dans l'avenir sur quelque sujet que ce soit, y compris bien sûr sur la question migratoire. La deuxième inconstitutionnalité, c'est que le Parlement ne peut pas déterminer les chiffres de l'immigration. Ça n'est pas son rôle et ça n'est pas la lettre de notre Constitution. Par conséquent, il faudrait une réforme de la Constitution. En revanche, que le Parlement, et certains le souhaitent, et nous aurons ce débat le 7 décembre, chère Annie Genevard, mais en l'occurrence, nous pouvons en revanche considérer que, sur la base des éléments que le gouvernement communiquera, il y a la possibilité de débattre sur les objectifs annuels migratoires, dans le cadre de l'immigration de travail, dans le cadre des visas étudiants. Et d'ailleurs, ce sera pour la majorité présidentielle l'occasion de rappeler ses ambitions. La première cause de migration en France, ce sont les visas étudiants.
ça n'est pas l'immigration familiale, ni même, et encore moins, le regroupement familial. 108 000 titres visa étudiants, 15 000 au titre du regroupement familial. Et nous pourrons afficher nos ambitions, et nous pourrions le faire, en effet, annuellement. Je ne veux pas être beaucoup plus long, Monsieur le Président, mais rappeler simplement, un, j'espère que la tonalité de nos débats sera non seulement de la plus grande courtoisie républicaine, ça je n'en doute pas, mais à la fois précis, exigeant, parce que cette question, elle est elle-même sensible, très délicate, et elle engage une partie de notre avenir. Je pense que la tonalité de débat, en tout cas, moi, j'y verrai au rôle qui est le mien, devra être celle-ci. Et puis ensuite, je terminerai par dire, Monsieur le Président, deux titres sont essentiels parmi beaucoup d'autres, sur la simplification structurelle à la fois de la justice, de l'asile, et sur le contentieux administratif et du droit des étrangers. J'espère là aussi que nous prendrons évidemment le temps d'en débattre, d'en discuter, parce que parfois nous ciblons les sujets qui font l'actualité médiatique et parfois au renoncement de sujets plus exigeants, c'est vrai, mais qui sont plus essentiels. Je vous remercie. Madame la rapporteure du titre premier, Madame Élodie Jacquet-Laforge. Merci le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général et mes co-rapporteurs, mes chers collègues, j'ai donc l'honneur effectivement de rapporter le titre premier de ce projet de loi. Il a pour ambition d'assurer une meilleure intégration des étrangers par la langue et par le travail. Je vais commencer par la langue. Le dispositif tel qu'il était initialement proposé par le gouvernement incarne les deux axes sur lesquels repose ce projet de loi. Le premier, l'article premier, ça a été indiqué, rend obligatoire la maîtrise d'un certain niveau de français pour l'obtention d'une carte pluriannuelle. Et de l'autre, l'article 3 prévoit des formations en langue étrangère au bénéfice des salariés allophones afin de favoriser leur intégration dans le monde du travail. Toutes les personnes que nous avons auditionnées, on n'a pas fini nos auditions, mais elles ont insisté sur la maîtrise de la langue comme un élément moteur d'intégration dans notre société. En effet, comment accéder au marché de l'emploi? Comment se faire comprendre? Comment comprendre les autres si finalement on ne maîtrise pas la langue? Malgré une suppression de l'article 2 en commission, le Sénat a finalement souhaité maintenir ces deux dispositions et je m'en félicite. L'article 1er a néanmoins été amendé dans une direction que nous ne partageons pas toujours. J'y reviendrai bien évidemment au cours de nos débats. Surtout, le Sénat a souhaité ajouter de nombreuses dispositions à ce chapitre. Alors, au départ, il y avait deux articles, et il y en a une douzaine aujourd'hui, et de nombreux articles touchent à la nationalisation et au droit du sol. Toutes ces dispositions ne me semblent pas pertinemment insérées dans ce chapitre qui est consacré, comme je l'indiquais, à l'intégration par la langue, ni d'ailleurs dans le reste de ce projet de loi qui ne concerne pas les questions de naturalisation. S'agissant de l'intégration par le travail en second lieu, le travail offre non seulement une voie vers l'autonomie financière, mais permet de pratiquer la langue et de tisser des liens sociaux. Le projet de loi dont nous allons débattre au cours des semaines à venir porte des ambitions, je le dis, inédites et fortes en la matière. Les chapitres 2 et 3 du titre 1er lui sont consacrés. Je souhaite évoquer rapidement l'article 3 devenu l'article 4 bis, puisque ça a été indiqué par le rapporteur général. Je crois utile que l'examen de cet article par notre Assemblée soit l'occasion de travailler à une version opérante. C'est un impératif humaniste, car les situations de travail illégales sont trop souvent le terrain d'atteinte à la dignité humaine, un impératif de justice, qui impose notamment de mettre fin à la nécessité de la coopération de l'employeur, et enfin un impératif économique, parce que d'après les derniers chiffres de la DARES, notre pays compte environ 350 000 emplois vacants. Si la rédaction du Sénat nous semble en l'état à travailler, je crois que revenir à la version initiale ne sera pas forcément le bon chemin, et il nous importe de travailler à un nouveau dispositif, comme l'a indiqué notre rapporteur général. S'agissant de l'article 4, qui est relatif à l'accélération de l'accès au marché du travail par les demandeurs d'asile ressortissants de pays bénéficiant d'un taux de protection internationale élevé en France, je vous proposerai, mes chers collègues, de rétablir cet article. En effet, les étrangers ont de fortes chances de rester sur le territoire et autant qu'ils s'intègrent rapidement, ils trouvent un chemin aussi rapide vers l'autonomie financière. C'est d'ailleurs ce qu'ils souhaitent. Je ne suis par ailleurs
Je suis par ailleurs favorable à la version sénatoriale de l'article 8 qui remplace la contribution spéciale par une amende administrative sanctionnant les employeurs d'étrangers ne détenant pas un titre les autorisant à travailler. Cet article est important. Il répond à un enjeu de contrôle du travail illégal, mais aussi de prévention de l'exploitation et d'équité économique. Je me réjouis que nos travaux sur ce projet de loi débutent et je sais pouvoir compter sur beaucoup d'entre nous pour donner à ce titre consacré à l'intégration des étrangers par la langue et par le travail sa pleine portée. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur du titre 2, monsieur Philippe Pradal. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, madame et messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues. Les sujets abordés dans les titres qui sont confiés à mon rapport sont importants et particulièrement sensibles, puisqu'il s'agit, dans le cadre du titre 2, de rendre possible l'éloignement d'étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public et de mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour. Le titre 2 bis, quant à lui, composé entièrement d'articles issus des discussions au Sénat, comporte des dispositions destinées à agir pour la mise en œuvre effective des décisions d'éloignement. Nous avons déjà, avec le rapporteur général et mes co-rapporteurs que je salue, mené de nombreuses auditions et conduit des échanges avec les services du ministère. Notre discussion générale intervient néanmoins relativement tôt. Elle me paraît donc être l'occasion de vous faire part des convictions qui sont les miennes, mais aussi des sujets sur lesquels mon opinion n'est pas encore arrêtée, ainsi que des questions sur lesquelles M. le ministre pourra peut-être nous apporter son éclairage. C'est donc avec beaucoup de prudence et de modestie que je formule ces premières analyses. Le titre 2 comporte des dispositions ambitieuses qui abordent des questions sensibles et engageantes pour notre société. Je pense notamment aux articles 9 et 10 qui prévoient d'assouplir les régimes de protection dont bénéficient certaines catégories de ressortissants étrangers en raison des liens d'attachement qu'ils entretiennent avec la France. Cette mesure est conçue pour faciliter les décisions d'expulsion et le prononcé de la peine d'interdiction du territoire. Cependant, nous devons reconnaître que ce dispositif a subi des modifications importantes au sein du Sénat. Notre responsabilité aujourd'hui est de travailler ensemble à établir un équilibre en accord avec les principes constitutionnels et conventionnels qui guident notre démarche. L'article 11 du texte permet le relevé signalétique des étrangers sans leur consentement lorsqu'ils refusent de le faire, ce qui, je le rappelle, est un délit. Cette mesure me semble proportionnée à l'enjeu et le Sénat lui a ajouté des contraintes supplémentaires. Il faudra veiller à ce qu'elle ne limite pas le caractère opérationnel de cet objectif. Je tiens à souligner l'avancée majeure que constitue l'article 12, qui interdit la présence en centre de rétention administrative des mineurs de 16 ans. Cette disposition va dans le bon sens et je suis convaincu que nous pourrons poursuivre la réflexion au cours de nos travaux sur la question de la place des mineurs en rétention administrative. Autre enjeu important, l'article 13, qui prévoit d'encadrer la délivrance, le renouvellement ou le retrait de titres à l'aune de critères autour desquels nous devrions nous retrouver. Ainsi, ne pas laisser des étrangers sur notre territoire lorsqu'ils constituent une menace grave pour l'ordre public, tout comme exiger une résidence habituelle en France pour les titulaires de titres de longue durée, sont des mesures de bon sens qui ne devraient pas susciter de vaines polémiques. Il en va de même pour le respect des principes de la République précisément définis, à la différence de la précédente tentative de 2021. Cette mesure, je le rappelle, ne fait qu'étendre un dispositif qui existe déjà et est de nature à favoriser l'intégration des étrangers. Le Sénat a souhaité renforcer le dispositif selon des modalités dont l'opportunité peut paraître inégale, mais nous aurons tout le loisir d'en débattre. Concernant le titre 2 bis ajouté par le Sénat, il comporte diverses mesures qui, pour certaines, font sens et pour d'autres soulèvent des interrogations. L'article 14A permet de conditionner la délivrance visa long séjour et l'aide publique au développement à la bonne coopération migratoire. Le dispositif me paraît intéressant, mais semble pouvoir être amélioré pour en accroître l'efficacité. Même observation pour l'article 14B qui rend obligatoire l'information par les préfets des organismes de sécurité sociale et de Pôle emploi des décisions d'OQTF et crée une obligation de radiation une fois la décision devenue définitive. Des améliorations doivent pouvoir être apportées pour rendre ce dispositif encore plus opérationnel. De même, les dispositions prévues par les articles 14C, qui allongent la durée maximale d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF, paraissent de nature à améliorer la mise en œuvre effective des mesures d'éloignement. L'opportunité de l'article 14D interroge un petit peu plus, puisqu'il consacre l'unicité de la délivrance de l'aide au retour. Or, ce point est déjà garanti par un texte réglementaire. Je partagerai également avec vous la prudence sur l'article 14E, qui me paraît réintroduire une disposition précédemment supprimée à raison par la loi en septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.
Nous allons donc avoir à débattre de l'ensemble de ces questions, comme le rappelait le rapporteur général, avec exigence, précision et sérieux, et je l'espère, dans un climat serein et constructif. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur des titres 3, 4 et 5, monsieur Ludovic Mendès. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, madame et messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues. J'ai l'honneur d'avoir été nommé rapporteur pour les titres 3 à 5 de ce projet de loi, d'ailleurs mis en avant à plusieurs reprises par le rapporteur général et le ministre de l'Intérieur. Le titre 3, d'ailleurs, contient des mesures qui, j'ose l'espérer, devraient être consensuelles pour nous tous. Ainsi que l'article 14 renforce la sanction contre les réseaux de passeurs en criminalisant l'infraction d'aide à l'entrée, au séjour et à la circulation si elle est commise en bande organisée et présente un danger pour les personnes. Il cible également les dirigeants des réseaux afin là aussi de lutter contre les filières d'immigration clandestine dont les premières victimes sont souvent exploitées, sont des enfants, des femmes et des hommes qui ont besoin de protection. Dans le même esprit, l'article 15 durcit la répression à l'égard des marchands de sommeil afin de lutter le plus efficacement possible contre ceux qui exploitent la vulnérabilité des étrangers. Loin des polémiques politiciennes, je pense que nous pouvons tous nous retrouver non seulement sur les objectifs, mais aussi sur les modalités qui sont proposées. Le titre 3 garantit aussi un renforcement des contrôles aux frontières en prévoyant le contrôle par les transporteurs de la nouvelle autorisation de voyage ETIAS, en permettant la visite sommaire de voitures particulières pour éviter les contournements constatés. Et sur cet aspect, je vous renvoie à ce que nous avons fait en salle de la commission des lois et en ce public sur le code des douanes récemment modifié. Et enfin, en permettant de refuser le visa à une personne qui ne justifie pas avoir respecté une précédente OQTF. Le titre 4 propose une réforme ambitieuse et structurelle de notre système d'asile. Je vais insister plus particulièrement sur les deux dispositions qui figuraient dans le texte initial transmis par le gouvernement. Il s'agit d'abord de l'article 19, qui prévoit la création de pôles territoriaux France Asile. Ces pôles territoriaux permettraient de renforcer les guichets uniques qui existent aujourd'hui. Au sein des actuels GUDA, le demandeur peut enregistrer sa demande auprès des services préfectoraux, recevoir les conditions matérielles d'accueil de la part de l'OFI. L'article 19 prévoit qu'il puisse également avoir un premier contact avec un agent de l'OFPRA pour l'introduction de sa demande d'asile. Cette réforme me paraît une bonne chose pour le demandeur, qui sera accompagné par un agent mieux armé pour le guider dans ses premières formalités, notamment le choix de la langue d'entretien, qui est parfois un vrai casse-tête sur certains territoires, et permettra d'accélérer les délais de traitement de demandes. Je suis donc convaincu que l'expérimentation prévue par le Sénat n'est pas nécessaire et j'espère que nous parviendrons à convaincre qu'un déploiement progressif avec des sites pilotes de ces pôles territoriaux est la meilleure des solutions à trouver. J'appelle par ailleurs votre attention sur l'article 20 qui a été adopté par le Sénat dans sa version initiale et qui propose une réforme de la CNDA destinée à rapprocher le demandeur d'asile et le juge de l'asile. L'article 20 propose de créer des chambres territoriales pour la CNDA qui siègent pour l'heure presque simplement qu'à Montreuil. Et qui siègent qu'à Montreuil, pas presque d'ailleurs. Et quand on arrive de Tarbes ou de certains territoires de France où les voies de transport sont compliquées, c'est assez complexe pour monter à Montreuil et se faire entendre. Il propose également, avec des garanties, de généraliser la formation avec un juge unique qui n'est, pour le moment, utilisé que dans un nombre de cas restreints. Enfin, le titre 5 constitue une avancée majeure dans la modernisation et la simplification du contentieux des étrangers. Au cœur de cette réforme des règlements contentieux, l'article 21, qui a fait l'objet d'ajustements significatifs par le Sénat, dans sa rédaction actuelle, cet article propose de réduire le nombre de procédures applicables à 3 au lieu de la douzaine qui a été dénombrée par le Conseil d'État dans son étude. Cette simplification facilitera non seulement le travail des acteurs impliqués dans le domaine, mais garantira également un accès à la justice plus rapide et équitable pour les individus concernés. Les articles 21 et 24 proposent également des mesures concrètes pour améliorer le fonctionnement de la justice rendue dans ce cadre. La délocalisation des audiences dans des salles spécialement aménagées, situées à proximité des lieux de rétention ou des zones d'attente, offre une réponse adaptée à l'exigence de rapidité et d'efficacité du traitement judiciaire de ce type de contentieux. La facilitation de la vidéo-audience, tant devant le juge administratif que devant le juge des libertés et de la détention, participe aussi, et je le crois, à l'objectif de bonne administration de la justice. Notre responsabilité est de trouver le juste équilibre entre efficacité et protection des droits de l'étranger justiciable. Enfin, l'article 25
tient lui aussi compte de manière très concrète à l'évolution du contentieux des étrangers et permet d'adopter les règles procédurales à l'arrêté de contentieux. Cette disposition tire notamment les leçons de l'expérience du traitement judiciaire des migrants arrivés à bord de l'Ocean Viking à Toulon en novembre 2022, comme nous l'avons rapporté à la Commission des lois. Ce débat, nous devons l'avoir, nous ne pouvons plus le repousser, nous devons l'accepter tel qu'il est, car oui, certaines dispositions ajoutées au Sénat sont utiles à notre pays, toutes les supprimer serait une erreur. Ces trois titres proposent donc des dispositions qui me paraissent essentielles et sur lesquelles je ne doute pas que nous pourrons un débat apaisé et trouver un accord constructif et utile pour les Français, pour les ressortissants et pour le gouvernement. Monsieur le rapporteur du titre 6, monsieur Olivier Servat. Merci monsieur le Président, monsieur le Ministre, monsieur le rapporteur général, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. J'ai l'honneur d'avoir été nommé rapporteur du titre 6 de ce projet de loi et je voudrais, en cette qualité, être ici la voix des territoires ultramarins. En effet, si le titre 6 ne comporte à ce jour que deux articles, il n'en concerne pas moins des enjeux majeurs. Tout d'abord, son article 26 a vocation à déterminer l'application spécifique aux Outre-mer des mesures qui seront votées par notre Assemblée, tandis que l'article 27 détermine les modalités d'entrée en vigueur de certaines de ces dispositions. À ce titre, je tiens à saluer la démarche du gouvernement qui a pris l'engagement devant le Sénat d'inscrire directement dans la loi les dispositions applicables à certains territoires d'outre-mer plutôt que d'avoir recours à une mise en œuvre par ordonnance. L'amendement adopté au Sénat sur cet article a ainsi permis d'exclure du champ de l'habilitation légiférée par ordonnance la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous aurons ainsi pour ces territoires la possibilité de déterminer directement dans le projet de loi les mesures que nous souhaitons voir appliquées. En revanche, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie feront l'objet d'ordonnances à ce stade. La situation de ces collectivités mérite entièrement de faire l'objet d'un débat parlementaire devant la représentation nationale et je me réjouis que nous puissions le faire ici. Toutefois, si ces territoires ultramarins justifient pleinement l'attention du législateur, ils ne peuvent pour autant faire l'objet d'une approche monolithique. Les 11 territoires d'outre-mer habités présentent une diversité d'enjeux qui ne peuvent être abordés sous le prisme d'une norme unique. Ainsi, la situation de la Guyane, qui compte 35% de personnes étrangères sur son sol, n'est pas comparable à la Guadeloupe, où ce chiffre s'élève à 4% en situation irrégulière. De même, la Guyane, qui partage des centaines de kilomètres de frontières terrestres avec le Suriname et le Brésil, ne présente nécessairement pas les mêmes difficultés que les îles de Saint-Pierre et Miquelon, au large de l'Amérique du Nord, qui ne comptent que 80 étrangers sur leur sol. Dès lors, certaines de ces collectivités font face à des flux importants d'entrées irrégulières. Le cas de Mayotte est à ce titre emblématique, puisque un tiers de la population sera en situation irrégulière sur l'île, tandis que d'autres collectivités peinent au contraire à attirer la main-d'œuvre suffisante pour répondre aux besoins du marché du travail, par exemple Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est pourquoi, en tant que rapporteur, j'ai choisi de mener une concertation avec l'ensemble des 11 territoires situés en Outre-mer. Pour chacune de ces auditions, j'ai associé l'ensemble des représentants du territoire, services de l'État déconcentrés, élus locaux, parlementaires et associations œuvrant dans le domaine afin de recueillir tous les points de vue et bâtir des propositions faisant l'objet de consensus. Je porte la conviction profonde qu'aucune mesure ne doit être adoptée sans une très large adhésion des territoires concernés. Et cette conviction guidera mon travail lors de l'ensemble des discussions que nous allons animer dans les semaines à venir. Je tiens d'ores et déjà à insister sur la nécessité de réfléchir à des mécanismes de territorialisation des métiers en tension, définis par l'article 4 du projet de loi. Une telle liste ne saurait être définie de manière uniforme et unilatérale pour les territoires d'outre-mer qui présentent des particularités très fortes en termes d'emploi et de besoins de main-d'œuvre. Ainsi, le souhait de mécanisme de consultation des acteurs locaux a été à plusieurs reprises exprimé par les territoires que j'ai entendus. De même, la durée d'un titre de séjour délivré dans le cadre du mécanisme de régularisation de l'article 4 bis devrait pouvoir être modulée afin de tenir compte de l'éloignement et des délais de traitement de la délivrance des titres de séjour dans certains territoires d'outre-mer. Le travail de concertation que je mène actuellement a vocation à se poursuivre dans les prochains jours et je vous proposerai à son terme, chers collègues, monsieur le ministre, des solutions sur mesure. Pour chaque territoire d'outre-mer, le cas échéant, en fonction des souhaits que leurs représentants m'auront exprimé et des besoins que ces auditions auront permis d'identifier.
Le cadre constitutionnel nous permet de procéder à ces adaptations afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Je formule le souhait que nos travaux au sein de cette commission nous permettent de nous saisir pleinement de cette opportunité afin d'accorder à ces territoires toute l'attention qu'ils méritent. À cet égard, Monsieur le Ministre, que pensez-vous de cette démarche qui permettrait d'avoir, le cas échéant, un article par territoire ? Je vous remercie. Merci. On a fini avec les expressions des rapporteurs. J'ai donc appelé les orateurs des différents groupes. Je rappelle que la durée d'expression des orateurs est de 4 minutes. Monsieur Guillaume Gouffier-Valente pour le groupe Renaissance. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Madame la Rapporteure, Messieurs les Rapporteurs, chers collègues, au nom du groupe Renaissance, permettez-moi de saluer votre travail et la clarté de vos propos qui viennent nous éclairer sur les enjeux de ce projet de loi, sur sa philosophie et la manière dont vous envisagez ses évolutions après son adoption au Sénat le 14 novembre dernier. Les sujets migratoires sont un des enjeux de notre époque et des années à venir. Nous sommes face à un défi humain sur lequel nous savons les attentes de nos concitoyens fortes. Nous sommes face à un sujet qui reviendra certainement aussi de manière régulière devant notre Assemblée. Aussi, il est important d'aborder ce texte avec une certaine humilité et un réel sens des responsabilités. Il est important de l'aborder en sachant de quoi nous parlons exactement. Premièrement, et tâchons de ne jamais l'oublier, nous parlons d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont amenés bien souvent contre leur gré à quitter leur territoire. Les raisons, elles sont connues, du fait des conséquences du dérèglement climatique, des conflits et des guerres, pour des raisons économiques, sociales ou politiques, ce sont près de 130 millions de personnes qui sont considérées comme déplacées dans le monde en 2023. Et si la pression migratoire se fait de plus en plus forte sur nos pays de l'Union européenne, ce sont bien majoritairement les pays les plus vulnérables qui accueillent la majorité de ces personnes déplacées. Parler de l'immigration, c'est aussi parler des valeurs que porte notre pays, de notre modèle républicain et social. C'est également parler de notre souveraineté, de nos politiques d'intégration. Parler d'immigration, c'est parler de notre cohésion sociale et notre avenir. C'est parler d'Europe et du monde dans lequel nous vivons, un monde qui, au fond, n'est qu'un village où chaque événement qui survient peut avoir des conséquences sur notre société. Les réponses apportées par le projet de loi présenté par le gouvernement sont de nature à répondre à ces enjeux dans le respect de nos valeurs et des attentes de nos concitoyens. D'abord, en venant renforcer considérablement nos politiques d'intégration, en facilitant l'apprentissage de la langue, en revoyant à la hausse aussi nos attentes en la matière. En assumant de renforcer l'intégration par l'accès au travail, par ailleurs, condition sine qua non d'une bonne intégration. Ensuite, en facilitant les règles d'expulsion avec la remise en place de la double peine pour celles et ceux qui ne respectent pas les règles de notre société et en alourdissant les sanctions à l'encontre des réseaux mafieux de traite humaine qui organisent une partie de l'immigration irrégulière. Pour reprendre vos mots, Monsieur le Ministre, oui, c'est être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Enfin, nous nous devons aussi, à travers ce texte, de simplifier encore un certain nombre de procédures afin de répondre plus rapidement aux demandes de séjour sur notre territoire ou d'obtenir du statut de réfugié. En outre, nous n'oublions pas que ce texte ne se suffit pas à lui-même. Il s'inscrit dans la continuité de la loi de 2018 qui a permis de diminuer par deux les délais de traitement de demandes d'asile de l'OFPRA, dans la continuité de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur également, qui nous a permis d'augmenter de 25% les crédits dédiés à l'intégration et d'ouvrir un travail de refonte importante des préfectures, comme vous le rappeliez. À ce contexte législatif national, j'ajoute bien entendu les travaux essentiels menés au niveau européen qui doivent fonder une grande partie des réponses à ce défi. Le texte qui nous provient du Sénat a été âprement discuté et amendé par nos collègues sénateurs. Le sujet est difficile, mais je formule le vœu que nos débats se déroulent dans le même état d'esprit républicain que ceux que nous avons pu suivre à distance au Palais du Luxembourg. Bien entendu, si nous saluons le fait qu'un compromis ait pu être trouvé au Sénat afin que le texte y soit adopté, en gardant d'ailleurs la majorité des mesures du projet initial, la quasi-totalité d'ailleurs, je ne vous cache pas le fait que sur un certain nombre de points qui ont été ajoutés, nos désaccords sont réels. À aucun moment, nous ne pourrons accepter les dispositions qui ont été introduites sur l'AME, sur le droit de la nationalité, sur les MNA, sur la restriction de l'accès aux prestations sociales, par exemple. Toutefois, fort de la volonté de répondre aux enjeux posés par ce texte et fort... Toutefois, fort de la volonté de répondre aux enjeux posée par ce texte et fort de la volonté d'adopter des dispositions les plus claires et efficaces possibles, c'est bien entendu avec attention que nous regardons certaines dispositions qui ont pu y être ajoutées et certaines discussions qui sont de nature à améliorer ce projet de loi que nous regarderons avec efficacité et dans l'attachement des valeurs qui sont les nôtres pour l'adopter à la fin, nous l'espérons. Merci. Je vous remercie.
Merci. Moi aussi, je dois un petit peu domestiquer le matériel de la salle Lamartine. Monsieur Gillet, pour le groupe Rassemblement National. Oui, monsieur le Président, monsieur le ministre, chers collègues. Quand on parle d'immigration, nous devons nous poser deux questions. La première, quel est l'impact de l'immigration sur la vie de nos compatriotes et sur notre pays? La seconde, que veulent nos compatriotes en la matière? Si je ne nie nullement les quelques améliorations que ce texte contient, je sais aussi combien la gauche et une partie de la majorité vont tenter de le modifier ici à l'Assemblée pour accentuer le laxisme migratoire. Je sais aussi combien, même en sa sortie du Sénat, le texte ne répond pas à toutes les attentes des Français ni à l'urgence de la situation. Dans les médias, vous affichez une lutte contre l'immigration irrégulière et en même temps, vous souhaitez la régularisation des travailleurs clandestins. Sévérité affichée et en même temps, laxisme migratoire. La réalité, c'est que, comme vos prédécesseurs, vous organisez les appels d'air. Sur le droit du sol, rien d'efficace n'est prévu. Sur la politique d'immigration régulière, rien non plus. Or, depuis qu'Emmanuel Macron est président, la France a délivré 1,6 million de premiers titres de séjour à des immigrés extra-européens. C'est un record. Rien non plus sur l'immigration irrégulière. Vous estimiez le 2 novembre dernier devant notre commission entre 600 et 900 000 étrangers irréguliers sur le territoire national. Votre incapacité et votre manque de volonté à maîtriser nos frontières sont malheureusement évidents. Pire, vous ne prévoyez rien pour couper les pompes aspirantes de l'immigration. Le nombre de bénéficiaires de l'AME était de 400 000 en 2022. Ce dispositif coûte 1,2 milliard d'euros aux Français chaque année. Et si les sénateurs ont eu la sagesse de reprendre la mesure de Marine Le Pen consistant à remplacer l'AME par une aide médicale d'urgence, la Première ministre exige que vous réintroduisiez ce dispositif coûteux et injuste pour les Français. En ce qui concerne la demande d'asile, qui a triplé en 10 ans, votre projet ne durcit aucunement la procédure malgré son dévoiement permanent. Les étrangers obtiennent chez nous plus facilement le statut de réfugié qu'outre-Rhin, qu'en Suède, qu'en Norvège, qu'en Autriche ou qu'au Danemark. Car c'est bien là le sujet. Le dévoiement du droit d'asile a une incidence sur ceux qui peuvent réellement y prétendre, en plus d'avoir un impact sur l'économie du pays. Que dire aussi de l'expulsion des étrangers en situation irrégulière et de l'absence totale du principe de priorité nationale dans ce projet de loi ? Vous êtes également muet sur le problème de l'hébergement inconditionnel des migrants clandestins, alors que tant de Français n'arrivent pas à se loger correctement. Ensuite, et c'est peut-être plus grave encore, vous proposez, monsieur le ministre, derrière la prétendue fermeté affichée pour asseoir vos ambitions personnelles, d'adopter un article qui va aboutir à la vague de régularisation de clandestins la plus massive de l'histoire de notre pays. Oui, l'article 3 a été supprimé en hémicycle du Sénat après avoir été approuvé en commission, y compris par les LR d'ailleurs, mais non seulement cet article a simplement pris une autre forme en l'article 4 bis, mais en plus votre majorité va tenter de le réintroduire sous sa forme initiale. Sous une forme ou sous une autre, le résultat est le même, vous souhaitez donner une prime à la clandestinité. Alors que la surreprésentation des étrangers dans la délinquance est une réalité et que 5 millions de Français sont sans emploi, votre projet va accentuer les avantages au profit d'étrangers clandestins, clandestins donc délinquants. Vous ignorez les problèmes de notre pays, les failles pour notre sécurité collective, pour les comptes publics, pour les salaires des Français et pour l'économie. Monsieur le ministre, l'heure est grave. C'est pour cela que les Français sont 83% à demander un référendum comme le propose Marine Le Pen et qu'ils veulent une politique migratoire ferme. C'est pour cette raison que les députés du Rassemblement national amenderont ce texte afin de renforcer les conditions de séjour pour les étrangers, en finir avec l'AME et le droit du sol, refonder la politique française de l'asile, lutter profondément contre l'immigration irrégulière, redonner enfin à la France la maîtrise de ses instruments juridiques. François Mitterrand disait en 1988, « Ceux qui sont clandestins, il faut qu'ils rentrent chez eux. » Comme quoi, même ceux qui ont une responsabilité dans le déclin de notre pays peuvent avoir des moments de lucidité. Merci. Madame Elisa Martin pour le groupe La France Insoumise. Merci de me donner la parole. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Tel est l'esprit de votre loi. Monsieur Darmanin, personne n'est dupe. Que cela soit nous, la France Insoumise, la gauche ou bien les associations, les collectifs, les syndicats, les institutions, les avocats, personne n'est dupe. Dans le contexte d'Arras, de l'attaque d'Arras, monsieur Darmanin, vous avez défendu votre loi comme la plus dure et la plus ferme présentée depuis 30 ans, comme une réponse au terrorisme. En quoi une dégradation majeure des droits permettrait de lutter contre le terrorisme ? Votre projet est mensonger. Il est fondé sur le postulat selon lequel notre pays serait submergé par une prétendue vague migratoire.
Or, si l'on rapporte le nombre de réfugiés accueillis dans notre pays à la population, notre pays est le 20e pays d'accueil dans l'Union européenne, à contre-courant des mythes que vous vous plaisez à alimenter. Votre projet est superflu. C'est le 29e texte sur l'immigration depuis 1983, toujours à courir inlassablement derrière la politique du chiffre. Votre politique et votre projet est trompeur. Cette inflation législative n'a aucunement pour but de développer une politique digne pour tous, comme nous le demanderions. Au contraire, elle vise à rendre notre pays de plus en plus hostile à celles et ceux qui pourraient y espérer y trouver des conditions d'existence dignes, à même vis-à-vis de ceux qui, d'une façon légitime au sens premier du terme, devraient pouvoir y trouver protection et asile. Le démantèlement, d'ailleurs, du système d'asile que votre texte acterait est représentatif de cette tendance. Votre texte est dangereux. En effet, nous assistons, à travers cette dégradation inédite des droits des étrangers et du droit d'asile, à une insupportable inversion de la hiérarchie des normes. Comme d'autres, comme des humains, le droit de l'enfant, tout ça est passé par-dessus bord. Votre projet est inhumain. Vous avez recours à des concepts malléables à souhait pour justifier le durcissement de ces mesures d'éloignement et la soi-disant augmentation de ces taux d'exécution, au détriment des personnes malades, des enfants et de la réalité du fonctionnement de la procédure en droit des étrangers et son application. Votre projet est un projet de division, division entre les uns et les autres, division entre ceux qui sont ici et ceux qui voudraient pouvoir s'y installer. Dans votre vision, étranger rime avec criminel, migrant rime avec humain au moindre droit. Alors même que les sciences humaines s'accordent unanimement sur l'absence d'impact et de lien entre l'immigration et la délinquance. Vous avez ouvert la porte à toutes les régressions. Évidemment, et vous le saviez, la droite sénatoriale s'y est engouffrée, reprenant, adoptant les pires dispositions. Retrait du titre de séjour, par exemple, pour motif d'adhésion au djihadisme, alors que ces mêmes dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans la loi séparatiste. Allongement de la durée de rétention administrative maximale de 3 à 18 mois, comme dans l'Italie de Meloni. Suppression de l'aide médicale d'État, alors même que 8 personnes éligibles sur 10 n'ont pas recours à celle-ci, alors qu'elles y auraient droit, selon les données de Médecins du Monde. Vous prétendez être juste en régularisant dans votre texte initial les travailleurs étrangers dans les métiers en tension. Nous n'accepterons pas cette vision utilitariste et hypocrite des travailleurs. Vous prétendez vouloir réformer nos institutions, et en particulier la procédure d'asile, dont la France pourrait être fière, sous prétexte d'une réduction des délais et d'un rapprochement entre les demandeurs et les structures. Nous n'accepterons pas l'impartialité que vous souhaitez définitivement mettre à bas de la CNDA. Nous n'accepterons pas la fin de la dépendance de l'OFPRA, de l'indépendance de l'OFPRA. Au pays des droits de l'homme, tous les humains sont égaux, mais selon vous, il y en a qui... Madame Annie Genevard, pour le groupe Les Républicains. Merci, monsieur le président de la commission des lois. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, madame et messieurs les rapporteurs, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer le plaisir que j'ai à rejoindre votre commission pour l'examen des textes de loi immigration, à la fois le projet de loi issu des travaux du Sénat, mais aussi la proposition de loi constitutionnelle des Républicains pour lesquels j'ai l'honneur d'être oratrice au nom de mon groupe. Monsieur le ministre, nous vous auditionnons aujourd'hui en préfiguration de l'examen de votre projet de loi destiné à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Initialement composé de 27 articles, le texte en comporte désormais 96. C'est dire combien les travaux menés par nos collègues sénateurs l'ont transformé en profondeur. La situation que nous connaissons justifie à nos yeux la fermeté des sénateurs à l'égard d'une situation migratoire hors de contrôle. Chacun connaît les chiffres, ils sont plus qu'alarmants, et comment s'étonner dès lors que 74% des Français rejettent la politique du gouvernement en matière migratoire. Cette opinion est un fait qui nous met en face de nos responsabilités. Je dirais même que c'est l'heure de vérité. Notre pays est à la fois laxiste et impuissant. C'est donc du côté de la fermeté qu'il faut aller, car en matière d'ouverture, nous sommes, si j'ose dire, largement pourvus. Les chiffres en attestent. Ils disent une réalité dont nous n'avons pas le droit d'ignorer les conséquences en matière d'insécurité, de perte de souveraineté,
de perte de cohésion nationale, de déséquilibres financiers et sociaux. Assouplir et durcir, l'impossible oxymore pour reprendre l'expression de Pierre Brochand. Ce texte permettra-t-il de remédier au problème ? Le Sénat s'y est employé et a produit un texte qui, mesure après mesure, corrige l'existant et nous aurons matière à le corriger encore. Qu'en ferez-vous ? Les premières déclarations de membres de votre majorité, et ce soir encore, permettent de nourrir bien des inquiétudes. En matière de métiers en tension, certains veulent revenir à la rédaction initiale qui crée une nouvelle filière d'immigration et de nouvelles sources de contentieux au moment même où le taux de chômage des immigrés est de 16% ou le taux de chômage en catégorie A augmente, funeste en même temps. Si les régularisations que la France conduit massivement depuis 1981 avaient résolu les problèmes et tari les flux, ça se saurait. Régulariser les métiers en tension, c'est amorcer une pompe inépuisable, nous dit encore l'ancien directeur de la DGSE. Quant à l'AME, qui n'est l'un que l'un des 11 dispositifs existants en matière de santé des étrangers, certains dans votre majorité au gouvernement exigent sa restauration en caricaturant le dispositif que nous proposons de lui substituer et qui garantit pourtant la protection de la santé publique. Mais la principale raison qui nourrit nos doutes sur l'efficacité de ce texte est qu'il ignore délibérément les freins à son application. Exécuter les OQTF ou les expulsions, mettre en place des plafonds migratoires ou durcir les conditions d'accès au regroupement familial, pour ne citer que quelques exemples du texte, se heurteront au droit conventionnel et sa jurisprudence ou aux cours souveraines nationales. La gestion de l'immigration dans notre pays est largement dictée par des dispositions supranationales. Seule une réforme de la Constitution assurera une pleine effectivité de ce texte, redonnera à la France le droit d'accueillir sur son sol qui elle veut et la possibilité de se protéger d'une immigration massive et subie qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Vous le savez, Monsieur le Ministre, le Président de la République le sait aussi. C'est pourquoi nous avons déposé une proposition de loi constitutionnelle qui seule nous permettra de reprendre le contrôle. Nous verrons bien lors de son examen le 7 décembre prochain ce que le Parlement souverain en dira. Monsieur le ministre, comprenez bien que les Républicains, parfaitement conscients des enjeux, veulent que cette loi ne soit pas la 40e qui rejoigne la longue série de lois inutiles ou inefficaces. Merci. Les Républicains veulent un vrai changement de paradigme, non pas gérer les flux migratoires, mais en finir avec l'immigration. Monsieur Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le groupe démocrate aborde l'examen de ce projet de loi avec un double souci. D'une part, bien comprendre l'attente de réforme de l'opinion publique à laquelle il veut répondre, et d'autre part, être fidèle aux valeurs humanistes qui fondent notre conception de la démocratie où toutes les réconciliations doivent être possibles. Le devoir du législateur est de les garantir ainsi que les principes républicains. Pour y parvenir, le projet initial réalisait un certain nombre d'équilibre entre deux impératifs, l'intégration réussie pour les étrangers en situation régulière et la maîtrise efficace de l'immigration irrégulière. La réussite de l'intégration, d'abord, elle passe par la maîtrise de la langue, qui est la garantie première de la volonté de participer à un pays avec son mode de vie et par l'engagement dans le travail pour gagner sa vie. La maîtrise de l'immigration irrégulière, ensuite. Le projet du gouvernement souhaitait supprimer un certain nombre de facilités qui était autant de brèches dans la protection de notre pays contre l'immigration clandestine. Il raccourcirait ainsi opportunément les délais de procédure pour l'examen initial des requêtes et des recours, en particulier la Cour nationale du droit d'asile. Nous déplorons que dans sa volonté de dissuader à toute force l'immigration clandestine et de limiter l'immigration illégale, le Sénat ait toutefois péché par esprit de système, en raccourcissant ainsi trop les délais au détriment du droit au recours effectif, en imposant des exigences sans doute excessives aux étudiants étrangers ou en définissant trop étroitement les conditions du regroupement familial. Le Sénat a porté des atteintes qui nous paraissent disproportionnées, disons-le, aux libertés constitutives des principes de la République. Et sur tous ces points, le groupe démocrate soutiendra des amendements de suppression. Tout d'abord, évidemment, il faudra revenir sur la suppression pure et simple en l'état de l'AME, et supprimer les dispositions relatives à la nationalité, manifestement sans lien avec le projet initial. Ce qu'il faut faire, c'est définir des règles claires pour l'entrée, bien sûr,
et le séjour des étrangers, en particulier pour les mineurs non accompagnés, faire respecter notre souveraineté, lutter avec vigueur contre les passeurs et les marchands de sommeil, lutter sans doute aussi contre le dévoiement du droit d'asile. À cet égard, nous saluons la volonté de réduire les délais de traitement des demandes. Sur la question des métiers en tension, le compromis trouvé au Sénat, sous l'impulsion de notre partenaire, le groupe centriste, Union centriste, ouvre un chemin. Et nous constatons qu'en laissant la main au préfet, il inscrit dans la loi ce qui, en fin de compte, est toujours la réalité. Nous en comprenons l'esprit, mais nous nous interrogeons sur l'impact réel s'agissant du nombre de régularisations et les métiers concernés. En outre, le groupe démocrate souhaite la clarification des responsabilités respectives du maire et de l'administration dans la vérification des conditions de vie des étrangers. Il est d'ailleurs attaché également à la reconnaissance explicite par la loi du rôle des associations. Enfin, le groupe démocrate souhaite poser la question opérationnelle de l'application de ces dispositions légales. En clair, nous pointons ici la capacité de l'administration à s'y adapter. La question se pose particulièrement à propos du traitement expérimental, dit à 360 degrés, des demandes de titre de séjour. En conclusion, vous l'aurez compris, nous sommes vraiment attachés à un texte équilibré. Et pour cela, nous devons nous donner toutes les chances de réussir cette réforme par un travail de fond, en responsabilité, avec pragmatisme et humanisme. Je vous remercie. Monsieur Hervé Solignac, pour le groupe socialiste. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, il y a un an, vous présentiez un texte avec le ministre du Travail dans un duo assez bien rodé. Et je dois confesser, monsieur le ministre, que ce texte initial constituait une base de discussion intéressante sur certains aspects, s'agissant notamment de l'intégration par le travail qui demeure, de notre point de vue, le moyen le plus opérant pour accueillir dignement un étranger dans la communauté nationale. À cet égard, le ministre Dussopt déclarait, je le cite, « Il y a une forme d'absurdité du système. On enferme certains étrangers dans l'inactivité et d'autres dans l'inégalité. » Vous-même, monsieur le ministre, vous avez enfoncé le clou. Je vous cite à votre tour. « Nous ne donnons peut-être pas assez de titres de séjour aux gens qui travaillent et qu'un certain patronat utilise comme une armée de réserve. » Alors on s'interroge, entre le texte présenté il y a un an et le texte qui nous arrive du Sénat, que s'est-il passé? On devait examiner un texte méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, on se retrouve avec un texte méchant avec tout le monde. Ce projet de loi désintègre plus qu'il n'intègre, il accroît les contraintes et multiplie les motifs de contentieux. Au fond, on se demande qui est le vrai Gérald Darmanin, celui qui présente un texte en Conseil des ministres dont on a le sentiment qu'il s'inscrit dans un cadre républicain, ou bien celui qui donne des avis de sagesse coupable au Sénat parce que la fin justifie les moyens. Alors, venons-en au fond. À ce stade, le droit des étrangers va poursuivre sa vie dans le pays de l'absurdie et le royaume de l'hypocrisie. À cet égard, la liste est longue. On peut, par exemple, dans ce pays, travailler, avoir le devoir de payer des cotisations et ne pas avoir de droit en retour. Plusieurs centaines de milliers de travailleurs irréguliers sont dans cette situation profondément injuste. Quant à celui qui ne travaille pas, parfois sous le coup d'une OQTF, absurde parce qu'inapplicable, il restera soumis à la clandestinité et à une épreuve terrible pendant des années avant que la République ne consente à l'accueillir en son sein. Par ce texte, vous cédez au mythe de l'appel d'air, selon lequel si on traite trop bien les populations étrangères qui arrivent sur notre sol, alors ça va être la submersion. Au nom de ce mythe, que fait-on? Eh bien, on dégrade l'accueil de ces populations étrangères, pensant qu'on va tarir la source, et ça n'est pas la lutte contre les passeurs ou les marchands de sommeil qui va modifier cette réalité. Chacun sait que notre politique migratoire n'est ni généreuse ni ferme, elle est brouillonne, confuse et souvent illisible. La France accueille mal, protège mal, intègre mal, et même, je le dis ici, reconduit mal. Les Français doivent comprendre que ce texte, en l'état, c'est plus de précarité, plus de travail dissimulé, plus de contentieux, plus de gens malades. En un mot, c'est plus de désordre. Le groupe socialiste défendra une politique de l'ordre républicain, avec des critères d'admission clairs. Une véritable politique d'accueil et d'inclusion, notamment par le travail, mais aussi par l'éducation, l'enseignement du français, comme des valeurs de la République, l'accès à la santé, bien entendu, une répartition aussi organisée et solidaire, en Europe comme sur le territoire national, des moyens enfin pour instruire correctement
les droits des étrangers ou pour protéger les mineurs non accompagnés. Nous voulons croire ici qu'il existe une majorité de députés pour faire revenir ce texte dans le champ de la République et de ses principes, s'agissant des débats que nous aurons sur notamment la suppression de l'AME, les conditions de maîtrise de la langue française, cette terrible franchise de 5 ans que le Sénat a introduit pour accéder aux allocations sociales, les quotas ou bien encore la remise en cause du droit du sol. Sachez que pied à pied, sur chacun de ces points et bien d'autres encore, sans idéologie mais pas sans idéal, le groupe socialiste se battra pour ramener ce texte dans le champ de la République dont il est malheureusement sorti. Merci. Monsieur Laurent Marcangeli pour le groupe Horizon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Cela a été dit, au cours des dernières décennies, de nombreux textes ont eu à débattre de ce sujet qui, par d'innombrables raisons, nous anime toutes et tous profondément. La question de la politique migratoire, elle est sensible, car elle touche au cœur ce qui fait la France, ce qui l'a faite et ce qui la fera. Or, depuis des décennies, nous souffrons d'une incapacité à nous projeter, d'une incapacité à fixer une trajectoire. Cette incapacité, elle conduit parfois à des largesses, des permissivités, mais également des injustices. Les Français ne les acceptent plus, à juste titre. La réponse à la question migratoire, elle inquiète légitimement nos compatriotes. Elle suppose d'établir de la nuance. Cette nuance, elle n'empêche en rien la fermeté et surtout, le réalisme. C'est un sujet bien trop sérieux pour que le débat public se limite à la petite phrase, n'en déplaise à certains. Il faut le reconnaître et ne pas avoir peur de le dire. Notre pays connaît parfois des tensions exacerbées en raison d'une immigration que certains de nos compatriotes considèrent comme subie. Notre modèle social, ainsi que nos services publics, sont soumis à une forte tension qui pousse nos capacités d'intégration à leurs extrêmes limites. Que d'un point de vue économique, l'immigration est un moteur, mais qu'elle entraîne aussi parfois la paupérisation de nos travailleurs. Dire enfin que nous sommes face à un véritable vertige démographique pour les décennies qui sont devant nous. Il est donc grand temps de changer de braquet, de porter une véritable vision de la politique migratoire française, car notre système actuel est trop fragile et il doit être adapté pour préserver la cohésion nationale. Est-ce que ce projet de loi va régler toutes les difficultés en la matière? Je ne le crois pas. Pourrait-on s'en passer? La réponse est non. Oui, ce texte est indispensable, même si nous le savons tous, il ne suffira pas. Il est indispensable car il tend vers un système dans lequel nous serons capables de ne pas subir, de ne plus subir ou de moins subir. Notamment sur le resserrement des conditions de regroupement et de réunification familiale ou encore sur la limitation du renouvellement des cartes de séjour temporaires. Il est indispensable aussi parce qu'il est grand temps de muscler notre stratégie d'éloignement, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre. Nous partageons avec vous la nécessité de pouvoir lever un certain nombre de protections lorsqu'un étranger constitue une menace pour l'ordre public. De la même manière, il faut donner aux préfets les moyens de refuser ou de retirer les titres de séjour des étrangers lorsque les cas se présentent. Soyons extrêmement clairs, un étranger qui ne se conforme pas aux principes républicains et constitue une menace pour l'ordre public doit être éloigné ou expulsé. Il est indispensable enfin car il replace les valeurs de la République, la langue, le travail, au cœur de l'intégration. Cette exigence républicaine, ce n'est même pas une condition, c'est un préalable. L'immigration ne saurait conduire à un délitement de nos valeurs fondamentales. Le travail en fait partie. C'est une condition incontournable de l'intégration et de la nécessaire contribution de chacun à notre pays. Il ne suffira pas, néanmoins, car depuis la création de l'espace Schengen, agir seul en la matière n'aurait que peu de sens. Il faut qu'une action collective européenne se déploie, aux côtés bien sûr d'une stratégie nationale de protection de nos frontières. À ce titre, nous espérons que le pacte asile-immigration aboutira avant l'échéance de 2024, juin. Il ne suffira pas, enfin, car en matière d'éloignement, ce n'est pas seulement notre arsenal juridique qui manque d'efficience, mais bien notre capacité réelle à éloigner les intéressés. Nous n'avons donc qu'une seule option crédible, agir sur les pays sources en conditionnant l'attribution de l'aide au développement à la coopération en matière de réadmission et en limitant drastiquement le taux et la durée de délivrance des visas. Nous ne pouvons continuer à financer massivement des projets structurants dans ces pays sans exiger une coopération efficace en matière de réadmission. Monsieur le ministre, est-il véritablement possible de concilier cette politique d'attractivité internationale menée par la France avec une politique de réduction rationnelle de nos flux migratoires? Je vous remercie. Monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste.
Merci. Monsieur le ministre, le passage à la caisse du supermarché est un véritable calvaire pour le porte-monnaie de nos concitoyens. Nos enseignants sont à bout et les inégalités scolaires demeurent parmi les plus élevées de l'OCDE. 3 millions d'enfants ne partent jamais en vacances. Des milliers de gens crèvent de froid dans la rue ou dans des passoires thermiques. L'ONU nous alerte sur l'accélération du grand réchauffement, bien réel celui-ci. La France est régulièrement condamnée pour ses régressions en matière de liberté ou de droits humains. Mais vous, vous paralysez le débat public, déjà suffisamment englouti sous les thèmes et les termes de l'extrême droite, avec une question: comment durcir encore les conditions d'accès et d'accueil dans notre pays? Quel cadeau fait à Marine Le Pen? Peu importe si vous savez au fond que vous ne pouvez rien faire en réalité contre un phénomène humain, la migration qui existait avant vous et qui existera après. Vous ne pouvez et vous ne pourrez rien de plus que vos 29 prédécesseurs qui ont produit 29 lois sur le sujet en 40 ans. Ces 29 lois, monsieur le ministre de l'Intérieur, et la 30e ne fera pas exception, n'auront eu que deux effets. Plus d'argent dans la poche des passeurs, qui indexent directement leurs tarifs sur les difficultés à passer nos frontières, et plus de cadavres qui flottent en mer de Méditerranée ou qui gèlent dans les Alpes. Peu importe pour vous si la majorité des migrations se font entre pays du Sud, anéantissant le grand délire de submersion migratoire. Peu importe pour vous si aucune étude statistique, aucune réalité historique, aucun fait ne vient accréditer l'hypothèse de potentiel appel d'air avec des politiques plus inclusives. Peu importe pour vous si la part des étrangers en France est globalement stable dans notre pays depuis des années. Peu importe pour vous si des milliers de gens honnêtes vivent, travaillent, aiment, enrichissent notre pays chaque jour sans papier. Ne parlez pas de votre article 3 préalable, mieux que rien, mais presque rien. Peu importe pour vous les valeurs qui fondent la République et sa devise qui consacre la fraternité. Peu importe pour vous notre histoire faite de transformation et de migration. Peu importe pour vous si, avec ce texte, vous abîmez l'image de la France dans le monde, son rayonnement avec un signal de repli et de rabougrissement. Peu importe pour vous si les étudiants étrangers repartent quasi tous dans leur pays d'origine après leurs études et n'ont rien à faire dans les statistiques de l'immigration. Peu importe pour vous si la vraie urgence, c'est de mettre des moyens sur l'inclusion, sur l'hébergement, sur la protection des mineurs pour garantir la dignité de toutes et de tous. Peu importe pour vous tout cela, vous voulez votre loi à tel point que vous sacrifiez votre promesse d'équilibre, mal en point dès le texte initial, à toutes les compromissions avec la droite radicalisée, donnant votre blanc-seing pour faire entrer par pans entiers le programme de Marine Le Pen et de son père dans la loi. On l'a vu avec l'avis de la mal nommée sagesse donnée par le gouvernement sur la suppression de l'aide médicale d'État. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous pouvez encore, je le crois, éteindre l'incendie que vous avez vous-même allumé, puisque vous nous promettiez il y a plus d'un an, ce texte a connu un parcours chaotique, vous nous promettiez deux choses, un équilibre et une majorité. L'équilibre, il n'est visiblement pas au rendez-vous, j'entends ici les paroles des uns et des autres. Et la majorité, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas à tel point que vous avez été obligé de vous rallier sur bien des aspects, je le dis, aux positions de la droite radicalisée au Sénat, et que vous serez obligé, compte tenu de cette absence de majorité, d'entamer avec elle ici un marchandage mortifère sur le dos de l'État de droit, sur le dos des droits des exilés et sur le dos de nos principes les plus fondamentaux. Vous pouvez encore, monsieur le ministre de l'Intérieur, apaiser notre pays, suspendre cette folle surenchère vers l'abîme en suspendant l'examen de ce texte et en nous permettant de retrouver des vrais débats sur les vraies préoccupations des Françaises et des Français pour leur pouvoir d'achat, pour la dignité, pour l'inclusion et pour l'intégration. Voilà ce que sera la boussole des écologistes dans ce débat, monsieur le ministre, pour faire autre chose des exilés que des menaces ou des variables d'ajustements Merci. Économiques. Madame Elsa Fossillon pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci monsieur le président. Monsieur le ministre, je veux commencer par dire combien les débats au Sénat, les mots choisis pour parler des personnes exilées, marquent ou peut-être d'ailleurs confirme un basculement. De très nombreuses propositions tournent le dos tout bonnement à toute volonté d'intégration dans notre pays de personnes étrangères. Elles se rapprochent finalement du principe de préférence nationale, et je crois qu'elles ne font pas que flirter avec de grands poncifs racistes. Elles illustrent en fait assez bien les propos que je trouve très inquiétants de Pierre Brochand, qui expliquait il y a peu que nous sommes ligotés par notre état de droit.
Je pense profondément le contraire. Et je crois que le laisser-faire du gouvernement au cours de ces débats au Sénat est particulièrement coupable, coupable de légitimer une vision suspecte de l'étranger. Alors cette loi, tout ça n'a rien d'étonnant finalement, puisque vous avez offert la possibilité, tous ces potentiels, le boulevard, dans un contexte politique hystérisé par le mythe de l'appel d'air et celui du grand remplacement. Pourtant, je le rappelle, d'autres l'ont fait, la France n'est pas le plus grand pays de l'immigration en Europe, loin de là. La France n'est pas non plus le pays qui accueille le plus de réfugiés en Europe. Et à l'échelle européenne, la France n'a jamais accueilli les grandes vagues de réfugiés au prorata de sa population ou même de sa richesse. Alors, sous couvert de lutte contre ce chimérique appel d'air, ce sont les droits des personnes qui sont bafoués. Cette réforme accélère ou cherche à accélérer, certes, les procédures d'examen des demandes d'asile, mais elle le fait au détriment de leurs droits. Elle accentue la mise sous contrôle des demandeurs d'asile, facilite les expulsions, durcit les conditions d'accès au titre de séjour, affaiblit les droits et garanties des personnes étrangères. C'est également un projet de loi qui s'inscrit dans un récit de racines xénophobes qui cherchent à créer un trait d'union abject entre immigration et délinquance. Un discours relayé volontiers par vous, monsieur le ministre, en usant d'un vocable manichéen définissant qui sont les gentils et qui sont les méchants. Je vais vous dire heureusement que de merveilleux auteurs jeunesse comme Toni Unger sont passés par là pour expliquer à nos enfants que le monde est un tout petit peu plus compliqué que celui-là. Un discours véhiculé par vous, tantôt par des tweets quotidiens, tantôt par des circulaires invitant à multiplier les OQTF, tout en sachant qu'elles ne sont pas possibles dans bien des cas, et les placements en rétention pour les auteurs de la notion très large et arbitraire de trouble à l'ordre public. Le volet méchant est donc bien présent, avec une véritable criminalisation des migrants et au passage des assauts de solidarité, et cela au mépris de nos engagements conventionnels. Nous notons en revanche les très lourds manques de ce projet de loi. Je pense notamment à la question de l'hébergement, tout de suite, de l'accueil inconditionnel. En réalité, je rejoins les propos d'un collègue précédent, la question ici n'est pas le laxisme ou la fermeté, mais le désordre créé par les politiques migratoires que vous mettez en œuvre. Personne n'est satisfait du fait qu'il y ait des personnes exilées qui se retrouvent à la rue dans des campements. D'abord, eux, évidemment, ne peuvent accepter, mais nous non plus, nous ne pouvons l'accepter, et les citoyens qui vivent autour, non plus. Mais la seule réponse possible, évidemment, c'est de permettre d'abord qu'ils soient hébergés, qu'ils puissent travailler et que les enfants soient scolarisés. En fait, l'accueil est bon pour notre cohésion sociale. Il est bon pour le respect des droits, mais il est bon pour notre cohésion sociale. La régularisation des travailleurs sans papier, dans le texte aujourd'hui, mais visiblement aussi, a été réduite en première version de texte à une approche utilitariste limitée au seul métier en tension. Nous combattrons évidemment cette idée en défendant Merci. Une régularisation de toutes et tous par le travail. Merci. Monsieur Christophe Naegelen, pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci, monsieur le Président, monsieur le ministre, chers collègues. Nous allons pendant ce mois qui arrive, avoir l'occasion d'échanger sur ce qu'est notre immigration, notre façon d'intégrer et sur ce qu'elle devrait être. Si on regarde dans le détail, la partie législative qui nous est propre n'est pas majoritaire dans le CESEDA si on prend en compte la partie réglementaire et la partie européenne. Nos moyens sont donc limités, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Nous devons être lucides aussi quant au principe de réalité qui s'impose. Pragmatisme et équilibre, cela doit nous guider tout au long de l'étude de ce texte. Sur l'article 1, par exemple, est-ce sa place dans ce texte? Et si oui, l'AMU ne risque-t-elle pas de continuer à aggraver la surcharge dans nos hôpitaux et dans leurs services d'urgence? Cette question est réelle, nous devons nous la poser. Comme nous devons aussi nous poser le besoin de revoir le panier de soins qui peut interpeller nos concitoyens sur sa largesse. Il en va de même pour l'article 3. D'un côté, il faut des critères stricts qui ne laissent aucun doute sur le but d'une intégration par le travail, en cohérence avec les besoins des territoires et de ses entreprises. Il faut aussi des critères clairs qui ne servent pas de pompe d'aspiration, mais il serait incohérent d'occulter la réalité de la main-d'œuvre étrangère
en France. Il faut donc trouver une voie de passage sur les métiers en tension qui est réelle et qui est une réelle demande de nos entreprises dans une grande majorité, voire dans la totalité de nos territoires. Ce serait une aberration d'occulter cette demande économique. Par contre, concernant certaines de ces entreprises, il faut aussi penser à des sanctions fortes pour celles qui profitent de ce système et qui exploitent des situations qui sont difficiles. Un réel besoin aussi de réformes administratives. On doit repenser notre façon de faire, non seulement pour réussir à minimiser au maximum les délais, mais aussi pour être plus efficace. Et pour ça, seulement un investissement massif dans nos services est nécessaire. Et si on reprend un rapport qui a été rendu récemment, on voit bien que c'est dans nos préfectures qu'on a, et dans ce service étranger, qu'il y a eu énormément de moyens qui ont été supprimés. Ça interroge et ça montre surtout qu'on a besoin de plus réinvestir dans ces services au sein de nos préfectures. Et on a aussi besoin de beaucoup plus départementaliser les services en lien avec l'immigration. On parlera notamment de l'OFI, de la CNDA et autres. On a besoin d'une territorialisation et sans doute d'une départementalisation qui aiderait énormément à résoudre un certain nombre de problèmes. Enfin, une mesure essentielle, l'éloignement des étrangers menaçant l'ordre public. Elle doit être plus rigoureuse, plus rapide, exigeante et ne souffrir d'aucune faiblesse sur des obstacles que nous aurions nous-mêmes créés. Bref, ce texte doit amener ce que les 29 autres n'ont pas fait, sans doute moins d'accueil, mais pour une meilleure intégration, afin de répondre aux réelles difficultés de notre temps présent et futur. Et enfin, pour les non-inscrits et pour une durée de 2 minutes, Madame Emmanuelle Ménard. Merci, Monsieur le Président. L'augmentation rapide du nombre d'étrangers en France participe à l'embolie de beaucoup de nos services publics. Cette citation n'est pas de moi, mais d'un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, comme quoi quitter l'exercice du pouvoir permet apparemment d'ouvrir les yeux sur la réalité. La politique d'immigration de la France est un échec. Plus de 320 000 titres délivrés en 2022 contre 277 000 titres en 2019 et une immigration clandestine que nous n'arrivons toujours pas à maîtriser, sans même parler de la juguler. Ce n'est malheureusement pas nouveau, mais M. Macron n'a rien solutionné, victime de son « en même temps » permanent. Il explique à la fois qu'il veut être ferme sur les expulsions, mais en même temps qu'il faut encourager l'installation d'immigrés dans les campagnes. Il dénonce une politique absurde, à la fois inefficace et inhumaine, mais il oublie que c'est sa propre majorité qui a élargi la réunification familiale aux frères et sœurs de réfugiés et que le regroupement familial a grimpé d'environ 18% en 2021, après avoir augmenté en 2020 de 28%. Pour autant, je refuse le fatalisme en matière d'immigration. Une grande diversité de solutions existe chez nos voisins européens, Royaume-Uni, Allemagne ou Danemark, dont nous pourrions nous inspirer, à condition d'y mettre le prix. Des bonnes pratiques, dénuées d'idéologie dans le cadre d'une réelle vision stratégique, éviter les appels d'air, renforcer l'assimilation, renforcer les conditions d'acquisition de la nationalité française, être ferme avec les délinquants étrangers, etc. J'y ajouterai quelques mesures toutes simples, comme la suppression du droit du sol, refuser automatiquement d'accorder l'asile à une personne faisant l'objet d'une OQTF, faire en sorte que le droit d'asile ne soit pas tous les jours détourné avec l'aide d'associations qui jouent contre notre pays, mais aussi contre ceux qu'elles prétendent défendre, ou encore refuser de marier un clandestin lorsqu'il fait l'objet d'une OQTF, par exemple. Monsieur le ministre, j'espère simplement, mais sincèrement, que le petit jeu parlementaire du détricotage ne donnera pas une fois encore une image catastrophique de notre pays, car je suis sûre d'une seule chose, les Français nous attendent sur des mesures efficaces et de bon sens, afin de redonner le droit à la France d'accueillir sur son sol qui elle veut. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour la réponse aux orateurs des groupes. Merci, Monsieur le Président. Peut-être dire d'abord aux rapporteurs, au sens très large du terme, que je les remercie de leurs observations et de leur positionnement. Je pense que ce qu'ils évoquent est dans l'esprit du texte de loi à la fois déposé par le gouvernement, mais aussi modifié par le Sénat, et que je souscris à la plupart de leurs remarques. Dire à Olivier Servat qu'évidemment, je suis favorable, il le sait, aux articles définis
pour les Outre-mer, article par article, territoire par territoire. C'est vrai que ce sera original pour le texte de loi, mais qui permettra à chacun des territoires ultramarins de se sentir respecté. Et effectivement, il n'y a pas la même difficulté à Mayotte qu'il y en a en Guyane, qu'il y en a à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce serait absurde de faire un titre ultramarin et d'englober tout ça avec des dispositions générales, et encore pire, peut-être insultant, les renvoyer à une ordonnance. Je voudrais leur dire que, vous le savez, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne sont pas concernés renvoi par ordonnance parce qu'ils le souhaitent, et parce que, par ailleurs, l'application du droit n'est pas la même chose que les régimes, les territoires qui sont gouvernés par l'article 73 de la Constitution. Donc, M. Servat, faisons ensemble, article par article, si les territoires le souhaitent, des consultations et des dispositions particulières qui s'adaptent aux difficultés de chacun de ces territoires. Alors, peut-être plusieurs questions ont été évoquées. Je constate cependant que s'il y a beaucoup de critiques contre le texte de loi, pas tous, évidemment, je remercie les groupes de la majorité et notamment le groupe Lyotte de le soutenir, à évidemment des modulos près que je suis parfaitement prêt à entendre, il n'y a pas beaucoup de propositions dans la part de ceux qui ont montré... Non, je ne m'inquiète pas, je le constate. Voilà, c'est un peu dommage parce que je crains aussi que ce qui sera intéressant, c'est de parler du texte de loi tel qu'il existe et pas tel qu'il est commenté, parce que je n'y retrouve pas toujours les articles de loi, y compris d'ailleurs modifiés par le Sénat. Et donc, je pense qu'il serait bien, me semble-t-il, que nous discutions du projet de loi tel qu'il existe et pas celui qui eût été inventé. Par exemple, je ne sais pas, vous avez été voir la rétention à 18 mois. Elle n'est pas dans le texte, par exemple. Mais sans doute, est-ce plus simple quand on discutera amendement par amendement, article par article? Il y aura peut-être moins de suivi médiatique. Sans doute était-ce pour ça qu'il y avait des propos peut-être très généraux et qui ne correspondaient pas au texte de loi que j'ai proposé. Dire au Rassemblement national que le sujet n'est pas l'immigration régulière dans ce texte de loi, c'est évidemment l'immigration irrégulière, et sauf à être contre l'immigration tout court, mais je n'ai pas compris ça de vos propos, y compris celle de votre candidate à l'élection présidentielle, il vaut mieux une immigration régulière qu'une immigration irrégulière. Et que dans l'immigration régulière, il doit y avoir un débat pour savoir ce qu'on souhaite comme immigration régulière. Mais c'est le débat de tous les pays au monde, soit on fonctionne par quota, soit on fonctionne par objectif, soit on fonctionne par métier. On peut fonctionner évidemment par zone géographique. Après, il y a des choix qui sont faits par les grands pays démocratiques. Mais il y a toujours une immigration régulière. Donc ce que nous combattons, c'est l'immigration irrégulière. Évoquer le nombre de titres de séjour que nous donnons, n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on est capable de lutter contre l'immigration irrégulière. Par ailleurs, vous faites semblant de voir que vos dispositions n'empêcheront en aucun cas les demandes d'asile, puisque aucune disposition, d'ailleurs, ni dans votre programme, puisque vous en faites référence, ni dans celle des voisins européens qui sont inspirés parfois par votre politique, démontre leur efficacité. Et je voudrais dire en quelques mots, parce que ce qui est intéressant dans cette histoire migratoire, c'est notre comparaison avec d'autres pays européens qui ont à peu près les mêmes difficultés que nous. Voilà. D'abord, c'est tout à fait faux de dire que nous avons le pays où on a le meilleur taux de protection. Vous l'avez dit, c'est une contre-vérité flagrante. En France, c'est 40% le taux de protection après CNDA. C'est-à-dire que nous, on est grosso modo à 25% à l'OFPRA, et par des mesures de justice administrative, que ce soit... les premières instances ou les appels, à 40% de protection des personnes qui demandent l'asile. En Allemagne, c'est 46%. Et en Italie, je crois que chez vos amis, ils sont à 62%. Donc, vous voyez, nous sommes le pays, dans les trois grands pays qui nous accompagnent, où nous avons le moins de taux de protection donné à un demandeur d'asile. En France, c'est là où on a le moins de chances de l'obtenir. Et pourtant, nous avons à peu près les mêmes demandeurs d'asile. Donc, je pense que c'est déjà assez difficile, monsieur le député, pour ne pas dire des idioties qui sont des contre-vérités flagrantes. Parce que là, dans ces cas-là, on ne va pas s'entendre, y compris sur le constat. Et ce qui est inquiétant dans votre sujet, c'est que on aura l'occasion d'en reparler. On ne donne aucunement la possibilité de trouver des solutions, sauf celles que nous procédons, c'est-à-dire une simplification drastique des procédures. Parce que je regarde ce qui se passe en Italie, je regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne. Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne. C'est très intéressant, la Grande-Bretagne. Monsieur Johnson a été élu sur, grosso modo, votre programme politique qui consiste à faire le Frexit. Bon, donc vous êtes pour la sortie de l'Union européenne, la sortie des traités européens et même, j'entends dire, la sortie de la CEDH. Bon, donc peut-être qu'il y a un débat, il y a peut-être un débat désormais, mais bon, c'est pas grave. Mais on a, voilà. Donc la Grande-Bretagne est sortie des traités européens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a jamais eu autant d'immigration irrégulière en Grande-Bretagne. Jamais eu autant. Bon. Deuxièmement, il n'y a jamais eu autant de peu d'expulsions du territoire britannique. 5 000 entrées.
5 000 sorties, pardon, sur 1 million d'étrangers réguliers. Il y a 5 000 expulsions du territoire britannique par an. Nous, quand on est, nous, à 20 000, 22 000, alors qu'on a à peu près 2 fois moins d'immigration irrégulière, chacun en convient. Et regardez la Cour suprême britannique, qui a retrouvé, disent-ils les Anglais, leur souveraineté. La Cour suprême britannique vient de dire au gouvernement de M. Sunak, le pauvre qui désormais a l'héritage de M. Johnson, que non seulement cette histoire de Rwanda ne tenait pas debout, puisque personne n'a jamais envoyé un réfugié au Rwanda, ni le Danemark, ni la Grande-Bretagne, je pense qu'on pourrait se le dire. C'est une disposition qui est imaginée, que personne n'a jamais mis en place. La Cour suprême britannique dit non seulement que cela était contraire aux engagements internationaux de la Grande-Bretagne, et que, par ailleurs, même s'ils étaient sortis de la CEDH, dit la Cour suprême, ils ne pourraient pas appliquer cette réglementation. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas sortir de la CEDH ou de l'Europe, il faut sortir du monde, monsieur le député, pour appliquer votre programme. Et c'est très difficile de sortir du monde, puisque la Cour suprême britannique évoque le fait que, quoi qu'il arrive, vous faites de la poudre de perlimpinpin, parce que vous savez très bien que c'est compliqué. Alors il y a une deuxième solution, c'est Madame Meloni. Alors là, c'est vrai que Madame Meloni, c'était intéressant. Blocus naval, on ne l'a pas vu arriver. Et fin d'immigration irrégulière par un projet de loi immigration. Il n'y a jamais eu autant, vous l'avez vu, d'immigration irrégulière depuis 5 ans. En Italie, à tel point que Mme Meloni, est raisonnablement, elle a appelé à secours la Commission européenne, et notamment Mme von der Leyen, qui est votre... Mais vous pouvez rigoler, mais c'est vrai, c'est ce que vous dites aux Français, et que ce soit l'image anglaise ou l'image italienne, c'est un échec, parce que c'est évidemment une question très difficile que celle de l'immigration quand on regarde nos voisins, qui ne réussissent pas mieux que nous, et parfois font bien pire que nous, et à la fin, elle appelle Mme Meloni, Mme von der Leyen, qui vient à Lampedusa, et elle vote, Madame Meloni, et je suis le premier concerné pour être le ministre qui représente la France depuis 3 ans et demi maintenant dans les conseils des ministres de l'Intérieur européen sur la proposition française, elle adopte notre pacte migratoire sur Eurodac, sur le règlement screening. Donc je pense qu'il faut regarder les choses maintenant avec attention. Nous avons des comparaisons. Nous savons ce qu'est l'application du programme du Rassemblement national à l'étranger. C'est des mensonges vis-à-vis des Français, et alors beaucoup de difficultés pour ceux qui l'évoquent. Je suis très preneur, évidemment, de vos contre-exemples. Dans quel pays l'arrivée de populistes comme vous ont donné des résultats pour la population et la protection des migrations? Aucun. Vous n'êtes capable de me citer aucun pays, monsieur le député, alors qu'on en a 2 qui, malheureusement, ont essayé d'appliquer une partie de vos présupposés. Et c'est un échec assez flagrant. Vous pourriez au moins vous en rendre compte et peut-être essayer de constater que le texte, vous n'en avez pas parlé, mais j'espère qu'on en parlera dans le débat, qu'il s'agisse de la lutte contre l'immigration irrégulière, qu'il s'agisse de la pénalisation effectivement des passeurs, qu'il s'agisse de la simplification administrative, pourrait au moins trouver grâce pour dire bah, ça au moins, ça peut permettre d'avancer. Je constate d'ailleurs qu'il y a un petit décalage entre ce qu'a dit votre présidente, votre candidate ou présidente de groupe et ce que vous dites désormais. On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être dire également à Madame Martin, que j'ai entendu l'argument plusieurs fois, et je l'entends répéter, mais ce n'est pas parce que c'est répété que c'est vrai. Vous dites qu'il y a 29 textes depuis 1983. Bon, très bien, la belle affaire. C'est vrai que, je le dis pour ceux qui ont participé, M. Solignac, M. Lucas, des majorités qui appartenaient au gouvernement de M. Hollande, il y a eu 3 textes d'immigration en 4 ans sous M. Hollande. Ça, c'est tout à fait vrai. Il n'y en a eu qu'un seul en 6 ans de la part du président de la République. Voilà. Je ne sais pas combien vous avez de dispositions pour évoquer... Non, mais il y a eu un seul texte en 6 ans. Il y a eu un texte en 6 ans, il y en a eu 3 en 4 ans sous M. Hollande. Donc si vous faites une critique, c'est celle de la gauche. Voilà, donc je vous en remercie, M. Lucas, mais vous n'avez pas précisé que c'était notamment... il était président du MGS, M. Lucas. Je ne savais pas. Je suis moins spécialiste que vous, M. le Président de la Commission des lois. Merci, M. le Président. Donc pourquoi? Et je n'en fais pas grief à M. Hollande. Pourquoi? Parce qu'il faut adapter. Mais parce qu'il faut adapter notre législation à, par définition, le mouvement des hommes et les difficultés. On compare les choses il y a 15 ou il y a 20 ans. Mais il y a 15 ou il y a 20 ans, par exemple, les ministres qui étaient à ma place, bah, ils avaient des relations diplomatiques avec le Sahel, avec le Mali, avec la Libye, avec l'Irak, avec l'Afghanistan. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Les réfugiés climatiques, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça fait 5 ans qu'il y a entre 25 et 30 millions de personnes qui sont déplacées dans le monde, 60 000 personnes par jour. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. La question de la pénalisation de l'orientation sexuelle, notamment la question des transgenres, bah, c'est une question qui est extrêmement nouvelle, en tout cas pour les gouvernants depuis quelques années, et pas il y a 25 ou il y a 30 ans. Et quand il y a des actes terroristes, quand il y a Daesh, quand il y a l'État islamique, quand il y a des difficultés extrêmement fortes, bah, c'est normal que le président Hollande propose des dispositions. Donc ne donnons pas des arguments populistes non plus, je le dis au parti dit de gouvernement. Vous avez fait 3 lois en 4 ans. Donc laissez-nous pour une fois une loi en un quinquennat. Monsieur Colomb en a fait une en 2018. Il y a des avantages et des inconvénients à la loi Colomb. Il y a des avantages certains. On est passé de 1 an à 5 mois pour l'étude
de demandeurs d'asile. Ben, on a changé la vie de milliers, de dizaines de milliers de personnes. Voilà. Alors après, moi, je veux bien les comparaisons. Mais M. Lucas, si vraiment on était aussi dur, pourquoi le gouvernement vert et socialiste en Allemagne prend des dispositions parfois bien plus dures que les nôtres? Le gouvernement vert, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en Allemagne, mais regardez ce qui se passe à côté de chez nous. Vous avez vu les dispositions annoncées par le gouvernement allemand? Alors si vous dites que je parais trop dur, il faut vraiment exclure rapidement de l'internationale verte vos collègues verts. Vous-même, vous en riez parce qu'évidemment, c'était, j'imagine, un argument de tribune auquel vous ne croyez vous-même même pas. Bon. Pour M. Solignac et même M. Lucas, bon, j'entends ce que vous dites. Alors, vous arrivez à faire 4 et 4, 8 minutes. Je ne parle pas de la France insoumise ou du Parti communiste. Je parle vraiment, là, pour le coup, de partis qui, me semble-t-il, sont des partis de gouvernement. Je veux y croire. Sans désigner un seul instant les progrès sociaux, les progrès que ce texte apporte et que vous avez, pendant 50 ans, réclamé dans l'opposition, sans jamais l'avoir fait dans la majorité. La suppression des présences des mineurs dans les centres de rétention administratifs. Ça fait 50 ans que tout le monde le réclame. Non, mais vous n'avez pas parlé, M. Sac. Mais laissez-moi vous le dire, parce que laissez-moi vous dire c'est quoi une belle idée de gauche. Hein. Ça me permettrait, monsieur. Vous avez préféré caricaturer le propos, sans doute, parce que ça vous servait. Mais il n'y aura plus de mineurs dans les centres de rétention administratifs. Demandé par le défenseur des droits, demandé par le défenseur des enfants, demandé par la CEDH, demandé par l'ensemble des associations, c'est nous qui le faisons. Vous n'avez pas un mot pour dire il n'y aura plus de mineurs dans les centres de rétention. Il n'y en aura plus. Voilà, c'est quand même incroyable. Attendez, Les cours gratuits pour les étrangers. Nous le faisons. Pardon. Attendez, Monsieur Kerbrat, vous n'avez pas la parole. Vous l'aurez tout à l'heure pour deux minutes. Monsieur le ministre, vous avez bien regardé ce qui s'était passé au Sénat. J'ai donné un avis favorable au groupe socialiste lorsqu'ils ont voulu mettre 18 ans. Le Sénat n'a pas voulu. Je dis ici que je donnerai un avis favorable pour les moins de 18 ans. Pas un mot pour le dire. Vous n'avez pas osé le dire parce que, en fait, ce qui vous intéresse, c'est évidemment de camper dans des positions idéologiques. Vous n'osez pas dire que c'est nous, c'est le gouvernement du président de la République, c'est cette majorité qui mettra plus de mineurs dans les centres de rétention administratifs. Et on devrait tous s'en satisfaire et on devrait tous se dire. Je constate que le gouvernement socialiste ne l'a jamais fait. Ni M. Jospin, ni M. Hollande, personne ne l'a jamais fait, ni M. Mitterrand ne l'a fait. Nous le faisons. Les cours gratuits pour les étrangers. Bon, ben voilà, c'est formidable, les cours d'étranger pour les étrangers. Nous le faisons. Ça a été réclamé par toutes les associations à tout moment. C'est nous qui le faisons. Le fait que pendant les heures de travail, payées par l'employeur, on apprenne le français, c'est un magnifique progrès social. Ça évite que la femme de ménage qui fait une heure et demie de RER pour venir travailler à 4h du matin, une heure et demie pour repartir, n'aille pas à 15h reprendre des cours parce qu'elle s'occupe de ses enfants, de sa famille, tout simplement de sa vie, qu'elle a des difficultés extrêmement fortes à suivre ses cours. Le titre de séjour, qui est quand même une idée formidable, co-construction avec le groupe communiste du Sénat, qui n'a pas manifestement la même position que Mme Faucillon, mais c'est un autre sujet entre communistes, et je laisserai évidemment cela dans vos débats. C'est extraordinaire de dire on va pouvoir donner un titre de séjour à quelqu'un qui est exploité. Voilà, c'est, me semble-t-il, extrêmement cohérent, mais ça fait rire personne, parce que vous, manifestement, vous avez une vision très théorique de la vision de l'immigration et l'exploitation des personnes, en l'occurrence. Parce que vous n'osez pas dire qu'il y a des progrès importants. Alors que tout ne vous satisfasse pas, moi, je le comprends bien. C'est pas la loi LFI, c'est pas la loi du Parti communiste, ça, c'est certain. Et je mesure la différence abyssale qu'il y a entre nous sur certains points. Mais vous pourriez au moins dire que sur certaines dispositions, ce texte n'est pas voué à la hégémonie. Alors, Madame Jeanne-Darc, j'ai entendu votre propos. Je me permets de vous dire que qui peut le plus peut le moins. J'entends le débat sur la question constitutionnelle et conventionnelle. Je crois que dans le cas britannique, la démonstration est faite que, évidemment, même en sortant des traités européens, même en sortant, c'est pas ce que vous dites exactement, mais on en parlera lors de la PPL constitutionnelle, évidemment, même en sortant ou en écrasant les règles de la CEDH, il y a des dispositions qui s'imposeront et il y aura toujours des juges. Je vous l'accorde, il y aura toujours des juges qui jugeront et qui me donneront un avis, évidemment, y compris au nom de principes qu'ils créeront eux-mêmes. Bon, donc je sais que vous ne souhaitez pas revenir sur la séparation des pouvoirs, donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut évidemment faire dans notre Constitution, la Convention européenne des droits de l'homme, qui peut nous permettre d'adapter, parce qu'après tout, tout est discutable vu que tout ça est évolutif, d'adapter les choses. Ça, c'est un débat constitutionnel. Nous pensons, nous, que nous pouvons largement améliorer les choses avec la loi ordinaire, sans renier nos principes et sans surtout tourner le dos à l'Europe. Parce qu'en faisant ça, on tourne un peu le dos quand même aux engagements européens, à tous les traités européens qui ont été poussés par tous les présidents de la République qui appartiennent à votre famille politique, du général de Gaulle jusqu'à Nicolas Sarkozy.
Une fois qu'on a dit ça, et mettons à part le débat... Oui, mais le nôtre, je le dis bien volontiers, bien sûr, évidemment. Une fois qu'on a écarté cette idée constitutionnelle et conventionnelle, parce qu'on aura ce débat à un moment donné, il y a tout ce qu'on peut faire qui ne relève pas de la Constitution, ne relève pas de la CEDH, qui relève de notre pouvoir français, souverain, et du pouvoir du législateur. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'imposer, comme dans tous les pays européens sauf deux, un examen de français pour un titre de séjour long ? Ça, ce n'est pas la CEDH, ce n'est pas la Constitution. C'est quelque chose de très concret. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il faut un examen de français pour un titre de séjour pluriannuel ? Ça, pas besoin, encore une fois, de réforme constitutionnelle. Est-ce que vous êtes pour ou contre que nous augmentions le temps d'assignation à résidence pour les personnes qui sont dangereuses ? C'est ce que prévoit le texte. Ça, ce n'est pas la CEDH, ce n'est pas la Constitution. Est-ce que vous êtes pour ou contre la coercition pour qu'on prenne les empreintes des étrangers pour savoir s'ils sont mineurs ou majeurs et pour connaître leur identité ? Ça, il n'y a plus que la France, on n'est plus que deux pays aussi, à ne plus le faire. Ça, ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'on est pour ou contre de criminaliser les passeurs ? Puisqu'aujourd'hui, c'est un délit. Partout ailleurs, c'est un crime, sauf chez nous. Est-ce qu'on est pour ou contre le retrait du titre de séjour pour adhésion à une idéologie radicale ? J'entends dire que vous êtes pour qu'on retire les titres de séjour, qu'on expulse les salafistes ou les frères musulmans, par exemple, du territoire national. Il n'y a pas de disposition qui existe. C'est là que nous vous le proposons très clairement. Des gens qui sont dans la radicalisation, on puisse les expulser du territoire national. Est-ce que vous êtes pour ou contre la simplification des procédures proposées par M. Buffet lui-même ? Nous reprenons in extenso le rapport de M. Buffet. Ça, ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on supprime les dispositions qui aujourd'hui empêchent le ministre de l'Intérieur d'expulser les étrangers délinquants, parce que, par exemple, ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans sur le territoire national. Il n'y a que la France qui a ça. Il n'y a que la France, et vous savez tous que ça a été fait au début des années 2000, et ce n'est pas de réforme constitutionnelle, ce n'est pas de réforme conventionnelle. Le Conseil d'État, expressis verbis, dit dans son avis, que c'est expressément pas constitutionnel et expressément pas conventionnel que de prévoir ces réserves et que, bien sûr, le législateur a le droit de revenir sur les dispositions. Est-ce qu'on est pour ou contre une application du droit particulier à Mayotte ou en Guyane, comme l'a fait voter des sénateurs maorais ou les sénateurs guyanais dans la Haute Chambre. Donc il y a des choses, Madame Genevard, sur lesquelles on aura peut-être des désaccords, incontestablement. Je ne reviens pas sur les dispositions que vous avez évoquées au début, parce que je crois que le président de la Commission des lois, mais vous n'étiez pas arrivé, a évoqué le principe de l'irrecevabilité. On pourra toujours en discuter à l'envi, mais sur le texte de loi en tant que tel, il y a des choses qui ne relèvent pas d'une réforme constitutionnelle. Ce serait une drôle d'excuse, et surtout l'idée qu'on n'a pas envie d'avancer, que de ne pas donner à nos policiers les moyens, par exemple aussi bêtement qu'à la frontière italienne, de regarder ce qui se passe dans les véhicules de moins de 9 places. Aujourd'hui, les policiers ne peuvent pas, dans la bande des 20 km, arrêter des passeurs avec des moteurs de bateaux entre le Nord et la Belgique quand on va traverser la Manche. Est-ce qu'on a besoin de la réforme constitutionnelle ? Donc il y a des débats de nature européenne et constitutionnelle que je ne veux pas trancher ici, et ils se trancheront le moment venu, bien évidemment. Il peut y avoir des désaccords, je le comprends bien, mais toutes ces dispositions, j'ai du mal à comprendre pourquoi il faut changer absolument la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme pour les adopter pour des choses aussi bêtes que choux, parfois, mais qui empêchent très concrètement nos policiers, nos gendarmes, nos préfets de faire leur travail et d'améliorer l'intégration. Donc moi, je fais le vœu, en effet, que l'on puisse y réfléchir ensemble. Enfin, je terminerai pour dire que je suis très favorable à la disposition qui a été évoqué, et notamment par M. Marcangeli, sur le lien entre visa et LPC. Il est évident qu'il faut aider le gouvernement de la République à dire aux pays qui ne délivrent pas de LPC qu'il ne peut pas y avoir de visa sans qu'il y ait une discussion diplomatique et parfois une contrainte. Il y a eu des dispositions qui ont été imaginées par le Sénat, mais je veux dire à la majorité qu'elles étaient dans le comité interministériel dès 2019 que le président de la République a évoqué lui-même. De conditionnement, je sais que c'est une question difficile, entre l'aide au développement et certains pays qui ne jouent pas le jeu des laissez-passer consulaires ou qui sont des gens qui persécutent pour des raisons sexuelles ou des raisons religieuses une partie de leur population. Je pense que c'est effectivement un débat qui est compliqué, qui est original, mais qui mériterait d'être mené. Et puis je voudrais dire que l'argument qui est de dire on est passé de 27 à 90 articles et c'est le Sénat qui a fait les autres articles, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu une vingtaine de créations d'articles du fait du gouvernement. Par 26 amendements que j'ai moi-même proposés. Donc on peut dire au minimum qu'il y a une co-construction. 50-50, ça peut s'entendre, avec effectivement beaucoup d'irrecevabilité. Mais l'argument de « on est passé de 27 à 90 grâce au Sénat », il y a 26 amendements qui ont été adoptés par le Sénat, qui ont créé autant d'articles, avec notamment des choses qui intéressent tout le monde et qui sont difficiles, comme l'asile en rétention, c'est la première fois que nous l'imaginerions, la prolongation de la durée maximale d'assignation résidence, je l'ai dit, ou le raccourcissement des délais entre déplacement de rétention, ou la réforme entière du JLD, qui là aussi n'est pas de valeur constitutionnelle. Alors à la fin, je terminerai par dire qu'il est évident que c'est difficile de gérer
le ministère de l'Intérieur et de mener une politique migratoire. C'est très, très, très difficile. Et il est évident qu'il y a des échecs, bien sûr, et que moi, ce que je viens de demander au Parlement, c'est des moyens supplémentaires pour être plus efficace. Est-ce que ce texte, comme dit M. Marcangeli, règle tout ? Non, il ne règle pas tout. Bien évidemment qu'il ne règle pas tout. Et il y a bien sûr un équilibre à avoir, et chacun dans son groupe politique met l'équilibre où il le souhaite. Je veux simplement vous dire que le ministre de l'Intérieur que je suis et tous les services qui sont sous mon autorité, quels que soient les ministres, essayent de faire le maximum de ce qu'il peut, avec les moyens qu'il a, puisqu'il respecte les règles de la République. Mais je prends l'exemple de M. Equissaine, puisque ça, c'est quand même, me semble-t-il, très intéressant. M. Equissaine, il est depuis plus de 50 ans sur le territoire de la République. Il a 4 enfants nés en France, majeurs. Il est propriétaire. Il s'est marié en France. Il est un imam radical. Il n'a rien fait. Il n'a aucun casier judiciaire, sauf qu'il est un imam radical. Nous le savons comme tel. Il est fiché S. Depuis des années et des années et des années, l'État se demande comment se débarrasser de ce nauséabond monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'État, heureusement pour la République, vous n'avez jamais été à sa tête, je le dis pour la France insoumise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que vous avez voté une loi qui s'appelle, grosso modo, la loi séparatisme, et qui donne un principe général qu'entre la vie normale et la radicalisation, le passage à l'acte terroriste, il y a le séparatisme. Et nous avons défini une disposition qui nous permet de séparer des gens qui touchent profondément le fonctionnement de notre nation. Fort de cette loi, j'ai fait procéder par le préfet du Nord à l'expulsion de M. Equissaine dans des conditions très difficiles. À la fin des fins, il n'est plus sur le territoire national et il a appliqué lui-même, et c'est une très bonne chose, le fait qu'il ne devait plus rester, il ne peut plus revenir sur le territoire national. Le tribunal administratif m'a donné tort, c'est vrai, parce qu'il était né parce qu'il avait 4 enfants en France, parce qu'effectivement il s'était marié en France, parce qu'effectivement. Mais à la fin des fins, le Conseil d'État me donne raison. Et oui, c'est ça d'être ministre de l'Intérieur et parfois avoir les mains dans le cambouis. Et parfois on ne réussit pas, parfois on réussit. Et parfois, on va voir le juge et on lui dit « Regardez, cette personne est dangereuse. Regardez, cette personne est mortifère. Regardez l'esprit du législateur. » Et à la fin, on me donne raison. Je n'en tire pas une gloriole particulière. Je dis juste qu'il faut aller devant le juge et il faut pouvoir le faire. Aujourd'hui, sur 4000 cas de délinquants étrangers par an, mesdames et messieurs les députés, 4000 cas par an, je ne peux même pas aller devant le juge pour demander l'expulsion parce que vous ne m'autorisez pas à y aller puisque vous avez voté une loi il y a 20 ans qui m'empêche de le faire. À la fin, bien sûr, il y aura un juge. Moi, je ne suis pas tout-puissant. Je ne suis pas ministre dictateur. Si on peut avoir un débat normal sans rire et sans ricaner de la part de la France insoumise, je pense qu'on y gagnerait en démocratie. Voilà. C'est une chose importante que de parler des hommes et des femmes. Voilà. Et pas de ne pas avoir de discours humaniste à l'extérieur et ne pas traiter sérieusement les personnes. Ça serait une très bonne chose. Et je pense qu'un débat digne ne serait positif pour tout le monde. Puisque c'est un débat extrêmement sérieux qui parle à l'intérêt général de l'État, de la sécurité des Français et de la sécurité des personnes. Mais bien sûr qu'il y a 4000 personnes par an que je pourrais expulser davantage, si la loi me l'autorisait. Voilà. Et moi, je vais vous dire, sur les plus de 3000 demandes d'expulsion que j'ai demandées, 2500 ont été expulsées en 2023. OK, la justice, et moi, je la respecte profondément, voilà, m'a refusé 500 cas sur 3000. Mais j'en ai expulsé 2500. Il y en a 4000 supplémentaires que je ne peux pas expulser parce que vous n'avez pas voté cette disposition à ce texte de loi. Bah, je pense que dans ces cas-là, il faudra qu'on en parle et qu'on en parle chacune à nos électeurs. Il me reste 12 inscrits. On commence par M. Thomas Rudigoz pour 2 minutes. Oui, merci M. le Président. M. le Ministre, l'intégration est un pilier fondamental pour faire nation et est une part très importante de ce projet de loi. Cela concerne bien évidemment l'apprentissage de la langue et le groupe Renaissance en fera un point crucial dans les débats. Je souhaiterais, Monsieur le Ministre, même si vous l'avez déjà beaucoup développé, que vous puissiez nous préciser un certain nombre de mesures sur ces questions d'apprentissage du français. Cela englobera également l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à tout ce qui permet de créer du commun. Et là aussi, la recherche d'un équilibre sera nécessaire et nous nous y employerons. Par ailleurs, le volet relatif au travail est évidemment essentiel. Il est primordial que nos politiques comblent les besoins du marché du travail, mais aussi valorisent les compétences des personnes qui sont sur nos territoires et qui ont envie de s'intégrer. Je ne compte plus le nombre d'entrepreneurs, artisans ou commerçants qui me font remonter, qui nous font remonter des situations incompréhensibles où des personnes étrangères sont empêchées de travailler pour des formalités administratives contraignantes sur des postes qu'ils n'arrivent pas à pourvoir par ailleurs. Encourager l'accès à l'emploi dans des secteurs en demande tout en garantissant des conditions équitables est une approche nécessaire et nous nous y employerons lors des débats. À ce titre, je souhaiterais, Monsieur le Ministre, attirer votre attention sur les délais en préfecture qui sont encore bien trop longs, surtout dans certaines préfectures avec de grandes métropoles comme Lyon et le Rhône. Et cela est bien trop long pour nombre de personnes concernées et enquistant ainsi un grand nombre de situations.
Quelles sont donc les mesures, monsieur le ministre, que vous envisagez de prendre pour réduire les délais dans les services concernés dans nos préfectures? Je vous remercie. Madame Edwige Diaz. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. Ce projet de loi fait éclater au grand jour la discorde qui règne au sein de la majorité macroniste. Tout d'abord, ce qui a attiré notre attention, ce sont les modifications calendaires de ce texte. Pour rappel, il a été annoncé à l'été 2022. Il a ensuite été remplacé par un débat sans vote en hémicycle en décembre 2022. Voyant que ça coinçait dans la majorité, le président de la République a envisagé en mars 2023 de le saucissonner en deux projets distincts, un sur l'immigration avec vous, monsieur le ministre, puis un sur le travail avec monsieur Dussopt, qui au passage a disparu des radars. Puis le président de la République s'est rétracté un mois plus tard. En ce qui vous concerne, monsieur le ministre, c'est sûr que lorsqu'on a un collègue, par ailleurs président de la commission des lois, qui annonce vouloir élargir les droits des étrangers extra-européens, notamment en leur octroyant le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et qui co-signe une tribune dans Libération avec l'extrême gauche pour soutenir la régularisation des clandestins, on se dit que dans vos réunions de la majorité, il doit y avoir de l'ambiance. Mais je crois que pire que cette instabilité de calendrier et ces petites peaux de banane que vous vous envoyez entre vous, ce qui est grave, c'est que vous n'êtes pas d'accord entre vous sur le fond du texte. Prenons un exemple, la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. En octobre, monsieur le ministre, vous vous êtes dit favorable à cette évolution. Depuis, vos collègues, les ministres Véran, Rousseau ainsi que Madame Borne, ont exprimé leur opposition à vos propos. Quant à Madame Firmin Lobodeau, ministre déléguée aux professions de santé, on ne sait pas trop ce qu'elle pense de tout ça. En bref, en ce qui vous concerne, monsieur le ministre, vous avez dû sortir les rames pour essayer d'expliquer pourquoi vous avez changé d'avis sur l'AME. On vous a ainsi vu arguer qu'une suppression de l'AME serait censurée par le Conseil constitutionnel. C'est quand même pas très sérieux quand on est ministre de l'Intérieur de se rendre compte de cela seulement maintenant. Ainsi, ma question est la suivante. Alors que près de trois quarts des Français souhaitent une transformation de l'AME en AMU, est-ce qu'ils peuvent nourrir l'espoir que vous retourniez encore votre veste sur ce sujet? Et si vous ne le faites pas, les 78% des Français qui ont une mauvaise opinion de la politique migratoire que votre gouvernement mène n'ont aucune raison de changer d'avis. Madame Diaz, la démocratie, c'est compliqué. Vous devriez peut-être essayer au Rassemblement national, ça vous changerait. Par ailleurs, défendre le texte du gouvernement dans une tribune... Défendre le texte du gouvernement dans une tribune, ça peut aussi vous changer. Vous devriez le lire plutôt que de raconter des choses erronées. Vous avez l'habitude, en tant que soutien inconditionnel de la Russie, d'avoir recours aux fausses informations. Monsieur Thomas Porte. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit dans Le Parisien, vous rêvez de supprimer l'AME, le Sénat l'a fait pour vous. Et contrairement à ce que vous avez dit en introduction, on ne vit pas de l'AME. Depuis 1893, l'aide médicale gratuite, qui était l'héritière de l'aide médicale d'État, résiste aux assauts démagogiques, xénophobes et racistes. Depuis 1893, elle subit des attaques à répétition, avec pour dernière en date la réforme de 2021 qui complique déjà le recours à l'aide médicale d'État. Les exilés, confrontés au stress du statut migratoire précaire, aux expériences traumatisantes et aux obstacles sociaux et institutionnels, doivent, au nom de nos valeurs humanistes, être une population prioritaire en matière de santé publique. Au lieu de cela, dans la France de l'égalité et de la fraternité, dans la France de 2023, dans la France que vous rêvez, vous nous proposez de supprimer l'AME, un dispositif élémentaire, garant du respect des droits de l'homme et des principes éthiques en matière de santé. L'AME repose sur les fondements essentiels. Elle a été instaurée il y a 130 ans pour des enjeux de santé publique. Des milliers de soignants et de médecins vous ont rappelé à l'ordre dans une tribune. Vous manipulez les Français avec de faux arguments économiques. Vous agitez les peurs, vous alimentez les haines. L'agitation du mythe de l'appel d'air est une diversion cynique. Comme si un exilé prenait le temps de lire le code de l'action sociale et des familles françaises avant d'embarquer sur un bateau de fortune. L'AME, c'est 0,4% des dépenses d'assurance maladie sur un total de 242 milliards d'euros. Il y a les grandes phrases et il y a la réalité. Curieusement, vous n'évoquez jamais un budget largement sous-utilisé, représentant seulement 0,04% des dépenses de santé. Plutôt que de vous attaquer aux délinquants financiers, vous préférez priver délibérément toute une population d'accès aux soins, prenant le risque conscient de propager des maladies transmissibles. Un chiffre, en 2018, les prétendues fraudes à l'AME représentent 38 cas pour un montant équivalent à 500 000 euros, soit 0,06% des dépenses de l'assurance maladie. C'est 200 000 fois moins que les 100 milliards d'euros d'évasion fiscale. Pourtant, monsieur le ministre, je ne vous ai jamais entendu prétendre supprimer l'évasion fiscale. Fort avec les faibles, faible avec les puissants, allez-vous laisser votre nom dans l'histoire comme celui qui mettra fin à 130 ans de solidarité? Monsieur Éric Poget. Oui, merci, Président. Monsieur le ministre, je voudrais vous interroger de manière précise sur deux questions en particulier. En ce qui concerne l'AME,
au Sénat, vous avez émis un avis de sagesse pour le transformer en aide médicale d'urgence. Or, lorsque l'on regarde vos différentes interventions médiatiques, on s'interroge et votre avis a l'air plus nuancé à l'aune du texte qui arrive à l'Assemblée nationale. Pourriez-vous nous préciser si vous êtes toujours favorable à la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, qui a obtenu votre avis de sagesse au Sénat et qui respecterait le cadre européen en nous mettant au niveau des autres pays européens? Le deuxième sujet qui n'a rien à voir avec celui de l'AME concerne les OQTF. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la future inscription des étrangers sous OQTF dans le fichier des personnes recherchées. J'avais moi-même déposé des amendements au printemps dernier pour aboutir sur ce thème-là. Ça n'a pas pu être possible. Je voulais savoir si vous êtes toujours favorable à l'inscription des personnes étrangères sous OQTF dans le FPR, ce qui serait un outil supplémentaire pour nos policiers, et savoir si, à l'aune de ce texte, on pouvait avancer sur ce sujet. Je vous remercie. Madame Marietta Caramoli. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Trois interrogation suite à cette première partie de réponse. D'abord, sur l'article 1, nouveau, qui pose comme principe que la première délivrance d'une carte de séjour pour temporaire portant la mention étudiant, qui est mentionnée à l'article 422.1, est subordonnée au dépôt d'une caution par l'étranger. Quel est le montant estimé a priori par ou juste ou raisonnable de cette caution par vos services et quel en sera le mode de calcul? Sera-t-il apprécié au regard du coût de la vie en France ou au regard d'autres éléments comme le coût de formation ou l'existence même de bourses ou d'aides? L'article 12, vous avez évoqué tout à l'heure dans vos réponses, initialement on prévoit d'interdire le placement en centre de rétention, donc de moins de 16 ans. Il entend aussi compléter les dispositions du CCEDA en modifiant l'article 741. Et donc la France a été condamnée à 9 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme sur le fondement de l'article 3 de la Convention et la Convention internationale des droits de l'homme. Confère une protection à toutes les personnes de moins de 18 ans, sans distinction. Donc, je voulais bien que je vous entendre confirmer, est-ce que vous êtes ouvert à cette possibilité de prévoir l'âge à 18 ans? Ça aurait été donc une proposition d'amendement. Et l'article 20, pour terminer, qui prévoit que le jugement à juge unique devant la CNDA devient la règle de droit commun, et en précisant que justement la décision de la Cour nationale du droit d'asile sont rendues sauf exception par le président de la formation, justement, du jugement statuant seul. Donc, vous comprenez qu'en réduisant, justement, les jugements en formation collégiale, le gouvernement exclut, de fait, le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés, donc de la formation de jugement, et que seul, souvent, connaît la situation géopolitique, justement, du pays d'origine. Donc, a priori, donc, la volonté du gouvernement n'est pas d'améliorer le traitement du contentieux. Donc, Merci. Pouvez-vous nous préciser votre raisonnement sur cette évolution? Merci. Monsieur Castellani. Merci, Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous savons tous que nous sommes face à un problème complexe, complexe parce qu'il hérite d'une longue histoire et d'une accumulation de situations passées, complexe aussi parce qu'il engage l'avenir, et la démographie nous enseigne que la pression migratoire ne pourra que croître avec le temps. Nous pensons que nous avons respecté deux impératifs, d'humanisme et de réalisme. D'humanisme, en n'oubliant jamais que nous traitons du destin d'êtres humains qui portent avec eux leurs devoirs, certes, mais également leurs droits, y compris d'ailleurs le droit à la santé. De réalisme aussi face à la vie économique, avec le besoin des entreprises et des secteurs tendus, face à la vie sociale et des conditions de vie, de travail, de logement qui sont quelquefois inhumaines. Face aussi à la nécessité d'intégrer et donc de maîtriser la langue. Face enfin à l'impératif de sécurité et de respect de l'ordre public, qui va d'ailleurs bien plus loin que la réalité migratoire. En face à ces difficultés, moi, je ne poserai pas de questions. On vous en a déjà posé beaucoup. J'aimerais simplement dire que pour nous, la solution, c'est le respect de la loi en toutes circonstances, mais d'une loi dont l'élaboration devrait être dictée par le respect de ces deux principes. En tout cas, c'est ce que nous défendrons, nous, à travers nos amendements. Merci. Madame Stella Dupont. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je reste pour ma part interpellée, si ce n'est interloquée, par la teneur du texte voté par le Sénat et les marqueurs d'extrême droite qui sont nombreux. Et
En tant que membre de la commission des finances et non pas membre de la commission des lois, je compte sur la sagesse de votre commission pour corriger tout ce qui mérite de l'être. Pour ma part, je suis très attachée à la réintroduction d'un titre de séjour travail métier en tension de plein droit à l'initiative des salariés et sans décision discrétionnaire du préfet qui alourdit aussi son quotidien, ne l'oublions pas. Je suis aussi très attachée à l'anticipation de l'accès au travail des demandeurs d'asile de façon générale et plus particulièrement sur les demandeurs d'asile de nationalité fortement protégée dans une logique d'accélération de leur intégration. De ci, de là, puisque je fais ce travail fin des 96 articles sortis du Sénat, je note quelques mesures intéressantes, comme le fait de passer par une expérimentation de la nouvelle organisation de France Asile afin de mesurer et d'évaluer l'efficacité d'un tel dispositif avant son déploiement. Et c'est en tant que rapporteur spécial de la Commission des finances sur ce sujet, de la mission immigration, asile, intégration, que je m'exprime, d'autant plus qu'il me semble plus urgent de renforcer le maillage territorial de l'OFI, qui est limité dans un certain nombre de régions, dont les plus grandes. La proximité n'est tout de même pas évidente par rapport aux services de l'OFI, donc je pense qu'il faudrait plutôt accentuer et prioriser les moyens sur ce déploiement. Et enfin, monsieur le ministre, vous avez évoqué la réforme des préfectures sur ce sujet de la délivrance des titres, et j'aimerais avoir votre éclairage sur les moyens consacrés en préfecture justement à cette délivrance, puisque j'ai constaté que l'action 2 de la mission administration territoriale de l'État voit ses crédits diminuer en 2024. Merci. Alors même qu'on aura une activité plus dense. Merci. Donc j'aimerais avoir... Monsieur Henri Cabrat. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, tous les jours, entre 10h et midi, votre compte Twitter s'active. Vous y publiez une liste d'expulsions réalisées par vos services. Vous y faites du name and shame, nommé et... et couvrir de honte, avec des motifs de plus en plus flous. Votre fil devient un mur de la honte où sont montrés du doigt les étrangers. Des anonymes que vous montrez comme des trophées de chasse. À quoi servent ces publications, monsieur le ministre? Plutôt que d'essayer de mettre en valeur vos résultats en matière d'expulsion, qui ne convainc personne, pourquoi ne pas visibiliser la violence aveugle du patriarcat dont sont victimes les femmes, en donnant des visages aux féminicides qui endeuillent chaque jour notre pays? Au lieu de jouer les gros bras sur la dalle de l'Argenteuil à vouloir nettoyer la France au Karcher comme votre mentor, vous faites des pavés sur Twitter. Vous voulez vous démontrer que vous êtes ferme. Vous attisez surtout la haine des racistes en les nourrissant de faits divers. Avons-nous un ministre de la République face à nous ou un chroniqueur CNews? Vous cherchez tellement à occuper l'espace médiatique que vous révélez de plus en plus votre incompétence. Vous avez expulsé un homme comme un délinquant alors qu'il était la victime d'un vol à l'arraché, qui plus un conjoint de Français. Une autre fois, un enfant français envoyé dans les Comores sur un délit de faciès. Une autre fois, un homme expulsé a dû être rapatrié en France parce que vous n'aviez pas daigné attendre son recours et que la justice vous a donné tort. Quand allez-vous respecter et faire respecter le droit plutôt que de draguer la droite? Je crois que ça soit chez LR et chez leurs électeurs, ils ont déjà repoussé vos avances assez lourdes. Monsieur le ministre, il est temps d'arrêter les frais. Vous allez lancer cette 30e loi sécuritaire sur l'immigration. Et vous la lancez avec une série de tweets en bande-annonce pour exciter une pensée de droite. Vous reprenez des rhétoriques qu'on retrouve chez M. Ciotti, chez Mme Le Pen, chez M. Zemmour, et vous alimentez les lubies xénophobes. Et nous ne pouvons que constater l'échec de ce choix au travers des ans. L'immigration est traitée comme une source de délinquance, alors que c'est avant tout un phénomène aussi vieux que l'humanité, et elle connaît une crise d'accueil et de solidarité. Cessons d'instrumentaliser, faire une instrumentalisation permanente de ce sujet à des fins populistes. Monsieur Mansour Kamardine. Merci, monsieur le Président, monsieur le ministre, chers collègues. Si nous sommes nombreux ce soir, c'est parce que nous considérons que le sujet d'immigration est un sujet très sérieux. Quand sur le territoire hexagonal, il plastronne à 10%, tout le monde a peur. À Mayotte, on est au-dessus de 60% sur un territoire de 374 km² avec plus de 450 000 habitants, population réelle, 290 000, monsieur le ministre, dossiers en cours d'instruction, des gens qui demandent toujours à venir à Mayotte, plus de 100 000 titres de séjour qu'on a enfermés sur une cocotte minute, plus de 80% de nos écoles peuplées d'enfants de parents d'origine étrangère quand elles ne sont pas immigrées. Plus de 200 000 gamins en face, à 70 km de là, qui attendent d'aller à l'école à Mayotte, des financements que l'État n'arrive plus à suivre,
11 000 naissances tous les ans à Mayotte, dont 75 % des gamins des parents d'origine étrangère. Bref, voilà la situation. Et donc cette situation-là, oui, monsieur le rapporteur, oui, monsieur le ministre, ne peut pas être traitée comme on traite la question migratoire à Paris ou je ne sais dans quelle région de l'Hexagone. Nous avons besoin ici des mesures spécifiques, des mesures fortes qui permettent effectivement d'endiguer et de permettre aux Mahorais de ne plus fuir leur territoire, mais de pouvoir revenir sur leur territoire et y vivre. Ces mesures, nous allons faire un certain nombre de propositions, mais d'ores et déjà, je voudrais les soumettre à votre sagacité. Un principe selon lequel il n'y aura pas de régularisation quand on vient de manière clandestine à Mayotte, quelle que soit la durée qu'on fera, on ne fera pas de régularisation. On peut aller à Paris demander la régularisation, mais à Mayotte, il n'y aura pas de régularisation. Et je le dis d'autant plus à l'aise que lorsque je demande aux collègues qui sont là de venir, de laisser les gens venir ici, tout le monde, quels que soient les bains, ils votent contre. Mais tout le monde a le main sur le cœur. Donc nous aussi, on a le main sur le cœur, on dit, mais on ne peut pas. C'est, je dirais, enfin, monsieur le Président, j'aurais fini. Ah, c'est fini. Oui, que la CDH, monsieur le Président, la CDH, quand la France était. La CDH, quand la France y adhérait, il a fait des réserves s'agissant de Mayotte. J'aurais souhaité que d'ici là, vous puissiez nous. Madame Untermeyer. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Ministre, pour cette présentation. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est concernant la dignité de l'accueil des étrangers. Nous avons tous connu les files devant les préfectures. Celles-ci ont disparu. Mais en tant que parlementaires, nous recevons dans nos permanences des étrangers qui sont dans l'incapacité d'avoir l'accès aux droits. Et je souhaiterais savoir si on ne peut pas, dans ce texte-là, apporter des garanties d'accès aux droits aux étrangers qu'ils demandent sur le territoire. Alors peut-être serait-ce dans l'amélioration que vous envisagez des préfectures, mais peut-être faudrait-il le préciser dans la loi. La deuxième question, c'est sur la CNDA. Je comprends bien l'objectif de la réforme de la CNDA qui s'inscrit dans cette recherche de raccourcissement des délais d'instruction des dossiers. Beaucoup de spécialistes s'inquiètent de cette réforme. Il y aura sans doute des tribunes qui vont paraître à ce sujet. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt prévoir un moratoire par rapport à la CNDA, puisqu'elle ne fonctionne pas si mal? Elle juge plus de dossiers que de personnes qui rentrent sur le territoire. Elle juge plus de dossiers que ceux qui lui sont soumis chaque année. Donc, il n'y a pas d'embolisation de la CNDA. Et je ne suis pas sûre que la fin de la collégialité puisse apporter des garanties par rapport à l'examen de dossiers qui sont extrêmement complexes et sur lesquels il faut mesurer aussi le caractère, pourquoi pas, dangereux d'un certain nombre d'étrangers qui voudraient entrer sur le territoire de la France. Donc, rejoignant aussi les préoccupations qui sont les vôtres, je ne suis pas sûre que le recours au juge unique soit la solution qui garantit, en fait, la meilleure analyse. Et puis, vous savez, il y a une question quand même entourant la CNDA, c'est la question de la formation insuffisante des juges de l'asile et la question du cadre déontologique applicable au président et assesseur vacataire. Et je pense que tout cela mériterait une analyse peut-être un peu plus précise. Madame Estelle Youssoufa. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, je veux commencer par saluer le travail des forces de l'ordre et des enquêteurs qui ont procédé à un vaste coup de filet à Nîmes et arrêté les auteurs présumés du meurtre de Fayed, un petit Mahorais de 10 ans tué par le narcotrafic. Je veux aussi vous alerter sur la vague de violence qui sème à nouveau la terreur à Mayotte depuis plusieurs semaines, à Sada, à Bandrabois, à Mamoudzou, à Ouangani, des bandes de barbares qui pillent, vandalisent, incendient, agressent et sèment la mort nuit et jour. Pour nous, à Mayotte, les enjeux migratoires sont un sujet de sécurité, mais ils provoquent surtout une crise hors du commun, la plus grave que connaît notre pays. Plus de la moitié de la population est étrangère, en grande partie en situation irrégulière. Notre territoire implose. Les services publics sont saturés. Notre seul hôpital sert d'abord les étrangers qui arrivent en grande détresse. Point d'AME à Mayotte et nous attendons là-dessus, puisque la dépense pour la santé des étrangers se fait actuellement aux dépens de la santé des Mahorais. Mayotte, territoire le plus pauvre de France, accueille le plus d'étrangers et nous n'en pouvons plus. La modification de l'acquisition de la nationalité portée par le sénateur Tanier il y a plusieurs années est passée sans aucune modification de la Constitution.
Mayotte ne peut plus entendre ce faux argument pour défendre l'inertie, comme nous n'acceptons plus le refus de mettre fin aux visas territorialisés qui fixent les étrangers à Mayotte et transforment notre île en cocotte-minute. L'argument de l'appel d'air ne tient pas puisque Mayotte implose déjà sous la pression migratoire et nous avons surtout besoin de la solidarité nationale pour faire face. Ma question, Monsieur le Ministre, quelles mesures avez-vous prévues pour Mayotte dans votre texte ? Je vous remercie. Monsieur Jean-François Coulomb. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, la France insoumise se place ici aujourd'hui en porte-voix des agents de l'Office français des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, qui ont été en grève, grève à laquelle se sont joints des agents de la CNDA, Cour nationale du droit d'asile. Ils ont été en grève et le seront de nouveau prochainement afin d'alerter sur leurs conditions de travail désastreuses qu'aggrave votre projet de loi, mais aussi et surtout pour demander le retrait de son chapitre 4 et dénoncer votre politique du chiffre. Cette politique du chiffre que vous aimez tant, au détriment des salariés, des demandeurs d'asile, des droits humains et du bon sens. Une politique du chiffre de plus en plus poussée, avec des procédures de plus en plus complexes, des délais de plus en plus courts, avec comme maître mot la régulation et les économies. Mais venons-en au fond. Pour l'OFPRA, est-ce afin d'accompagner au mieux et au plus près les demandeurs que vous voulez créer des pôles France-Asile et territorialiser l'OFPRA ? La réalité, monsieur Darmanin, c'est qu'en soumettant l'OFPRA à la tutelle politique et administrative des préfets, vous mettriez fin à son indépendance. Pour la CNDA, vous voulez territorialiser la Cour, supprimer la collégialité et supprimer la présence du Haut Commissariat aux réfugiés. La réalité est que vous renversez un principe fondamental et que cette proposition met en danger réel l'équité et l'impartialité dans l'examen des recours. Tous ces constats ne sont pas les nôtres, monsieur le ministre de l'Intérieur, mais ceux de plus de 200 professionnels travaillant à la CNDA, de grévistes, de représentants des avocats, de très nombreuses associations humanitaires. Face à cela, ma question, qui est aussi celle des agents de l'OFPRA et de la CNDA, des grévistes et associations en soutien, est la suivante. Monsieur Darmanin, pourquoi voulez-vous mettre fin à l'indépendance et à l'impartialité de l'OFPRA et de la CNDA ? Que répondez-vous à ces agents ? Monsieur Fabien Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, deux questions en ce qui me concerne. La première, sur les délais administratifs de traitement des demandes. Vous avez évoqué l'embolie des juridictions. On constate, tout autant qu'on est dans nos préfectures, des délais qui sont très, très longs. Vous avez parlé de la priorité aux primo-demandeurs. Est-ce que dans les services des étrangers, il y a aujourd'hui les capacités nécessaires pour absorber ces flux de demandes ? Parce que, eh bien, comme vous l'avez dit, plus longtemps on se maintient en attente d'une réponse sur le territoire et plus l'expulsion devient impossible. La deuxième question, je compléterai une question sur l'aide médicale d'État qui vise à prendre en charge les besoins médicaux des clandestins et les restrictions que les Républicains ont voulu y apposer en la transformant en aide médicale d'urgence. On est loin des caricatures faites par la gauche. Il ne s'agit pas de ne plus soigner les gens qui porteraient des maladies graves ou qui porteraient des maladies très contagieuses. Je vous rappelle, et c'est écrit sur le site de l'assurance maladie encore, que l'aide médicale d'État prend en charge au bout de 9 mois pour les personnes qui ont violé nos lois présentes illégalement en France, le recollement des oreilles, les prothèses d'épaule ou de genoux, la pose d'anneaux gastriques et le traitement du canal carpien. Donc sur ces sujets-là, je pense qu'on peut évoluer. Le contribuable français ne comprend plus qu'il a à prendre en charge de tels types de frais de santé pour des personnes qui ont violé nos lois. C'est ça l'objet de notre demande et je voulais avoir votre position par rapport à cet état de fait. Monsieur Arthur Delaporte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, bon, tout à l'heure, vous avez, d'une certaine manière, dit « la gauche, on n'entend pas vos propositions ». Mais je crois qu'on a été extrêmement clair, déjà, dans ce qu'on a pu dire. Et par ailleurs, je vous renvoie au projet du Parti Socialiste sur le sujet. On vous le renverra par mail, si vous le souhaitez, pour avoir un peu de lecture. Et je vous assure que la vision n'est pas du tout celle que vous présentez aujourd'hui. Et je vais reprendre un peu ce que disait ma collègue Elsa Fossillon tout à l'heure. Il y a ce qu'il y a dans la loi, et il y a des horreurs, encore plus après le Sénat. Il y a surtout ce qui n'y est pas. Et nous, notre rôle, c'est de faire le droit, mais aussi de lutter contre le non-droit. Je vais prendre deux exemples sur lesquels j'aimerais avoir un retour de votre part. Le premier, c'est ce qui se passe à la frontière, en particulier à la frontière franco-italienne,
avec ce qu'on appelle les locaux de mise à l'abri. Monsieur le ministre, ces locaux ne sont pas définis dans le droit, ils sont absents également de ce texte, et il s'avère qu'on constate dans ces lieux des conditions qui s'apparentent à de la privation de liberté, sans pour autant qu'il y ait un accueil digne des personnes qui y sont, ni qu'elles aient accès à l'exercice de leurs droits fondamentaux. Ça, c'est le premier point, monsieur le ministre, et donc je souhaiterais avoir votre réaction sur ce point. Deuxième sujet, je vais prendre le département du Calvados. Il y a deux campements importants. Le premier à Caen, avec une centaine d'Afghans. Le deuxième à Ouistreham, avec à peu près 200 Soudanais. Ces deux pays sont des pays en guerre. Une bonne partie des personnes, notamment à Ouistreham, la majorité d'entre eux ont fait une demande d'asile. Pour autant, ces personnes restent dans des camps, n'ont pas accès à l'hébergement d'urgence. Il y a un problème d'accès aux droits aujourd'hui pour les demandeurs d'asile. Monsieur le ministre, je ne vois pas ça dans le texte et j'attends votre réponse sur ce point également. Je vous remercie. Dernier orateur inscrit, monsieur Jordan Guiton. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, ma question sera simple et portera sur les chiffres de l'immigration et de l'avenir de votre action. Selon les données de votre ministère, en 2022, plus de 320 000 premiers titres de séjour ont été délivrés. Plus de 160 000 personnes ont demandé l'asile en 2022. Et selon vos propres mots, lors de l'audition au Sénat, vous estimez entre 600 000 et 900 000 le nombre de personnes présentes irrégulièrement sur le territoire national appelées clandestins. Vous qui parlez, je cite, plusieurs fois de fermeté à propos de votre texte dans la presse en audition et qui évoquez un texte d'intérêt général. Sachant qu'en 2022, donc, nous avons accueilli un peu moins de 500 000 personnes dans notre pays et que vous estimez qu'il y a entre 600 000 et 900 000 clandestins. Envisagez-vous, si votre texte est adopté, une baisse réelle de l'immigration légale, exclure plus de clandestins que vous n'allez en régulariser? Je vous rappelle que nos compatriotes sont en droit de savoir, alors que selon plusieurs sondages, ils souhaitent une diminution considérable à plus de 71% des flux de l'immigration sur le territoire national et qu'ils souhaitent aussi un référendum sur l'immigration que votre majorité a refusé. Pouvez-vous aussi nous assurer que l'exécution des taux des OQTF va enfin augmenter si votre texte est adopté? Et allez-vous, avec cette loi, exclure les 4000 personnes étrangères suivies pour radicalisation? Pouvez-vous donc enfin nous assurer que les flux migratoires légaux et illégaux vont enfin baisser, comme le réclament nos compatriotes, ou allez-vous faire malheureusement l'inverse? Je vous demande de répondre à mes questions qui sont d'intérêt national lorsqu'on connaît les conséquences néfastes de l'immigration pour notre pays que nous dénonçons depuis des années. Je vous remercie. Monsieur le ministre, pour vos réponses à tous les orateurs. Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Merci aux orateurs. Peut-être répondre à monsieur Rudy Gauze, mais ça correspond à d'autres questions, notamment celle posée par monsieur Di Filippo ou madame Dupont sur le fonctionnement des préfectures. Je veux redire une nouvelle fois que j'ai parfaitement conscience du mauvais service public rendu à nos concitoyens qui ont envie d'accompagner des personnes qui veulent être régularisées ou qui vont renouveler leur titre de séjour, ou par des personnes étrangères qui voudraient accéder en effet à leur droit. Je profite pour dire à madame Entenhammer que si elle veut préciser dans le texte de loi la façon dont on accède au droit, il est évident que j'y donnerai un avis favorable pour pouvoir, bien sûr, permettre à chacune et à chacun de faire valoir ses droits devant les services publics, dans des conditions pas faciles, où on parle mal français, parfois pas du tout, dans des conditions évidemment parfois d'illettrisme, dans des conditions évidemment de violence qu'on a subies. Donc je pense qu'il y a bien une explicitation de ces droits. C'est bien naturel, c'est pas du tout évidemment opposé au fait qu'on puisse être par ailleurs ferme, puisque évidemment on rentre dans des cases prévues par le législateur et qu'il faut évidemment que le non-recours à son droit ne puisse pas exister dans la République française. Donc je voudrais ici le dire pour précéder un éventuel dépôt d'amendement. En dire donc à M. Rudicoz, à Mme Stella Dupont et à M. Di Filippo que le sujet, c'est à la fois la numérisation de ce qu'on appelle le back-office, puisque vous avez vu qu'il y a l'ANEF. Donc l'ANEF, c'est quoi? C'est la numérisation des procédures pour les étrangers. Si j'étais rapide, je dirais l'impôt à la source appliqué aux préfectures, puisque tout était en papier quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, avec des conditions extrêmement difficiles, avec des étrangers qui changent de préfecture, et donc évidemment des difficultés à suivre cela. Et ça, c'est le travail évidemment que doivent faire notamment les services, puisqu'en 2025, nous aurons terminé l'ANEF. En 2024, c'est pour répondre en partie au crédit qu'évoquait Madame Dupont, on a 60% des procédures dématérialisées au 1er janvier 2024. Donc on peut imaginer quand même
qu'on y fasse quelques économies. Je veux dire, Mme Dupont, qu'il y a une augmentation d'effectifs de 400 personnes dans les préfectures que vous avez votées dans la LOPMI. Je vous en remercie. Mais par ailleurs, il est aussi vrai qu'on a 20% de vacataires. Donc on embauche plus de vacataires dans les préfectures. Aussi parce qu'il y a un manque d'attractivité de certains métiers. Et par ailleurs, qu'il fallait assez vite répondre à un besoin criant que vous avez vous-même évoqué. Donc le coût d'un vacataire n'est évidemment pas le même que le coût d'un fonctionnaire. Mais ça s'équilibrera dans l'LPFP que vous avez dû voir pour 25 et pour 26. Voilà comment on arrive à 8% de moins de crédit. Mais je pourrais vous expliciter ça davantage si vous le souhaitez. Je veux dire à M. Rodigoz, donc à M. Di Filippo et à Mme Dupont, que l'idée, c'est donc utiliser vraiment la numérisation des procédures désormais des étrangers pour le back-office, permettre, comme je l'ai dit, la présence des effectifs, et notamment des effectifs nouveaux, soit ceux qui s'occupaient du renouvellement de titres, soit ceux qu'on va affecter désormais, puisqu'on a mis plus de monde dans les préfectures, chez les primo-demandes. Une fois qu'on sait que cette personne n'a pas de casier judiciaire, qu'elle a réussi son examen de français et qu'elle a des états civils qui sont non frauduleux, bah, une fois qu'on a donné un titre pluriannuel, de permettre l'automaticité. Parce qu'aujourd'hui, de mémoire, je crois qu'on est à 100 000 titres renouvelables qui seraient concernés en flux, et c'est à peu près 400 000 en stock. Donc c'est vraiment énorme, et notamment très concentré dans les grandes régions évidemment urbaines. Et dans les départements ruraux, ils ont la double peine, puisque évidemment, il y a eu de moins en moins d'effectifs dans les préfectures ou dans les grosses sous-préfectures qui s'occupaient d'étrangers, notamment dans la ruralité. Et donc, vraiment, je veux dire, c'est la révolution copernicienne qu'on va imposer aux préfectures, de s'occuper des primo et de rendre automatique les titres de séjour pour lesquels la République a déjà, si j'ose dire, délibéré. Ça veut dire qu'il y a quand même un appel pour le préfet, un système informatique qui fait que quand quelqu'un est arrêté par les services de police ou de gendarmerie ou qu'on est par la justice, ça remonte au préfet qui, donc, du coup, peut empêcher l'automaticité du titre. Ou retirer le titre de séjour, notamment sur l'article 13 qu'on a évoqué tout à l'heure, mais l'idée de tous ceux qui ne posent aucun problème de pouvoir avoir leur renouvellement. Je le dis d'autant plus que, encore une fois, nous mettons nous-mêmes dans l'irrégularité des personnes parce qu'ils n'ont pas à temps leur rendez-vous en préfecture. Ça, c'est un problème quand même important. Ce n'est pas de la faute de l'étranger, c'est de la faute de l'État français. Et deuxièmement, on a fait des expériences, notamment avec quelques publics très choisis, je pense au Chibani, c'est-à-dire ces citoyens algériens qui ont combattu notamment dans l'armée française, mais qui n'ont pas choisi la nationalité française tout en restant sur notre sol, des gens qui ont entre désormais 70, 80, 90, parfois 100 ans, qui ont forcé, il y en a beaucoup dans mon département, à aller faire de renouvellement de titres en préfecture du Nord, alors que non seulement ils étaient anciens combattants, parfois décorés par votre pays, ils avaient choisi de rester algériens, c'est leur droit le plus strict. Évidemment, on n'avait pas les embêter à 80 ans de savoir si on devait remettre un titre de séjour. C'est pourtant ce qu'on fait et ce qu'on a fait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, évidemment, on va généraliser cela. Plus de moyens, numérisation, concentration sur les primo arrivants, automaticité, alerte en cas de problème de casier judiciaire. Je pense que c'est une transformation très importante. Moi, je veux redire ici mes remerciements profonds aux agents des préfectures qui, souvent, dans des difficultés administratives et parfois avec un public compliqué, c'est bien normal parce qu'ils cherchent à avoir leurs droits, restent toujours, je crois, très, très, très calmes et très professionnels. Et je veux dire à leurs représentants que je pense que cette loi va les servir, bien évidemment. Et je suis prêt, j'ai dit au président de la Commission des lois, de présenter devant la Commission des lois le détail de cette réforme des préfectures lorsqu'il le souhaitera avec les directeurs concernés. Vous m'avez posé plusieurs questions autour de l'AME. Alors, on va essayer de redire sur un sujet compliqué, mais il y a moins de monde, donc peut-être qu'il sera désormais moins polémique, sur quelle est ma position personnelle, puisque je me suis exprimé et que j'ai le droit d'en avoir une, bien évidemment. L'aide médicale d'État n'était pas dans le texte que j'ai proposé au gouvernement, ni au Conseil d'État, ni à la table du Conseil des ministres, ni au Sénat. Bon, donc il n'y avait pas de disposition santé dans ce texte. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu me concentrer sur des dispositions qui sont déjà extrêmement compliquées, qui sont les dispositions du Code des étrangers. Et l'aide médicale d'État, j'étais 3 ans ministre des Comptes publics, on en parlait chaque année dans un débat budgétaire, puisque c'est un débat qui relève du budget ou du Code de la santé publique, pas d'un débat qui relève du droit des étrangers. Bien. C'est d'ailleurs une question intéressante, puisque Mme Youssoufa, ça peut paraître paradoxal, mais elle réclame à Mayotte l'AME. Elle ne réclame pas à Mayotte l'AME parce qu'elle est pour plus étrangers à l'hôpital de Mayotte. Et je pense que c'est la même chose pour le député Camardine. Elle réclame l'AME pour qu'on puisse tracer les dépenses des étrangers irréguliers à Mayotte. J'imagine que les députés mahorais ont l'idée, par ailleurs, du coup, de pouvoir chiffrer le nombre exactement
d'étrangers qui sont à Mayotte, puisque, bon, voilà, Monsieur Camardine, je ne renie pas ces chiffres, mais entre 30% de Monsieur Servat et 60% de Monsieur Camardine, je pense que la vérité, à mon avis, est entre les deux. Mais enfin, c'est beaucoup d'étrangers en situation irrégulière qu'il y a à Mayotte. Personne ne le conteste, je crois, sérieusement. Et prévoit que c'est une compensation budgétaire, donc de l'État, à la Sécurité sociale, de voir que les étrangers qui ne payent pas de cotisations, les étrangers irréguliers, puissent être quand même soignés par des médecins qui les soigneront quoi qu'il arrive. Donc d'abord, l'AME, c'est avant tout une question budgétaire. C'est qui paye? Puisque à la fin des fins, les gens sont soignés. Est-ce que c'est l'État qui compense la Sécu ou est-ce que c'est la Sécu? Voilà. Et notamment à Mayotte, la question est que c'est la Sécu et c'est donc la difficulté pour l'hôpital qui est à Mayotte de vivre, de pouvoir fonctionner ainsi. Donc l'AME, c'est avant tout un traçage budgétaire. Et au moins, l'avantage de l'AME, c'est de savoir à quoi ça correspond. Mon avis, c'est que dans ce texte de loi, il ne doit pas y avoir l'AME. Je l'ai dit depuis le début, et ça n'a rien de contradictoire. Vous lisez sans doute très mal, ou alors peut-être que je m'exprime extrêmement mal, ce qui est une possibilité aussi. Balayons notre chemin. J'ai dit qu'à titre personnel, on pouvait se poser des questions sur l'AME. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les dispositions qui consistent à dire que l'AME doit être changée au nom de son panier de soins. Je pense que c'est un débat interminable et que les médecins, quoi qu'il arrive, soigneront et que par ailleurs, il y aura de l'embolie dans l'hôpital public. En revanche, moi, je pense qu'il y a un sujet, on verra ce que dira M. Stéphanini et M. Évin, il y a un rapport commandé par la Première ministre. Il y a un sujet sur le fait que l'AME, certes, c'est 25% d'enfants, donc il faut faire attention à ce que l'on fait, mais c'est aussi 75% de personnes qui sont là depuis plus de 3 ans sur le territoire national. Et j'attire l'attention des parlementaires, qu'ils soient pour ou contre l'AME transformée en AMU, l'AME tout court, ou la suppression de l'AME, ou la progression générale de l'AME, sur le fait que quand vous êtes un étranger en situation irrégulière qui arrive en France, un demandeur d'asile qui n'a pas encore demandé son asile, par exemple, il n'a pas le droit à l'AME dans les 3 premiers mois de sa présence sur le territoire national. Donc ça veut dire qu'on peut se poser quand même la question de l'AME. Est-ce que l'AME d'aujourd'hui fonctionne bien? C'est une question très, très intéressante, parce que dans les 3 mois qui suivent sa présence sur le territoire national, il ne peut pas être donc du coup couvert par sa vaccination, par la parturiente qui a une femme enceinte et qui va donc accoucher. Bon. Et puis par ailleurs, il peut avoir au bout de 9 mois de présence irrégulière, l'intégralité du panier, notamment de la consultation à 100% chez le généraliste. Et là, avant 9 mois, c'est aussi un problème, parce que c'est pendant cette période-là où normalement on devrait être attentif lors de sa présence sur le territoire national, en attendant de lui donner ou pas un titre de séjour. Et c'est pour ça que le projet de loi me paraît assez cohérent. Le but du jeu du projet de loi, si je veux dire, c'est d'accélérer les procédures, qu'on dise oui, qu'on dise non. Pendant cette période d'accélération qu'on couvre la santé des personnes, ça me paraît évident. La question qui se pose, et qui devrait tous nous interpeller, c'est pourquoi 75% des gens qui sont à l'AME sont là depuis plus de 3 ans sur le territoire national. C'est bien qu'il y a un sujet de personnes qui restent sur le territoire national, malgré le fait qu'on leur a dit non. Puisque 3 ans, c'est quand même la fourchette haute, me semble-t-il, des décisions de justice. Donc ma position personnelle, c'est qu'il y a des questions qui se posent sur l'AME. Comme toute politique publique, je crois qu'elle mérite d'être questionnée. Qu'on soit d'ailleurs pour l'extension de l'AME ou qu'on soit pour sa transformation, c'est pas grave d'en parler. Voilà. Deuxièmement, pas dans ce texte-là, parce que dès le début, j'avais limité au code des étrangers. Donc c'est un cavalier législatif évident. D'ailleurs, le Sénat le sait pertinemment. Le gouvernement ne nie pas qu'il y ait des questions qui se posent. Madame la Première ministre a commandé un rapport qui sera rendu le 4 décembre. Et on ne cache rien puisque ce sera rendu avant le débat au sein de l'hémicycle. Donc si vraiment on avait voulu calculer, on aurait demandé à M. Évin, M. Stéphanini, deux personnalités, je crois, incontestables dans la question de la santé et de la question de l'étranger, de le rendre après le débat parlementaire. On ne l'a pas fait. Donc on n'a rien à cacher sur ce point. Et il faudra peut-être tirer des conséquences sur l'AME. Alors, il y a des questions de gens qui posent la question du panier de soins. Il y a des gens qui posent la question, évidemment, comme moi, plutôt du statut des personnes. Mais je ne pense pas qu'il faille le mettre dans le projet de loi, parce que, par ailleurs, on sait tous qu'il sera censuré par le Conseil constitutionnel. C'est un cavalier évident. Voilà. Et tout le monde le sait, y compris, je le sais, le Sénat. Donc, à titre personnel, je suis pour réfléchir, voire pour modifier l'AME, pas le panier de soins. Et je pense qu'il faut regarder la question de la présence des gens qui sont durablement sur le territoire national, alors qu'on leur a dit non, qui est la conséquence du fait que la procédure soit trop longue et qui est donc, à mon avis, la raison pour laquelle on fait ce projet de loi. J'espère ainsi avoir répondu à ces questions. Et j'admets tout à fait que d'autres membres du gouvernement et que d'autres personnes, qui soient ou pas dans ma famille politique, aient un avis contraire. Ça s'appelle la démocratie. Je rappelle d'ailleurs que c'est le gouvernement d'Edouard Philippe qui avait modifié l'AME avec Madame Buzyn. Et il y avait un ministre des Comptes publics à l'époque qui avait travaillé avec Madame Buzyn. Les questions que pose Monsieur Pogé, donc j'ai répondu pour l'AME et ainsi à vous ainsi qu'à Monsieur Madame Diaz, Monsieur Porte et Monsieur Di Filippo pour ce qui les concerne, me semble-t-il, sur la question des OQTF. Oui, ils sont dans le FPR désormais. Donc il y a une instruction
qui date de 2022, quand je m'étais engagé devant vous, le 17 novembre 2022, que j'ai signé, qui a été validé par le Conseil d'État parce que cette instruction a été attaquée par un certain nombre de personnes. Le Conseil d'État m'a donné raison et on inscrit désormais les personnes qui ont des OQTF dans le fichier du FPR. La difficulté, monsieur le député, vous le savez bien, c'est qu'une très grande partie de ces OQTF sont suspensifs de l'action de la police. Donc ce n'est pas parce que nous constatons quelqu'un que nous pouvons la considérer. Et évidemment, au FPR, il y a plusieurs catégories. Et on distingue évidemment l'étranger en situation irrégulière, qui n'a commis aucun crime et délit. Je rappelle que le délit de séjour irrégulier a été supprimé par une loi de 2012, mais aussi par une directive européenne d'ailleurs élaborée par le PPE. Mais le maintien de séjour, maintien de séjour irrégulier est toujours un délit. C'est ce qui permet aux services de police de faire leurs actions. C'est pour ça que le débat sur le délit de séjour irrégulier, monsieur le rapporteur général, me paraît un débat un peu ésotérique, dans les faits, pour les policiers et pour les gendarmes. On aura l'occasion d'en reparler. Cependant, toutes ces personnes qui sont au QTF sont dans le FPR et ils ne sont pas dans les mêmes cases, évidemment, que ceux qui sont des criminels. Il y a des personnes recherchées, il y a plusieurs types de personnes recherchées. Donc je voulais vous dire qu'on n'a pas besoin de la loi, c'est fait depuis le 17 novembre 2022. Alors après, qui est avant le 17 novembre 2022 des gens qui sont au QTF qui étaient, si j'ose dire, dans le stock et qui n'ont pas été mis, c'est possible, puisqu'évidemment, nous sincérisons ce fichier. Mais depuis le 17 novembre 2022, tous les nouveaux OQTF pris par toutes les préfectures de la République, les personnes sont systématiquement inscrites par les préfets. Madame Caramanli m'a posé trois questions précises. Je vais essayer d'y répondre précisément. Je ne suis pas favorable à l'article 1 étudiant caution. Je l'ai dit au Sénat. Je pense qu'il faut regarder un certain nombre de choses qui concernent les étudiants. Je crois d'ailleurs que la vérification des études sérieuse par les étudiants est une bonne disposition. Je veux attirer l'attention des parlementaires pour leur dire qu'il y a une difficulté, c'est que les facs, évidemment les facs publiques, voient leur budget en proportion des étudiants qu'ils inscrivent à leur fac, et il peut y avoir une tentation d'inscrire beaucoup d'étudiants à leur fac sans qu'ils fassent vraiment leurs études. C'est une possibilité. Ça ne pose pas la question des étrangers, ça pose la question de comment on rémunère les facs en France. C'est un autre sujet. Mais moi, je suis plutôt favorable à la vérification, ce qu'a d'ailleurs mis le Sénat. Alors, il faut savoir ce que c'est exactement, d'avoir fait correctement ces études de façon réelle et sérieuse, je crois que c'est le terme exact. En revanche, la caution me paraît une bizarrerie et même contre-productive. Parce que le sujet n'est pas de prendre des gens riches pour faire des études en France. Le sujet est de prendre des gens talentueux pour faire des études en France. Et il n'y a pas de lien entre talent et richesse, me semble-t-il. Donc, mettre une caution pour des gens qui viendraient de pays plus pauvres, ou même d'étrangers dans des pays riches qui seraient pauvres, me paraît contraire à ce qu'on essaye de faire dans la méritocratie française. Donc je suis défavorable à la caution. Il y a un mini paiement de visa, vous le savez, mais qui n'est pas dirimant, me semble-t-il, parfois aidé par les associations, par les pays. Mais je ne suis donc pas favorable à la caution pour les étudiants. Donc je n'ai pas de modalité d'expression, puisque j'espère que vous supprimerez cet article. En tout cas, vous le modifierez. Sur l'article 12, je suis effectivement favorable, comme je l'ai dit, à la suppression de la présence des mineurs dans les centres de rétention administrative pour les moins de 18 ans et dès la publication de la loi. Une exception vous est demandée pour Mayotte, parce qu'à Mayotte, ce ne sont pas que des délinquants, mettons, en CRA. Je rappelle que plus de la moitié des reconduites à la frontière de France se font à Mayotte, dans le seul CRA qui existe à Petite Terre, puisqu'on a un deuxième qui va se construire sur Grande Terre. Et il faudra supprimer également ça à Mayotte, mais il faut me laisser quelques années, ou en tout cas laisser au ministre de l'Intérieur quelques années, pour créer des unités de famille, pour pouvoir évidemment éloigner les personnes. Parce que quand on supprime les présences des mineurs en CRA, on ne supprime pas la possibilité d'éloigner les personnes. On veut bien éloigner des familles. Enfin, moi, en tout cas, entendons-nous bien. Je ne suis pas pour ne pas éloigner des familles. Je suis pour éloigner des familles dans des conditions pour que les bébés ou des jeunes adolescents ne vivent pas dans un centre de rétention administratif qui, aujourd'hui, on n'y met que des gens radicalisés et des gens qui sont délinquants. Donc quiconque a eu des enfants en bas âge sait que ce n'est pas une bonne construction mentale que de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éloigner les familles. C'est-à-dire qu'il faut le faire dans un cadre différent de ceux qui sont dangereux pour la société. On aura l'occasion d'en reparler, mais je suis favorable à 18 ans, madame à moins de 18 ans, madame la députée. Et puis l'article 20, alors moi, je n'ai pas du tout la même lecture, et je le dis ici à plusieurs intervenants, y compris à ceux qui évoquaient la question de la CNDA, du juge unique. D'abord, je rappelle que le juge unique, aujourd'hui, il existe. C'est 50% de ce que fait la CNDA. Deuxièmement, je veux vous dire que le taux de protection est le même en formation collégiale et en formation juge unique. Donc on ne fait pas ça pour avoir moins de taux de protection. Bon. Après, je vais vous lire l'article, parce qu'il y a parfois des moments où je me dis, tiens, je ne me rappelle plus très bien, où je rêve différemment. Mais en fait, à chaque fois que je le relis, je me dis, non, c'est bien, je ne suis pas dans Inception, je suis bien dans un monde réel. Monsieur Sachaoui n'a pas sa toupie, mais pour autant, je peux dire que c'est bien le texte de loi que nous avons non seulement élaboré, mais voté au Sénat par ailleurs. À moins que
de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation du jugement désigné en cette fin ne décide, à tout moment de la procédure, d'inscrire l'affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s'il estime qu'elle pose une question qui le justifie. Les décisions de la CNDA sont rendues par le président de la formation du jugement en statut en seul. À moins que le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de la formation, c'est-à-dire le juge unique, ou le requérant, c'est-à-dire le demandeur d'asile ou son avocat, à tout moment de la procédure, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter et on peut dire... Ah ben on a envie d'aller voir finalement un juge collégial parce qu'il faut qu'il y ait le HCR ou parce qu'il faut qu'il y ait une décision plus large. Ça, c'est le juge unique. Ben, ce n'est pas l'obligation par l'État ou par l'OFPRA. J'ai entendu des idioties générales. Ce n'est pas du tout ça. On dit que tout le monde doit se mettre d'accord pour que ce soit dans le juge unique. Et en plein milieu de la procédure, on peut s'arrêter pour aller dans le juge collégial. Alors pourquoi on fait ça? C'est la question que vous pouvez nous poser. Parce qu'il y a des décisions, mais la CNDA le dit elle-même. Il y a des décisions qui doivent être prises de manière collégiale parce que c'est des arrêts, on va dire, de principe. La jurisprudence Kaboul, lorsqu'il y avait une question avant l'arrivée des talibans, qui nous a bousculé dans la jurisprudence, des moments géopolitiques du monde où, bien sûr, des personnes qui arrivent peuvent faire valoir que dans telle partie de la région, il peut y avoir une persécution particulière. Une loi qui est adoptée pour la persécution des personnes transgenres ou homosexuelles. Enfin, on peut imaginer plein de raisons qui fait que, bah, y a une question de principe qui se pose et qui méritent un jugement collégial. Et puis après, il y a plein de questions, même si les cas sont tous individuels, qui se ressemblent. Vous le savez bien comment ça fonctionne, quand même. Et donc, y compris pour donner très vite l'asile. C'est plus facile pour un Afghan d'avoir l'asile s'il va devant le juge unique. Il l'aura, puisque le taux de protection est très élevé. On donne l'asile aux Afghans qui viennent d'Afghanistan et qui sont pourchassés par les talibans. Puis oui, il n'y a aucune raison de donner l'asile par principe. Par principe. À des Ivoiriens ou à des Sénégalais, sauf si, bien sûr, c'est des opposants politiques notoires ou des personnes qui sont persécutées en raison de leur sexe. Mais c'est vraiment très peu le taux de protection pour les Ivoiriens et pour les Sénégalais. Donc, il nous paraît que le juge unique, quand on sait que, un, il existe déjà, que deux, c'est évidemment un magistrat, que trois, il a le même taux de protection que le juge collégial, que quatre, il a le droit à tout moment d'aller voir le juge collégial, ça ne vaut pas la fin de la CNDA, qu'est-ce que j'ai entendu, la mise sous tutelle de la CNDA. Bon, voilà, là, on est parti assez loin, encore une fois. On n'est pas, ce n'est pas ce que vous avez dit, Madame la députée, mais c'est ce qu'ont dit d'autres orateurs. Là, on est parti assez loin, en tout cas, on n'est pas parti du texte du gouvernement, ni même voté celui par le Sénat, parce que le Sénat n'est pas revenu, évidemment, sur ces dispositions. Alors, moi, je veux dire, alors, l'orateur qui est parti, de la France insoumise, oui, il est plus là, mais de là où il est, il doit nous entendre. Sur la question de nous faisons monter les extrêmes, je pense que c'est plutôt lui, me semble-t-il, par sa posture idéologique, qui soit fait monter les extrêmes, notamment l'extrême droite, puisqu'il fait lui-même partie d'un extrême, donc c'est bien, il se rejoint dans les outrances. Mais soit, surtout, et je pense que ça c'est inquiétant, ne protège pas les étrangers eux-mêmes. Moi, je constate que les étrangers sont les premiers à demander des mesures de fermeté contre ceux qui se comportent mal. Parce que c'est les gens qui se comportent mal qui donnent une mauvaise image des autres, et c'est une des causes de la création du racisme et de la discrimination. Et moi, je n'ai jamais vu de gens aussi fermes que les personnes qui sont de population étrangère dans ma propre commune. Et je dis d'autant plus que j'en suis par deux fois le descendant. Donc on n'a pas la même façon de faire. C'est pas en laissant faire des criminels et des délinquants agir qu'on va protéger et mieux faire comprendre ou accepter l'immigration dans notre pays, qui l'a déjà très largement accepté depuis extrêmement longtemps. Donc je ne comprends pas ce raisonnement, sauf à faire effectivement 5 minutes sur les réseaux sociaux, puisqu'il n'a même pas écouté la réponse que j'ai essayé de lui apporter. Sur... je pense avoir répondu Madame Utalmer sur l'accès au droit. Sur Madame Youssoufa, elle a donc compris que comme je ne veux pas parler de l'AME dans le texte, je ne vais pas non plus en parler pour Mayotte, mais c'est un débat très intéressant qui peut se dérouler dans d'autres discussions, puisqu'en ce moment, il paraît qu'il y a des discussions budgétaires ouvertes et nourries avec le gouvernement dans un cadre parlementaire important. Donc n'hésitons pas. Moi, je veux dire à Madame Youssoufa que je suis très favorable à la disposition qui consiste à revenir, même à accélérer ce qu'avait fait votre collègue Tani sur les parents. Aujourd'hui, pour être régularisé à Mayotte, il faut avoir un des deux parents qui est régulier ou français depuis 3 mois avant la naissance de l'enfant sur le territoire national à Mayotte. Je suis favorable à ce que nous travaillons collectivement. Ce n'est pas dans le texte de loi aujourd'hui, mais je savais que j'allais le dire devant vous, pour que les deux parents doivent être réguliers, pas un seul, mais les deux, et depuis plus de 9 mois, pourquoi pas un an, sur le territoire national. 2, je suis favorable, M. Kamardine, à la disposition qui est de dire on ne peut pas régulariser à Mayotte. J'ai bien entendu que la question était Mayotte. J'ai bien compris que ce n'était pas national. À Mayotte,
de ne pas régulariser quelqu'un à Mayotte s'il est irrégulier en arrivant à Mayotte. Voilà. Ce qui blesse le droit à l'étranger d'être régularisé ailleurs, en France, mais pas à Mayotte. Moi, je suis favorable à cette disposition. Et je suis, mesdames, monsieur le député élu à Mayotte, je ne suis pas de ceux qui vous disent « ce ne sera pas constitutionnel ». On verra bien. Voilà, on verra bien. Ce n'est pas à moi de le dire, c'est au juge constitutionnel de le faire. Et je veux dire ici devant vous que sinon, il y a la loi Mayotte qui arrive, qui nous permettra de corriger si le Conseil constitutionnel nous fait des remarques. Et deuxièmement, s'il y a une réforme constitutionnelle, le président, vous avez vu, souhaite en faire une, moi, je suis pour qu'il y ait des dispositions particulières à Mayotte, parce qu'on ne peut pas gouverner Mayotte, me semble-t-il, qu'on gouverne le reste du pays. Vous avez tout à fait raison, sur le droit du sol et le droit du sang à Mayotte, dans des conditions qui sont déjà différentes du droit commun. Voilà, et ça, c'est mon avis personnel. Mais je pense que qui peut plus peut le moins. Et on peut faire ces dispositions dans le texte ordinaire. On verra ce que dira le Conseil constitutionnel. Je suis tout à fait prêt à y travailler. Je crois qu'il y avait une question sur l'indépendance de l'OFPRA. Évidemment, ni l'OFPRA ni l'OFI ne voient revoir leur indépendance, et encore moins la CNDA. Mais bon, c'était évident. Je pense à M. Di Filippo, lui avoir répondu sur l'AME et sur les demandes. Sur les demandeurs d'asile, alors pour le Calvados, alors je regarde exactement la question de Ouistreham. Je t'avoue que je la connais moins bien que la question du Nord-Pas-de-Calais et de la question des... qui est à peu près similaire, puisque c'est à peu près le même type de public qui veulent passer en Angleterre. Parce que, oui, alors bon, on peut avoir envie d'aller à Calais, à Boulogne-sur-Mer. Moi, j'y vais en vacances et j'y ai ma maison de famille. Mais, et à Ouistreham, en général, voilà, on y va surtout parce que c'est près de la Manche et qu'on a envie de passer la... Il se passe des choses magnifiques en Calvados, hein, notamment ce département de la Première ministre, je n'oserais le critiquer. Et le Nord-Pas-de-Calais est une région formidable, mais ce n'est pas l'endroit où, en général, spontanément, on a envie d'installer sa présence. Bon, et je le dis avec... voilà, bien sûr, c'est... Au moins, c'est réaliste. Voilà. Mais on y est bien, on y est bien. Je suis d'accord, ce n'est pas assez connu. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent aller en Angleterre. En grande partie, ils veulent aller en Angleterre. C'est souvent des Érythréens. Enfin, bon. La difficulté, c'est que quand on demande à ces personnes de voir déposer l'asile, alors je peux comprendre qu'il y ait des moments où ils ne peuvent pas le faire. Et je pense que là, ce qu'évoque Madame la députée Tannheimer peut être utile, y compris à votre disposition, monsieur le député. Mais moi, de ce que je connais... du nord de la France, de Grande-Synthe, de Calais, de Boulogne, où il y a 15 fois moins de migrants aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans, grâce à l'action du gouvernement de M. Hollande et l'action très forte de M. Cazeneuve. Moi, je pense qu'on peut ici remercier M. Cazeneuve pour l'action très forte quand vous étiez en responsabilité dans la lutte contre l'immigration irrégulière, le démantèlement des camps de migrants. Vous êtes moins en support, mais je pense que c'est important de le dire. C'est une action socialiste extrêmement forte et ferme contre l'immigration irrégulière qu'on essaie de continuer. Il y a 15 fois moins de migrants aujourd'hui. Quel est le sujet? En fait, il y a moins de 5% de ces personnes qui demandent l'asile sur le territoire de la République, à Calais, à Boulogne-sur-Mer, à Grande-Synthe. Parce qu'en fait, ils veulent aller en Angleterre. Ils veulent avoir l'asile ou la protection en Angleterre. Et notre difficulté, c'est comment l'Angleterre, comment la Grande-Bretagne accepte de remettre ce qui arrive normalement dans n'importe quel autre pays au monde, une relation d'immigration normale et d'accès légal à son pays pour pouvoir déposer des demandes d'asile. Et tant que l'Angleterre restera dans les lunes du Brexit sur les questions migratoires, elle s'oblige à ne pas avoir appliqué Dublin, elle ne peut plus faire de reconduite à la frontière, et elle oblige les gens à passer, puisque désormais le tunnel est complètement bloqué, par des bateaux pour aller en Grande-Bretagne. Voilà. Et elle ne voit pas qu'elle doit changer de paradigme. Alors peut-être qu'elle le verra un jour, mais elle ne le voit pas pour l'instant. Donc si je peux comprendre ce sujet, je peux aussi voir que, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, monsieur le député, encore une fois, je ne connais pas très bien la situation du Calvados pour vous répondre avec précision, mais je le ferai la prochaine fois, je vous le promets. La difficulté, monsieur le député, c'est quoi? C'est que, y compris lorsqu'on propose des hébergements, souvent, ils n'y vont pas. Parce qu'ils veulent être soit, évidemment, prêts pour le prochain bateau, soit parce qu'ils sont sous la main des passeurs. Il y a aujourd'hui plus de 800, par exemple, chambres de libres, au moment où je vous parle, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et il y a quand même des camps de migrants. Et pourtant, on leur propose d'y aller. Et pourquoi ils ne veulent pas y aller? Parce qu'ils veulent passer en Angleterre. Voilà. Alors évidemment, des conditions absolument affreuses que vous avez décrites et qu'il convient d'abord de remercier les gendarmes et les policiers pour leur travail, parce que ce n'est pas évident. Ils plongent dans l'eau, vous savez bien, à une eau difficile pour sauver des bébés, des femmes, des enfants, des personnes qui veulent traverser dans ces logements des bateaux de fortune. Mais je pense que ce n'est pas aussi manichéen que ça. En tout cas, je regarderai les choses avec intérêt. Monsieur Guiton, alors moi, on peut faire sondage contre sondage. Je constate aussi que 80% des Français sont pour ce projet de loi. Y compris, 60% des Français sont pour la régularisation des travailleurs métiers en tension. D'ailleurs, je ne vais pas faire ici le détail, mais il y en a partout des gens qui demandent de régularisation, dans tous les groupes, monsieur Guiton. Je ne vais pas commencer à rentrer dans le secret professionnel, ce ne serait pas ça. Mais dans tous les groupes. Dans tous les groupes, voilà. Pourquoi? Parce que c'est normal. C'est normal. Des gens qui travaillent, on souhaite les régulariser.
les gens qui, effectivement, méchant avec méchant, gentil avec gentil, moi je pense que tout le monde le comprend, les gens qui sont respectent pas les valeurs de la République, je pense qu'on veut tous s'en séparer. Mais c'est pas extrêmement grave. Donc les sondages, il faut les prendre avec, avec parcimonie, parce que dans ces cas-là, vous seriez comme un seul homme, évidemment, favorable au texte que nous vous proposons, puisqu'il est très largement soutenu par les Français à des taux très, très importants. Par ailleurs, ça ne veut pas dire que les Français ne sont pas favorables à une politique plus ferme, ou même à un référendum. Sachez que vous savez bien que pour faire un référendum sur l'immigration, il faut d'abord changer la Constitution. Donc c'est une solution intéressante, mais qui n'est pas immédiate. Au moins, ce que je vous propose, c'est immédiat. Vous devriez pouvoir les regarder. Alors, le taux d'application aux OQTF. Je termine par là, Monsieur le Président, j'en suis désolé, mais c'est très important parce qu'il pourrit le débat médiatique. D'abord, aucun chiffre du ministère de l'Intérieur n'a jamais diffusé, dans aucun document budgétaire, dans aucune documentation, un taux de pourcentage des OQTF appliqué. Le pourcentage que vous évoquez, vous savez ce que vous faites quand vous faites. Vous prenez le nombre des mesures administratives. Il n'y a pas que les OQTF, il y a aussi les ITF. Enfin, il y a toutes les mesures administratives que nous prenons. Et vous regardez le nombre de gens qui sont partis, et vous faites une division, et vous dites, ah ben, vous en êtes à 10, à 15, à 20%. Alors d'abord, monsieur le député, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est justement l'absurdité de notre fonctionnement. Sur les 120 000 mesures administratives que nous prenons, dedans essentiellement des OQTF, 80% d'entre eux sont suspensifs. Donc ce n'est pas honnête, et vous seriez à ma place immédiatement, malgré votre bonne volonté, et même avec le programme de Madame Le Pen, vous ne l'appliqueriez pas à un meilleur taux d'OQTF. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas appliquer des mesures administratives qui sont suspensives. Et c'est tout à fait malhonnête de dire qu'il y a eu 120 000 mesures en 2023, il y a eu 20 000 retours en 2023, en faisant croire que ce sont les mêmes. Puisque c'est suspensif et qu'on met 3 ans, les mesures qu'on applique en 2023, c'est celles qui ont été prises en 2020-2021. Il n'y a pas d'équivalence dans votre tableau. Alors j'entends bien que nous ne sommes pas extrêmement efficaces sur les retours. Je suis le premier à le dire, c'est pour ça que je propose un projet de loi. Mais vous ne pouvez pas faire comme si... D'abord, les autres pays étaient plus efficaces. Ce n'est pas vrai. On a tous les mêmes problèmes parce que nous dépendons soit de laissez-passer consulaires qui ne sont pas donnés, et ça pose d'autres questions qui évidemment, méritent d'être évoquées, soit d'une lenteur administrative que j'essaye ici de combattre. Je n'aurai pas 100% d'application des OQTF. Hein. Moi, j'essaie d'être honnête, mais je pense que j'aurai une bien meilleure application des OQTF pour plein de raisons qu'on pourra évoquer, que j'ai commencé à évoquer. Mais ce chiffre que vous donnez d'application de QTF ne repose sur aucune réalité administrative. Alors on peut toujours continuer à dire c'est 7%, c'est 20%, c'est 18%. Personne ne l'a jamais mesuré. D'ailleurs, monsieur le président de la commission des lois, c'est quelque chose d'intéressant pour qu'on puisse se dire, voilà, quand on prend un QTF, à partir de combien de temps on applique? Et d'ailleurs, vous savez, il y a plein de QTF qui sont, et c'est même la majorité, exactement, de départs volontaires. Et c'est-à-dire que les départs volontaires, on ne les calcule, on ne les compte pas. Donc, non, mais c'est très important. Il y a plusieurs types de QTF. Il y a des départs forcés, c'est ceux que vous comptez. Il y a les aides volontaires. Vous avez vu que c'est déjà les aides volontaires, c'est 20%. Puisque quand on fait les forcés, c'est 7%. Et quand on regarde avec les départs volontaires aidés, ce que fait l'OFI quand elle donne une carte pour que les gens repartent chez eux et qu'ils peuvent toucher cet argent qu'une fois qu'ils sont partis chez eux, c'est déjà on a 20%. Et il y a tous ceux qui ont des EQTF qui partent de leur plein gré et qu'on ne compte pas, pour plein de raisons. Peut-être que ce n'est pas le bon système, d'ailleurs. Voilà. Et puis, par ailleurs, si on compare avec d'autres pays, regardez l'Allemagne. En Allemagne, il n'y a quasiment pas de QTF, on le prend dans l'avion. Parce que c'est ce qu'on appelle les tolérances, et donc, que font les Allemands. Ils disent à quelqu'un qui est irrégulier, vous avez le droit de rester en attendant la fin de votre cours. Peut-être que c'est un calcul qu'il faudrait faire, mais si j'étais venu devant vous pour dire mes fins aux EQTF, vous m'auriez dit, monsieur le ministre, vous cassez le thermomètre. Donc moi, ce que je vous propose, c'est le contraire, c'est la simplification drastique des procédures pour permettre une beaucoup plus grande application des EQTF. J'espère vous avoir démontré que c'était comme ça qu'on y arrivait. Puis enfin, oui, vous avez parfaitement raison, les 4 000 délinquants étrangers chaque année, en moyenne, je pourrais procéder à leur éloignement, à leur expulsion. Exactement, article 9, article 10, article 13. Et effectivement, tous seront concernés, alors qu'aujourd'hui, je ne peux pas leur mettre une disposition, je ne peux pas les mettre dans un avion, je ne peux pas les mettre dans un centre de rétention administratif. Tous seront concernés. C'est pour ça que j'aurais du mal à comprendre qu'on ne vote pas ce texte de loi qui donne vraiment une sécurité aux Français contre des multirécidivistes. Et donc ainsi prend fin la discussion générale et votre audition, monsieur le ministre. On se retrouve ce soir à 21h30 en commission pour l'examen de la proposition de loi sur les discriminations.